Re les petits choux, bonjour à ceux que j'ai pas encore vus. Re mon petit gosse, bonjour Adjil, bonjour Jojo. Comment allez-vous? Deux streams dans la journée et en plus un dimanche. Ça c'est beau les gars. Hein. La première fois que ça arrive. Alors attendez, parce que j'étais en train de gérer un truc, j'étais en train de bosser avant d'arriver sur les versions de Senshi la Folle, parce que du coup on a fini avec Saint-Béni. Et du coup, je pense que je vais commencer à bosser un petit peu dessus ce soir. Je devais faire attention à ne pas vous les leak. Parce que me connaissant, je serais capable. Voilà, voilà. J'attends que Nico arrive, il revient de la balade là avec Tomomo, il est en train de lui laver les pattes. Donc j'attends qu'il soit là pour lancer la partie, parce que du coup, par rapport à ce matin, on s'était arrêté sur une toute petite île, et là j'ai lancé, j'ai laissé le radeau en gros aller au gré du vent. musique la folle, version femme. Juste histoire que ça récupère quelques matériaux et on s'est enfin, je nous ai fait arrêter sur une île classique, donc qui fait pas partie de l'aventure, mais où il y a pas mal de ressources dans l'eau et sur terre, histoire que voilà, on se refasse un petit peu de stuff avant de pouvoir continuer l'histoire. C'est le seul problème dans Raft, c'est qu'il faut quand même prendre un petit peu de temps pour se remettre à flot, c'est le cas de le dire, sans vilain jeu de mots, pour pouvoir être opérationnel. Alors attendez, j'envoie juste un petit message à Béni. Voilà, et après je vous lis et je fais le message épinglé. Ah bah écoute, je fais une petite sieste. Attends, je fais une petite sieste. Into the douche, là je suis frais pour un beau live. Attends. Tu fais une petite sieste into the douche? Tu fais la sieste dans la douche? J'ai pas compris. Tu as pensé à ta pomme pote? Alors non, parce qu'on a mangé très tard. On a mangé, bah t'as vu la photo sur Discord, on a mangé, on a fini de manger à 15h, donc j'avoue que pour l'instant je suis blindé. Je pense que je peux ne pas manger jusqu'à demain tellement je suis remplie. Donc c'est bon, j'ai juste mon eau et ça fera le café. Alors attendez, je vous mets le message. Hop. En tout cas, les musiques de la folle sont trop trop bien. Nénia a super bien bossé, on a bien bossé sur les paroles et tout, je suis très contente. En coopération avec Nico. Hop, on stream jusqu'à, du coup, je sais pas, 20h, 21h. On va voir selon ce qu'on a envie de faire, selon qu'on avance. Mais en gros, vu qu'on a mangé très tard, habituellement, on mange vers 19-20h. Mais là, vu qu'on a mangé très tard, on peut se permettre de manger plus tard et d'avancer sur le jeu. Voilà. Pardon, j'ai fait. Il faut croire que je ne suis pas encore tout à fait réveillée. T'inquiète, y'a pas de problème. Pas de soucis, pas de soucis. En tout cas, Adjil, ici présent, a validé les deux, donc... Les deux musiques sont très différentes l'une de l'autre en termes de style, en termes de tempo, etc. Mais je pense qu'elles vont bien vous plaire. Ça veut dire que si on se fait manger, elle peut exploser. Que si on fait... Attends, si on fait manger, elle peut exploser. Ton sous-marin Tomoki, c'est un tapis de sous-main. Oui, c'est un tapis de souris XXL. Attends, je sais pas si je peux te le montrer. Alors c'est un ancien, dans le sens où à partir de septembre, c'est un nouveau qui va sortir, qui sera encore un peu plus long. Je crois que c'est la même largeur, mais il est un peu plus long. Attends, je vais essayer de te montrer sans tout casser. Attends, wait a minute. Je vais rien casser, je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Voilà, mon clavier. Attends, yup. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire plaisir à Jojo, hein? Attends, je te montre. Attends. En plus, il y a des petites saletés, on va profiter. Hop. Mais oui, c'est un tapis de souris à la base. C'est juste que moi, je l'utilise vraiment en version XXL. Donc ça, c'est les premières versions que je vends sur ma boutique. Et il y a une version où, en gros, en termes de longueur, il est encore un peu plus long. Donc en gros, il va arriver par là, à peu près. Ils vont sortir en septembre, ce sera la version 2.0. Et du coup, c'est des... je sais pas si vous voyez, Shazael, elle aurait kiffé si elle était là. C'est des petits pandarous. Voilà, mon cher Jojo. Sur ce, je vais réinstaller mon matériel. J'espère que t'as apprécié la petite démo. Alors attends, mon clavier, il est là. C'est pratique d'avoir un clavier sans fil, hein, je vous le dis. Hein, parce que pour tout bouger, is ok. Voilà, j'espère que tu auras apprécié la démo. Il y a un truc qui bloque. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une bêtise, évidemment. Que serait Senshi sans des bêtises, hein, j'ai envie de vous dire? Rien. Ce ne serait pas Senshi. Voilà, attends, je remets... Il y a...
Attends, il y a un bug. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah mais attends, j'ai fait une bêtise moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Il manquait une partie. La première fois que j'ai vu un tapis de souris L ou XL, j'ai halluciné, d'où un tapis de souris c'est aussi long de trouver une souris à la taille du tapis. En fait, c'est surtout que je trouve ça très agréable parce que c'est une matière qui est douce. Donc plutôt que d'être sur le côté plastique de ma table, enfin plastique métal, c'est beaucoup plus agréable et du coup, tu vois, quand je pose mes bras là, c'est beaucoup plus agréable. Et j'ai un clavier aussi spécial. Je sais pas si je voulais montrer. Bon, c'est vraiment un truc basique. Hein. Je sais plus que c'est la marque, mais bref. Et j'ai un rebord là, ici, ce qui fait que du coup, quand je pose mon poignet dessus. Là, c'est plus doux que juste se retrouver avec le poignet dans le vide. C'est pour mes problèmes de santé. C'est beaucoup plus agréable. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais plus quelle est la ref, mais c'est très agréable. Voilà. Donc, tu vois, quand j'ai le poignet... Bah non, je suis bête quand je ne voyais pas. Quand j'ai le poignet comme ça, du coup, le poignet repose en partie ici. Sur cette partie, du coup, c'est beaucoup plus agréable. Et le fait qu'il soit sans fil aussi, c'est trop bien. Et il recharge... Je sais pas, c'est avec un système de piles, je crois que je le recharge tous les 2 mois, un truc comme ça. Enfin, ça fait. C'est super bien. Je sais plus si c'est dérivé de la marque, un truc dans ce style. Enfin bref, c'est très bien. Ta présentation, tapis, était super, merci. Elle casse tout qu'une délicatesse. Je t'en mets cordialement. À boire. Oui, Nagisa, je vais boire. Tu as raison. Il faut rester hydraté, Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai hâte de vous dévoiler les musiques de Senshi la Folle. Si je peux, je vous les dévoile mercredi soir, si je peux. Sinon, ce sera certainement la semaine prochaine, mais au plus tôt, mieux c'est. C'est vrai, je pense aussi, quand je déménagerai, il faudrait que j'essaye mon tapis au lit. Ah, t'as un tapis de souris au lit? Ok. Très bien, mon cher. Hop là. Nico va arriver d'ici 2 petites minutes. Je pense que je vais lancer le jeu en attendant, comme ça on avance un petit peu. Voilà. Tu insultes en plus, fais attention, je demande à tu sais qui te faire peur. Il a interdiction de me faire peur, le méchant. Je lui ai dit t'arrêtes de me faire peur. Ça va toi? Oui, ça va. T'as pu te reposer un peu, Nagisa, ou pas du coup cet après-midi? Alors attendez, du coup je vais lancer le jeu en attendant que Nico arrive. En principe, il devrait pas trop tarder. Hop. Donc du coup, je me suis arrêtée, comme je vous ai dit, sur une île standard, on va dire, histoire de pouvoir se refaire un petit peu des ressources. Mouais. Ah. Ça veut dire j'ai pas super bien dormi, c'est ça. J'en suis désolée pour toi. Va falloir dormir ce soir. Va falloir se rattraper, là. La nuit blanche, ça décale pas mal. Hein. Alors, je vous explique. Donc là, vous voyez, on est sur une île... une grosse île, mais une île standard, c'est pas une île d'aventure. Et le but, c'est vraiment de faire à fond les fonds marins et l'île en général, histoire de se reconstituer des trucs, parce que vous voyez, mon arc, il est à moitié. Ma hache, bon, j'ai même plus de hache en métal. Enfin, c'est un peu... on est un peu à l'article de la mort, là. En termes de ressources, on est bien en général, mais c'est juste qu'en termes de métal, on a quasiment plus rien, et il faut qu'on se refasse bouteilles d'oxygène et plein d'autres choses. C'est le principe des jeux de survie, hein. C'est que t'as quand même une partie farm obligatoire malheureusement. Donc on s'arrête sur cette île avant de reprendre la suite de l'aventure. Le petit plus clavier pour reposer tes poignets, je vote pour, j'en ai un aussi. Le sans fil c'est la vie, j'ai déjà clavier et casque, mon plus que la souris. Et ben moi c'est une... Alors moi vraiment c'est le truc de base, hein. Vraiment c'est la souris qui est fournie avec le clavier. Et ça fait le taf. Alors bon, après c'est parce que je fais pas de FPS. Quand je fais vraiment du FPS, j'ai une plus grosse souris, vous savez, avec des boutons sur les côtés. Mais maintenant, étant donné que je fais quasiment que de la manette, et je cherche quasiment à faire que de la manette, parce que c'est beaucoup plus agréable pour mes problèmes de santé, je me prends pas la tête, ça va très bien. Un petit clavier qui fait le taf, une petite souris qui fait le taf, et puis voilà. J'ai fait une nuit blanche, je peux en enchaîner une deuxième après. C'est une question ou... Alors moi, j'avoue que j'ai jamais fait... de nuit blanche volontairement, en tout cas, enfin j'ai déjà eu des problèmes d'insomnie qui m'ont fait faire des nuits blanches, mais je suis jamais restée volontairement debout, genre pour faire la bringue ou un truc. Donc je sais pas trop ce que ça fait, je m'en rends pas compte, j'avoue. En tout cas, force à toi, hein, parce que moi je pense que j'aurais pas les... l'énergie, mais vous allez tous dire, bah vu ton énergie, Senshi, bien sûr que si, c'est possible. Je vous connais, je sais ce que vous allez dire, je vous connais. J'en ai même 2 tapis de souris au lit, mais peut-être que je t'en prendrai un aussi jusque-là. Non, c'est véridique.
Ok, et eh ben punaise. Je sais pas si je dois dire GG parce que je sais pas si c'est une bonne chose au final de faire des nuits blanches, mais bravo d'avoir la capacité parce que moi je ne l'ai pas cette capacité. Enfin, manette, tu as quand même une façon bien spéciale pour utiliser ta manette. Ah, mais je n'ai pas dit le contraire. Faut être original jusqu'au bout, mon petit Jojo. Je veux être une originale jusqu'au bout. De toute façon, c'est le destin à décider pour moi. C'est pas moi qui décide de tenir ma manette bizarrement. Moi, j'ai toujours pensé que la manette se... Enfin, comment dire. C'est pas que je pense que la manette se tient comme ça, mais c'est juste que pour moi, je vois pas comment la tenir autrement. C'est comment dire. C'est pas que c'est inné, c'est que c'est ça s'impose à moi, on va dire. Je sais pas trop comment formuler ça, mais je me comprends. Je fais comme... Comme je sens que ça vient, voilà. Je sens qu'il faut le faire, qu'il faut que je fasse comme ça pour être bien. Bah, je fais comme ça pour être bien. Puis voilà. Du coup, tu reprends le boulot, Jojo. Tu reprends le boulot lundi, Jojo, point d'interrogation. Voilà, ce sera peut-être plus clair pour vous à comprendre ma question comme ça. Non. Non, quoi, Nagisa, pardon, j'ai pas suivi. J'ai mal aux fessiers. Oh, c'est pas cool, ça. Ça ferait Senshi zombie. Oh, oui. Oui, je pense, oui. Oh, il y a la biquette. Oh, attendez, je vais essayer de choper la biquette tant que Nico est pas là. Comme ça, je lui dirai, regarde ce que j'ai fait, Nico. Il sera fier de moi. Attendez, alors pour l'instant, je me noie. Attendez. Attendez, il y a la biquette. Il y a la biquette, on va aller choper la biquette. J'espère que je vais avoir le temps de choper la biquette avant qu'il arrive. Attendez. Je me focus. Oh putain, mais il est où le lance-filet? Oh non, envie de canner. Il est où le lance-filet? Oh putain, si elle se trouvait là après le lance-filet. Non, attendez. Lance-filet. Lingot de métal, boulon. Il me faut ça. Attendez. J'y veux lui faire une surprise. Est-ce que j'aurai le temps de lui faire une surprise? Je ne sais pas si j'aurai le temps. Vous pensez que j'aurai le temps? Je ne sais pas si j'aurai le temps. On va essayer les bébous. Je sais pas pourquoi je me mets à chuchoter. En principe, on peut pas m'entendre, mais on sait jamais. Allez, tu sais, avec le lance-filet. Ok, on va essayer. On va essayer. Il y a un sanglier, il faut faire attention. Je sais pas du tout comment on utilise ce truc. J'espère que je vais réussir, comme ça il va dire Senshi, t'es trop forte. Attends. Oh, je l'ai eu. Let's go. Il va revenir, il va... Je vais lui dire, regarde Nico, regarde la surprise que j'ai pour toi. J'ai trouvé une piquette. Oui. Oh merde, attends, est-ce que je vais pouvoir passer? Faut pas qu'elle aille dans l'eau. C'est bon, c'est ok, on a réussi. Let's go. Viens. Comment on l'appelle? Si, je sais comment on va l'appeler. C'est pas parfait comme nom, elle est noire en plus, Dark Ghost. Voilà, allez hop, va vivre ta vie. Allez, vive ta vie. Comment on fait pour récupérer son lait par contre? Je sais pas comment on fait. Alors là, franchement, je pouvais pas mieux trouver. Regardez qui en a trouvé. Attendez, je vais me mettre sur Discord. Attendez. Oh, comment je fais? Faut que je prenne une photo. Attendez. Allez, tourne-toi, Ghost. Tourne-toi, je vais prendre la photo. Voilà. Non, j'ai pas eu le temps de prendre la photo. Attendez, poussez-vous. Donc j'ai le temps de prendre la photo. Oh, c'est parfait. Ça me bute de rire. Attendez, faut qu'il arrête de bouger. Mais petite chèvre, t'es bien une chèvre, tiens, voilà. Hop. Arrête de bouger. Voilà, c'est bien. Pas bouger, j'ai dit. J'ai dit pas bouger, Ghost. Don't move. Non, mais on voit plus ta plaque, là.
il faut qu'on voit ta plaque. Oh, c'est parfait. Regarde-moi ça. On est trop chou en plus. Trop chou. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Oh, mais il est têtu, dis donc. Ça me rappelle quelqu'un, bizarrement. Attends. Ah, mais pousse-toi de la... Mais pousse-toi de la main. J'arrive pas à faire ma photo. Putain. Mais c'est pas possible, c'est un vrai troll. Même dans le jeu, c'est un troll. Sur Twitch, c'est un troll, et là, c'est un troll. Mais le troll... Mais arrête de bouger. Stop. Arrête de bouger, j'ai pas le temps. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon là, c'est bon, j'ai réussi ma soirée. Attendez, y'a Nico qui m'a dit je suis prêt. Attendez, on va lui faire la surprise. Attendez, on va lui faire une surprise. Attendez, je lis les messages. J'approuve le nom, parfait, c'est moi où tu me cherches. Non, pas du tout. Pour le lait, il faudrait peut-être un récipient. Oui, je pense. Je sais pas pourquoi les 150 vont arriver très vite. Elle est pas gentille. Oh, on rigole avec le chat, on rigole. C'est parce qu'il m'embête. Qui aime bien châtie bien. C'est en vrai, vous savez pourquoi ça m'est venu? Juste parce qu'il est noir. Voilà. C'est juste parce qu'il est noir et que Ghost, ça fait dark Ghost, fantôme noir. Voilà. Je trouve que ça lui va à la perfection. En plus, on prend soin de lui. Regarde. T'as de l'herbe, t'as de l'eau. Tout est parfait. Je vois pas où est le problème, moi. Hein. Je vois pas où est le problème. Ils ont même une énorme pancarte pour leur nom. Coucou Chacha, excuse-moi, j'étais partie dans mon délire. Nico, tu m'entends? Oh, t'as osé. T'as vu les surprises? Ah ouais, t'as osé. J'ai tranché une chèvre. Mais elle est noire, c'est pour ça, je me suis dit, c'est parfait. Regarde, on prend soin de lui, regarde. Il a de l'herbe, il a de l'eau. Tu sais qu'en plus, le bélier, c'est l'animal du diable, hein, quand on le représente. Ah oui, je sais. Pour ça? Ok. Un bélier noir, dark ghost, tu vois, ta représentation, tu devrais être fière, regarde, je t'ai personnifié, franchement, tu devrais être fière. Alors, bon déjà, salut à tous depuis ce matin, et puis je me déresponsabilise complètement. Voilà, c'est dit. Mais regarde, il est trop mignon avec ses petites... Oui, oui. Parce qu'en fait, je suis arrivée sur l'île, je l'ai vu, j'ai fait « Oh, on va faire une surprise à Nico !» Et au moment où je l'ai posé, j'ai percuté qu'il était tout noir parce que j'avais pas fait gaffe en le choupant. Yes. Et je me suis dit « Regarde !» Bah, du coup, faut prendre un seau pour le traire, non? Ouais, je pense. La personnification du diable, tout noir. Bah, c'est Dark Ghost, voilà. Comme ça, lui aussi, il fait partie de l'aventure, tu vois. Je suis gentille. Comme ça, il participe à l'aventure. Bah oui, attends, carrément. Il a de l'herbe, il a de l'eau. Regarde comme il est mignon, petit cœur de beurre, là. Regarde, oh, Ghost, merci pour ton lait. Je sais pas comment tu dois le prendre, mais voilà. Tu le prends comme tu le peux. Merci pour ton lait. Merci pour ton lait. On va faire de sa graisse moussie avec. Mais c'est parce que je t'aime bien, mon petit gosse. C'est parce que je veux penser plus à toi. C'est pour ça, tu vois. C'est comme ça, je pense à toi tous les jours. Au bord de l'eau. Prends soin de toi. Un conseil, Nico, dans peu de temps, tu vas la retrouver en PLS en pleurant. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Ça va bien se passer. Ouais, non, il faut un saut. Ça marche pas avec les gobelets. Un saut? On peut faire un saut? Oui, on peut faire un saut, c'est un des premiers trucs que tu peux faire dans le jeu. Ah, d'accord. Et moi, j'ai aussi le droit à mon petit animal du radeau. Alors, pour l'instant, il y a Cusco, et comment on l'avait appelé, non, mais... lui? Hey, hey, tu veux qu'on trinome, Jojo? Tu veux qui? Tu veux le lama ou tu veux la cocotte? Qu'est-ce qu'il trouve? Putain, mais ça va devenir l'arche de Noé, là. Tu trouves que c'est quoi qui te correspond le plus? Le lama ou la cocotte qui pond des œufs? Vas-y, demande, j'exécute. Donc sinon, blague à part, t'as vu, on est tombé sur une très bonne île. Il y a l'air d'avoir plein de trucs à trouver, donc on va bien se fondre la poire, moi, je pense. J'ai fait 20 tonneaux d'avance, je les mets dans le coffre, là. Des tonneaux? Hein? De quoi tu parles? Pour le lait. Ah! Pour récupérer le lait, ah oui. Ah oui, parce qu'en plus, on en a besoin pour plein de recettes. Et du coup, Nico, donc je me suis occupée, tu sais, des trucs avec les appâts. Mmh. Donc t'as récupéré quoi? J'ai récupéré plein de poissons, des crevettes et deux autres styles de poissons spéciaux. Donc, si... Et la cabane, elle est juste là.
au fond à gauche de l'île, littéralement à côté, et j'y ai mis dans un coffre en haut, si tu veux prendre, comme ça on regarde ensemble les recettes. Voilà. Ok. J'ai bien travaillé pendant ton absence. Ouais, je voilà. Vois ça, c'est bien, ma chérie. J'ai été créative aussi. Ouais, je vois ça. mangue, banane, je vais faire quelque chose. Attends, c'est quoi le mieux niveau recette? Tu veux que je commence par quoi? Je sais pas, moi. Attends, on peut faire mangue, banane et tu sais, le smoothie argenté. Ah oui, on en a. On peut faire le banana mangue. Mais pourquoi c'est le même. Il y a deux fois le smoothie argenté. Bah, je vais le virer. Voilà. Non, banana mangue, et la différence, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de bananes. Et l'autre côté, il y a le truc argenté. Oui, je sais, non, mais parce que donc j'ai un enlevé le blanc. Parce que n'importe, je m'en fous. On va essayer le smoothie argenté. Parce que je sais plus ce que je voulais dire, super. Je vais boire déjà. Je l'ai enlevé, celui qui était en trop. Je sais pas trop, c'est lequel le plus casse-bonbon. Attends. Attends. Je précise en plein live, mais j'en doute pas, hein. J'en doute pas. Je vais mûrir ce soir. En participer à mon enterrement, let's go. Je sais pas, Jojo, il y a personne, mais tu sais, on prend soin de nos petits animaux, hein. C'est pas pour moquer, hein, c'est juste que je trouvais que c'était parfaitement amené, parce que le bélier, comme a dit Nico, ça représente... Comment t'as dit ça, déjà? Ça représente... Le diable. Ça représente le diable, et il est tout noir, donc franchement, ça aurait été dommage de pas le représenter, tu vois. Je sais pas, le lama ou la cocotte, il en reste deux. Tu choisis, Jojo, tu choisis. Qui te fera plaisir? Oh là, il n'y a plus d'eau, attendez. On va mourir de soif. Et mes plantations aussi. Au secours. Au secours. Donc là, tu es en train de dire que tu aimes bien traire et tondre ton chat, quoi. Voilà. Ok, tout exactement. Va bien. Exactement. Tout va bien, tout va parfaitement bien. Je suis pas déçu de ma première expérience stream. Hein. Ah bah, j'espère. Allez, va pour la cocotte. Allez. Jojo, il a dit qu'il voulait la cocotte. Pas ce soir sur un jeu d'horreur bien flippant. Oui, mais je me doute. Je me doute, hein, je te connais, hein. De toute façon, t'as même pas besoin de ça pour avoir envie de le faire. Hein. Au moins, ce sera mérité. Tu vois, j'accepte mon destin. Ah, on n'a plus de mangue. Voilà, hop, regarde. Et hop là. Merde, attends, il est où Jojo? Et comment je fais pour voir son nom? Non, on n'a plus de mangue. Attends, est-ce que je vais réussir à le prendre en photo? Je sais pas. Est-ce que je vais réussir à te prendre? Oui, gosse, on te voit, attends. Prends pas la vedette. Attends, je vais réussir à le prendre en photo ou pas? Oh non, mais vous bougez trop les cocos là. Attends, comment je fais pour prendre en photo? Je veux montrer au chat. Oh non, mais c'est problématique parce qu'il est tout petit. Comment j'ai fait pour le prendre en photo? Il est tout petit. Viens là. Viens Jojo, viens. Viens parler à Jojo. Il est trop mignon, il fait penser à Hey Hey dans Vaiana. En plus, il y a un deuxième qui est sorti ou qui va sortir en septembre, je crois. Tu m'avais dit, Nico. Je crois. Putain, comment je fais pour le prendre en photo? Je sais plus c'est quand la date exacte. Nico, si tu le prends... Attends, je vais y arriver. Je sais pas si j'ai réussi. Tu veux vraiment embarquer dans tes délires, là? Ah, ouais. Ah, t'es marié avec moi, t'as pas le choix, hein. Attends, faut qu'il se retourne. Jojo, retourne-toi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, hein? Jojo, retourne-toi. Quoi, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit à la vie, à la mort, et ben quoi? Non, t'as dit que j'avais pas le choix. Ah bah bien sûr que t'as pas le choix, t'es mon mari. Je me déresponsabilise, oh mais... Il y a Jojo qui vient de pondre. Je sais pas si on verra sur la photo, mais... Allez hop là. Bon, on arrête les conneries, bénures. Est-ce qu'on peut faire oui. Est-ce que tu m'autorises à faire un coffre juste à côté pour les smoothies, trucs comme ça et tout, histoire qu'on... Bah là. On répartisse ici. Ou là. Là. Là c'est la bouffe préparée. Oui mais il n'y aura pas cette place si jamais tout si. Regarde. Les smoothies. Tu mets les smoothies et les repas préparés. Mais il n'y a pas cette place. Bien sûr que si, il y a cette place. Ça va aller vite, hein. Bon, mais écoute, t'inquiète, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Pourquoi tu appelles Bénure? Je sais pas. Préverbe bébou. Bon, bah, je vous préviens, ce soir, elle est en roue libre. Ah ouais, je suis en roue libre, là, je le sens. Là. On va passer un beau moment. J'allais dire, ah, j'ai fait une crotte. Chouchou. Non, t'as fait un œuf, c'est pas pareil. Vous ferez plus de coffres. Oui, voilà, au pire, on fera plus de coffres.
Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Du coup, t'as vu, il y a pas mal de poissons d'avance aussi. Hein. Mm-hmm. Franchement, on a pas mal de bouffe, hein. On est bien là. Hein. Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est Natsu qui me fait un raid. Ça m'a fait sursauter. L'alerte de raid qui me fait sursauter. Merci, ma petite Natsu. Vous étiez sur Raft en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai vu un... Je crois que j'ai vu la story de Neipu. Vous étiez sur The Raft? Vous en êtes où, les bébous? Dites-moi tout. Regardez, attends, Natsu, regarde, faut que je te montre un truc. Attends, regarde. Regarde qui on a trouvé. Attends, je vais pas y arriver. Attends, je te montre. Regarde, on a Targhost ici présent, parce qu'en fait, j'ai récupéré un bélier. Je me suis dit, bélier, c'est la représentation du diable, plus il est noir, donc Targhost. Et Jojo a demandé si lui aussi pouvait avoir son nom, donc on a décidé que ce serait la petite cocotte. Donc voilà Jojo, et voilà les Darkos. Je répète que je me déresponsabilise complètement. J'étais hein. sur The Raft et j'ai fini sur Valo. D'accord ma petite Natsu. Un grand merci. Non mais on va bien se marrer demain sur Phasmo aussi. Je suis en roue libre en ce moment. Mais regarde, c'est trop mignon, il a la chance. Attends, il devrait s'estimer chanceux, il fait partie de l'aventure, regarde. En plus, j'aurais mis Dargos sur la cocotte pour le troller, tu vois. Là, ça aurait été de l'irrespect, tu vois, parce que ça n'a aucun rapport. Mais là, c'est lui. Il est tout noir. C'est lui. Tu les as mis où, les seaux? Là où tu m'as dit qu'on allait préparer les trucs, là, ici, là. Ah, mais les seaux vides, faut les mettre là-bas. Zut, là, je vais... D'accord. Je continue l'aventure, zut. Voilà, seau de lait. Voilà. Je fais une dernière game avec les copines et j'arrive. Ok, pas de soucis, Manatsu. Merci pour ton raid, t'es toute choupette. Sinon, ça va, Ghost? Tu sais qu'on rigole, hein. Je t'aime quand même, hein, mon loulou. Hein. C'est de l'humour, hein. C'est pour te taquiner qui aime bien châtier bien, hein. Ça va bien se passer, hein. C'est juste que ça aurait été dommage de pas faire la blague. Franchement. C'était une trop belle occasion de ne pas la faire. Pourquoi je peux pas récupérer l'ananas? Je t'ai pas mis sur n'importe quel oiseau, enfin sur n'importe quel animal, je t'ai mis sur celui qui te représente. Donc, c'est parfait, tu vois. Tu peux dire, j'ai ma représentation, je suis Senchi. C'est normal. Tu te déresponsabilises toujours? Oui. Moi? Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Mais c'est quand même ouais. Bien trouvé, non? Non? Ouais. Ouais, c'est pas mal, non? L'idée, ouais. elle est lumineuse quand même, non? Oui. Fallait lui trouver un nom. Bah, c'est parfait comme nom, non? Oui. Oui. Tu veux pas dire oui parce que c'est ton pote qui t'aide à être contre moi, c'est ça? Du coup, tu préfères être pour une fois avec... que j'ai un peu. Pour une fois que j'ai un peu de soutien. Tu préfères être avec lui que avec moi, je comprends. C'est tout à ton honneur. Du coup, on fait passer la nuit et on y va? Ah, attends, je vais tester un truc, bouge pas, j'arrive. T'inquiète, je suis scorpion, je sais déjà comment te rendre l'appareil. Oh, il est en train de becter, je crois. Oh non, salaud. N'arrête pas de becter nos trucs, là, enfoiré. Du coup, tu m'as dit, on fait quoi? Tu veux. Attends, du coup, bah, ça, je vais essayer un truc que je viens d'acheter. Viens là. Comment ça? T'as acheté quoi? Viens là. Mais arrête de couper. Mais attends, je répare le radeau, excuse-moi d'être utile, hein. Quoi? T'as acheté quoi? T'as acheté ça comment? J'entends? Oui, t'as acheté ça comment? Avec les trucs, les tickets. Les tickets, quel ticket? Bah tu sais qu'on a récupéré là en pêchant et tout ça. Oh mais t'es allé à la cabane sans moi? Ouais, j'ai pris des recettes et tout, mais je t'ai dit que j'y allais. Mais je voulais y aller avec toi pour regarder moi ce qu'on allait prendre. Ça fait partie du jeu. Pourquoi tu fais sans moi? Mais il y en a d'autres, t'inquiète mais, pas, il y en a d'autres. Mais non. Comme ça on est sur le radeau et quand on veut faire. Bah super. T'entends? Oui j'ai entendu, bah, super, il part sans moi maintenant. Ah super, alors moi je fais un truc, je lui trouve un bélier pour lui faire plaisir en mode regarde t'as pas besoin d'aller chercher, je l'ai fait comme une grande, je suis trop contente. Et lui il se casse, il m'abandonne, il va faire la suite de l'aventure sans moi. Oh bah c'est super, en plus il fait de l'andouille là, envie de canner. Ah bah super, hein. Ah super. Hein.
D'ailleurs, en revenant en vacances, quand tu me demandais, je crois que tu m'avais pas vu mon message. Non, c'est que ma première semaine, laisse-moi profiter de mes vacances, tu es pas de mèche avec mon printemps. Ah oui, c'est vrai que t'as 3 semaines, je crois, Jojo. Bon, on peut dormir, là, le landouille, là, qui fait son couillon, là-haut. Hein, déjà que t'es parti sans moi, là. T'es content, hein, aligotant. C'était une surprise. Il est content, oui, bah moi, tu n'en as rien eu à foutre de ma surprise. Et par contre, toi, tu te casses tout seul, hein. Bravo, hein. Ah, je dis bravo, hein, bravo, hein. La solidarité, là. Ah, gosse, il est content, là, hein. C'est pour ça que je précise à Nico que ça risque de finir en petits morceaux. Super. 3 semaines, c'est que ma première. Ah oui, il me semblait. Bon, bah parfait, bah tu seras là les 2 semaines au moins, déjà. Un gamin, j'adore Best Item. Ah ouais, un gamin, ouais. C'est pour ça que je l'aime bien, hein, on va dire. Hein, hein, hein. T'entends toujours? Oui, j'entends toujours. C'est un sup. C'est un sup, j'entends. Oui, j'entends, oui, j'entends. Oh putain, quel gamin. Au secours. Oh putain. T'as fini ou non? Tu comptes faire ça tout le stream? Oui? Allez, salut, hein. Je te laisse, hein. T'amuses bien, hein, apparemment. Hein. Il est content, il est content, il est content, il est content, il est content. Tu veux que je te rende ta pelle ou pas, le landouille, là? L'idiot du village, là. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Bah, viens la chercher. Je suis là, juste derrière toi. Oh, punaise, une fatigue. Tu muses, hein, tu muses. Cordialement, hein, mais tu muses quand même, hein. Oh, pinaise de bois. À vous, c'était drôle, quand même. Oui, c'était drôle. Voilà. C'était drôle. Mais moi, t'as pas ri à mon truc. Donc, moi, je suis gentille avec toi et pas l'inverse. Je suis arrivée, j'avais opinaise. Opinaise, c'est pas rigoler, je suis désolée. Bah, c'est une façon de déclarer son amusement. Ah oui, de déclarer son amusement. Bon, voyez-vous ça. Ouais. Oh, bon, voyez-vous ça. Bon, on peut y aller ou pas? Attends, je mange un petit peu. T'es ready? Ça m'a donné faim tout ready? Ça. Attends, je t'ai dit, j'ai oui, mangé. Oui, j'ai entendu. Ah non, t'as pas entendu. Bah si, j'ai entendu. Tu sais quand même. Attends. Quoi? J'ai récupéré des recettes, je vais les afficher. Eh ben, fais donc. Vu que t'es parti sans moi, rends-toi utile, t'as bien voilà. Raison. Hop. Voilà. Hop. Ah bah, faut bien quelqu'un qui avance un petit peu, hein, bordel. Mais, tu te fous de ma gueule là? Ou ça se passe comment là? Non, mais ça va là? Tranquille, Emile? Hein, je te dis si je te dérange, hein. Je le dis, hein, n'hésite pas. N'empêche que c'est grâce à moi que tu connais bien ces recettes. Parce que si je t'avais pas dit... Ah bah oui, hein. Bah oui, ça aurait été dommage que... Regarde, en plus, c'est des recettes qui sont toutes bleues. Oh, bah comme c'est bien. À mon avis, c'est des bonnes recettes, tu vois. Oh bah oui, hein. Il y a même du pile dans l'espelette. Ils servent à quoi, mes œufs, demande Jojo? Eh ben, pour l'instant, on peut... Ah bah, attends, il n'y a pas des recettes avec des œufs? C'est pour faire des baumes. C'est pour faire de l'argile. Ah oui, c'est pour faire des baumes de guérison. Faut qu'on aille trouver de l'argile en dessous. Ouais, mais d'abord, on a dit qu'on allait aller sur l'île, donc tu commences pas. Ouais, mais attends. Oh, punaise, ça y est, commence. Faut que je récupère des feuilles de palmier pour refaire des... Oh, punaise. De quoi? Pour faire quoi? Mais tu sais, oh, pour tu sais échanger... Oh, moi, j'y vais, là, j'en ai marre d'attendre, là, allez, hop. Mais c'est pour faire des cubes de déchets. Oui, bah c'est bien cool, c'est cool, t'es une cube de déchets. C'est les cubes de déchets qui permettent de faire des échanges. C'est bien, vas-y, fais. On essaie d'avancer. Ouais. On essaie d'avancer proprement. Et qui c'est qui a trouvé l'île, hein? Hein? Oh, il y a mon pote le sanglier. Oh, super. Oui, avec sa cornemuse, là. Ah, mais t'entends même d'ici? Bah oui, j'entends ta cornemuse! Putain de merde. Là, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ah, d'accord. Non, mais c'était juste pour connaître ta portée. On l'a entendu, ta cornemuse, je crois. Ah ah ah! Tu veux dire qu'il y a pas de boss? Et le sanglier! Tu me fais plus peur, le sanglier! Et non! Ça fonctionne plus! Hey, hey. Allez, mon pote à la compote là! Allez! Mon pote à la compote! Allez! Viens, mon gros facochère là! Viens, je t'attends! Yep là! Allez! Oui! No hit! Cherchez le terme! Let's go, on a fait du no hit! Let's go, on t'a fumé, bébou! On t'a fumé! Le petit sanglier! Est-ce que ça vous dit quelque chose pour ceux qui étaient déjà là à cette époque? On t'a fumé! Le petit sanglier, ouh! Le petit sanglier, ouh! On t'a fumé! Le petit sanglier, ouh! Faut que je me fasse une pelle, Nanou, parce qu'il y a des cavernes et je peux pas récupérer ce qu'il y a dedans. Il y a de quoi faire une pelle ou pas, s'il te plaît? Victoire! Je vais aller regarder ça.
Merci. Vous en avez des petits fruits? Oui, on a un sacré stock de fruits, par contre, c'est vrai. C'est bien vrai. Ouais, je vais avoir assez pour te faire une petite parole. Ah, bah, je vais chercher ma petite parole. Comme ça, je serai une femme libre et indépendante. Allez. Oh putain, j'entends le piaf. Oh non. Ça m'intéresse pas, par contre. Oh, ça m'intéresse pas. Oh non, pas le piaf. Quel enfer, pas le piaf. Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que t'as pas fumé? Non, c'est mon état naturel. Ouais. En plus, je suis healer, c'est parfait, exactement, c'est parfait. Je rêve ou tu te plains? Est-ce que j'oserais me plaindre? Bah, je sais pas, justement, c'est bien la question que je me pose. Je trouverais ça bizarre, quand même. Du coup, ma belle, elle est où, mon amour? Mon amour. Oh, pinaise. Ça? Sauvez-moi. T'es où? Ah, t'es là? Juste là. Viens la prendre. Elle est où? Hop, elle est là. Merci. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Agglouglou. Et une autre fois agglouglou. Voilà. Alors, il y a le piaf qui va m'emmerder par contre. C'est triste. Bah ouais, parce que j'ai pas de flèche en métal. Doublement triste. Bah oui, je te le fais pas dire. Il est où le requin? Ah, il est là. Viens mon pote. Mon pote à la compote. Je crois qu'on a plus besoin de métal qu'on a besoin du reste pour l'instant. Oh super, ma flèche elle est allée littéralement dans le sable, dans le décor. Elle a disparu dans le décor, on adore. Ça putain, c'est pratique. Oh, l'arc ça descend trop vite par contre, c'est abusé. Je crois qu'après on pourra s'en faire une améliorée, mais je suis pas sûr du tout. De quoi, d'arc? D'arc, ouais. Parce que là j'ai combattu deux monstres, j'ai déjà perdu un tiers et mon arc il est presque mort. Hein. Au secours. Hein. Hop. C'est quoi, je vais y aller un peu à la machette, je crois, parce que j'ai une deuxième machette. Vas-y, viens. Donc du coup, tu veux qu'on aille où, là? Les fonds marins en priorité, pour se refaire du métal. Parce que moi, tous mes trucs, ils sont grave usés. Tu peux m'aider avec le requin, s'il te plaît? Dis-me, fais chier. Cordialement. Voilà, allez. J'arrive. Ciao, le bougre. Les fumées. Bien, wesh. Hey, 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 tu me fais pas peur, bébou. Personne me fait peur ici. Hé hé. Ce serait même plutôt l'inverse. C'est-à-dire? Moi je fais peur? C'est peut-être lui qui aurait plus peur. Non mais il devrait avoir peur de moi. Hein. Flèche métal obligée où les aides font moins mal. Ouais c'est ça en fait, les flèches de métal font plus mal. Du coup forcément ça veut dire que tu utilises moins tu gaspilles moins ton arc. Et ça va plus vite aussi accessoirement, donc c'est pas mal aussi. Donc là, j'avoue qu'on commence à être très juste en métal. Bah, je crois qu'il nous en reste un, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à être... Sachant que je n'ai retrouvé un sur l'île. Okay. Parce que comme on avance sur les îles, maintenant, tu as des loots okay. qui sont plus élevés aussi. Ah, d'accord. Ok, cool. Très bien. Donc tout à l'heure, par exemple, j'ai pu trouver dans un coffre random un lingot directement de métal. T'as pris tes palmes? J'aurais peut-être dû prendre mes palmes, moi. J'étais peut-être un non, peu... Non, non, je me dis pour un petit truc comme ça... Ok, bon. Vaut mieux les garder pour la grosse île qu'on va faire. J'ai trouvé smoothie simple. Je crois pas qu'on l'ait cette recette. Ça te dit quelque chose? Comme ça, non. Enfin, de toute façon, il va falloir voir avec ce qu'on a affiché. Hein. Ouais, faut faire gaffe, il y a des poissons par contre. Hein. Des poissons qui font chier là? Poissons, petit. Oh oui. Oh, j'ai trouvé trois lingots de métal. Attends, je vais remonter et redescendre direct. Lingots, minerai. Minerai, pardon. Soyons précis. Attends, oui, soyons oui. Précis. Oh, j'en ai trouvé même 4. Oh. 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 Let's go. Elle a trouvé un filon, là. Ça y est. J'ai trouvé un filon, ouais. Let's go. 2, 3 et 4. Allez, hop. Ça va me rembourser mon arc. Et même plus. Faut vraiment aller sur les côtes hein, pour en trouver. Je sais pas si c'est des algues, ça. Si, c'est des algues. Attends, je vais aller c'est de l'argile dont on a besoin aussi. Ouais, on a besoin d'argile. C'était pour quoi l'argile, déjà? C'était pour faire les trucs de soins, les baumes de soins. Ah oui. Et faudra bien qu'on récupère la terre aussi dans la caverne pour augmenter la zone pour Jojo, Ghost et Cusco. Et hey hey. Non, c'est... Non, Jojo, c'est la cocotte. Ça, c'est la cocotte, c'est Jojo? Ouais, je lui ai proposé et je lui ai dit tu veux quoi? Il m'a dit bah la cocotte. Donc ça est devenu okay. la cocotte. Oh, j'ai encore trouvé du millénaire. Fais Ouh attention pour Thanksgiving, hein. J'ai trouvé... Couillon. J'ai trouvé plein de minerais de métal. Putain, bien. Hey hey.
Non, hey hey, c'était la poule. Oui, oh, ça va, j'en ai trouvé encore 7. Let's go. Au bord de l'eau. On m'arrête plus. Let's go. Au bord de l'eau. En roue libre, en roue libre. On ne m'arrête plus, les bébous. Let's go. J'en trouve plein. T'en as trouvé, toi? Non. Ah, c'est parce que c'est moi aussi, parce que je vole tout. J'ai même trouvé des algues, let's go. Par contre, je trouve plein d'algues et plein d'argile. Bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mon amour, c'est bien. Bon, je suis légèrement en train de me noyer, mais ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit peu condescendant, moi je suis bien, super. Non, c'est pas... Et moi, c'est mieux. Non, c'était pas... tu sais, il y a que toi qui vois les choses de manière condescendante, hein, pas moi. Hein. J'ai rien dit du tout. Hein. Je t'ai dit que c'était bien. Alors, prends le compliment tel qu'il est. C'est bien. Je te fais un compliment. Prends le compliment. On est complémentaires. Ça sert à rien qu'on trouve plein de métal si on trouve pas d'argile. Donc, bordello, débordello. Après, il va dire qu'il n'est pas un pauvre malheureux encore. Je connais, là. Je le vois venir. Hein, je te Mais connais. J'ai plus besoin de le dire, les gens le savent. Ouais, hein. Ouais. C'est bien ça, le problème. Ils connaissent le phénomène même... avec qui je vis. Hein. Jojo, il a dit même pas peur, Nico. Ouais. Il faudrait peut-être un peu, justement. Peut-être ça, le problème. Il a plus peur de moi. Hein. Non, mais il parlait de Thanksgiving. Ah, Bouyachaka. Bouyachaka. Oui, Bouyachaka, béni. En plus, tu vas faire plaisir à Jojo en claquant cette alerte, parce que là, Bouyachaka, c'est l'alerte préférée de notre saint Jojo. Re, mon petit béni, merci encore pour les musiques, elles sont incroyables. Je sais pas si t'as vu, je t'ai encore envoyé des messages à ce sujet, je t'ai dit que j'avais commencé un peu à bosser dessus. Léger. Oh, j'ai encore trouvé du minerai de métal, je crois. Oh là là. Oh, la veine que j'ai, là. J'en suis à 12, je crois, déjà. Oh là là. Let's go. Plus rien ne m'arrête. Let's go. Je vais tapisser tous les fonds marins. Bon, dans la réalité, je serais déjà en train de me noyer, mais bon, ça c'est un autre sujet. On est d'accord qu'il nous faut des trucs argentés pour une recette? Parce que je crois que j'en ai trouvé. Oui. Oui. Ok, super. Benny m'a dit, j'ai vu, je t'ai répondu. Ah bah super, c'est moi qui ai pas vu alors. Trop bien, Bouyachaka. C'est vrai que vous avez tous, vous commencez tous à avoir votre alerte préférée. Mamel, son alerte préférée, c'est It's winnable, it's winnable. Ah, il y a un poids sky, il faut que je fasse gaffe. Je sais pas si on a besoin de substances encore explosives. Enfin, je sais pas pourquoi. Moi, dans mes souvenirs, il me semblait que tu pouvais faire des flèches et des trucs comme ça, ou alors je confonds avec un autre jeu. Ah ouais? Oh, ce serait pété. Oh, blablabla. Bah, mon perso, il a fait blablabla. En mode, c'était un peu limite là. Ah bah là, tu vois, c'était très RP avec ce que ferait Nana dans la réalité. Sauf que moi, ce serait pas au bout de 20 secondes, ce serait au bout d'une seconde et demie. C'est la seconde où la tête va se louper. Blablabla. Oh, blablabla. Ça va, Nat? Blablabla. On sait pas trop si c'est un Murloc ou Senshi, mais ils ok. Vas-y, viens, bébou, je t'attends. Viens, bébou. Viens vers la lumière. Viens vers la... Oh putain, ça commence à être la nuit. Ça commence à être la nuit. T'es où, Nico? Nico, Attends deux secondes, je suis en train de... De quoi? Je suis de l'autre côté de l'île, je suis en train de faire le tour. Oui, mais t'es sous l'eau? Ouais, c'est sous l'eau, pourquoi? Ah, et bah juste je te préviens que c'est la nuit, faut que tu fasses attention. D'accord. Tu es en danger de vie, là, attention. Attention, mon amour. Oh, j'ai trouvé une caisse. Oh, j'ai trouvé recette banana mangue. Je crois qu'on l'a déjà. Oh, d'accord. Bon. Je suis pas sûr, hein, mais... Oh, les poissons, ils sont tout lumino-naissants. Luminescents, pas lumino-naissants, non mais... Lumino-naissants. Lumino-naissants, ouais. T'as un problème avec le lumino-naissant? Non. Non? Bah c'est parfait, ça, alors. Si t'as pas de problème, tout va bien. Pas de problème que des solutions, n'est-ce pas? N'est-ce pas très fier? Oui. Ça va, mon amour? Il me fait peur quand tu réponds plus. Ça va, mon amour? Oui. Oui? Oui, ou oui, pas trop? Oui. Ça va. Allez, t'as marqué help, espèce de petit couillon, là. Je crois que je t'ai pas vu. Non, c'est pas ce que tu crois. Ah bon? Parce qu'en plus, ton prénom, ton nom, il est en vert, donc je vois bien quand tu marques des trucs dans ce style. J'ai tout vu. Attends, je vais revenir au... Oh, coucou.
Coucou! 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 Oh putain, heureusement que c'était pas le requin, hein, parce que... Temps de réaction, là, mon amour d'amour, c'était compliqué, là, hein. Tu sais où est le radeau? Ah, la canne, là, elle est là. Attends, moi, je reviens au radeau, hein, parce que... Avec tout ce que j'ai sur moi, j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai. Alors, attends. Oui, enfin, je suis redevenue Saint Jojo. Mais oui, t'as toujours été Saint Jojo. Même quand t'es vilain, t'es toujours Saint Jojo. Moi, c'est Oubliette. Oui, toi, je sais que c'est Oubliette. Bon, en même temps, elle a été... En plus, à la base, elle a été faite pour toi, Oubliette. Donc forcément que ça doit être ta préférée, dans la logique. Forcément. En danger de vie, c'est pas en danger de mort, normalement. Ouais, mais en fait, lui, c'est que la vie avec moi... Ah non, ça fait 10 ans que je suis avec elle, je suis en danger de vie. Hein. Voilà, parce que lui, disons que vivre avec moi, c'est quand même une épreuve. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Et, tu vois, sa vie est dangereuse avec moi. Plus que la mort, tu vois. On en est même au stade au-dessus, tu vois. C'est pire, hein, encore pire. Magnifique, j'adore tes mots spéciaux, Senshi. Je sais, merci. C'est tout un art d'être moi-même. Je préfère Lumos, ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. J'ai ramené 14 minerais de métal. 14. 3 minerais de cuivre. Wow. 2 substances explosives. 11 argiles. Let's go. Let's go. Wow. I'm on the place to be. Let's go. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle farmeuse là. Regardez-moi ça. Cette efficacité là. Regardez-moi ça. Là, incroyable. Le lama, à chaque fois, il est en mode... Attendez, j'ai même ramené des fruits. Oh là là. C'est incroyable, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer, là. Mais on a une blinde de fruits, là. Hein. On est trop bien, là. Niveau ressources, là, on est à l'aise blaise, hein. J'ai envie de te dire. Hein. À l'aise blaise, ouais. Ah, on a des steaks. Attends, je vais faire le viande de requin aussi. Hé hé. Let's go! Le requin, il est revenu. Le requin, il est revenu, d'accord, super. Ça m'arrange pas trop, mais bon. Je vais avoir un petit problème, là. J'ai trop de trucs dans les coffres. Un seul? Ouais. Et oh! Nanou? Hein? Pourquoi il nous fallait de l'argile, déjà, t'as dit? Je viens de le poser. Pour les baumes. Ah oui, les baumes. Ah oui, je vais m'occuper des cocktails de fruits jolis, jolis. Bah, tu veux que je fasse, d'ailleurs, les baumes? Banana mangue. Ouais, si tu veux. On l'a ou pas, banana? Oh merde, on l'a déjà, banana mangue. Oh, je suis triste. Ok. Je t'avais dit. Banana mangue, on a déjà. Et le smoothie simple. Est-ce qu'on a déjà le smoothie simple? Non, nous n'avons pas le smoothie simple. Let's go. Mon petit pote à la compote, on va faire un truc. On va faire comme ça, parce que là, il y a trop de trucs. Et on va mettre le smoothie à côté. Voilà. Smoothie simple, il nous faut 2 mangue, ananas et coco. Je pense qu'on a ça. On a coco, on a ananas et on a mangue. Et qu'il faut, il faut une mangue. Alors, attends, une mangue, il faut un ananas et il faut 2 noix de coco. Hop là. T'as commencé ou pas à mettre les minerais? Oui, j'ai commencé à mettre le minerai de métal. Ah, ils sont où? Bah, Sandra, ils sont en train de se préparer. Non. Bah si. Bah. Bah tu les as récupérés, c'est pas possible. Bah. Arrête, tu vas pas me faire une feinte, hein. Tu vas pas me faire que les minerais de métro, ils sont... Je rigole. Arrête, hein. T'arrêtes tes conneries bénures, hein. Ça suffit, hein. Ils sont où les verres? D'ailleurs, en parlant de bénures... Oui, non. Ça m'intéresse pas. Attends 2 secondes, je réponds au chat. Attends, je réponds au chat parce qu'après ils vont m'engueuler. Je gagne du temps. Petite banane au sucre. Tonton chef Ben. Oh, petite banane. Il faut que je raconte un truc. On a trouvé des bananiers. Petite banane, cet après-midi on n'a pas arrêté de faire pousser des bananes. Regarde. On a 1 milliard de bananes d'avance. Regarde. Et tu sais quoi, je vais me faire pousser des bananes vu que t'es là. Est-ce qu'on a des... Oui, regarde, on a des graines de banane, regarde. Je vais m'en occuper. Voilà, attends, je vais lire le chat et après tu pourras raconter et te moquer de ma gueule. Pas de problème, je te laisserai quartier libre. Attends. Ah, mais vous avez beaucoup parlé, attends. Combien? Comment ça? Si tu veux, Nico, je connais un moyen de la faire disparaître. Non, y a pas de... On fait disparaître Senshi. De base, c'est mon vrai nom, c'est juste que j'avais recréé mon Twitch. Rapido, 117, mais c'est pour mon compte.
Ça va, Fafisa, va falloir que je retienne que c'est toi avec ma mémoire de banane. Cette ration, elle va bien souffrir. Bah après, il y a encore mon nom de base. Tu as trouvé ma famille? Oui, on a trouvé plein de bananes dans une île spéciale et du coup, on a fait pousser plein de bananes tout l'après-midi. Je vais encore en faire pousser. Vas-y, c'est bon, Nico, tu peux te foutre de ma gueule et raconter l'anecdote. Vas-y. Ah non, moi j'ai envie que ce soit toi qui raconte. Ah non, ah bon, alors là, je raconterai pas, raconte pas sûrement. C'était un sale ego parce qu'on en a parlé tout à l'heure et tu m'as dit est-ce que je pourrais raconter, je t'ai dit oui, donc hors de question que je raconte. Non mais c'est, tu c'est veux plus raconter, marrant, tu racontes. C'est toi non, qui raconte. Alors, je raconterai pas moi, donc c'est aussi simple que ça, je ne raconterai rien. Donc c'est soit tu racontes, soit ils sauront pas ce qui s'est passé, voilà. Tu te débrouilles, débrouille-toi avec le chat. Et tu manges pas les bananes? Non, on en fait des smoothies. Ouais, on en fait des smoothies. Ça passe ou pas, tu crois? C'est un plus, encore plus cruel parce que du coup, on les passe au mixeur. Mais c'est parce qu'il faut qu'on survive dans le jeu. C'est pour ça. Mais tu vois, j'en fais pousser quand même à la base. Si on tend l'oreille, on entend les bananes un peu crier. Arrête! Et Natacha, elle rigole quand elle entend ça. N'importe quoi! C'est un élevage familial avec beaucoup d'amour. Je leur donne beaucoup d'eau et beaucoup d'amour. Je jure que rien que ça, je suis perdue. Ah oui, il faut que je te montre un truc aussi, petite banane. Et Benny aussi, Benny, faut que je te regarde. Ça a eu le temps de lire ou pas? Regardez qui c'est! C'est Dark Ghost! Parce qu'il fallait qu'on trouve un bélier qui fait du lait. Et vu que c'est la représentation parfaite du démon dans les animaux, plus qu'il est noir, j'ai dit c'est parfait, c'est Dark Ghost. Et Jojo, il était jaloux, il a dit est-ce que moi aussi je peux avoir un animal? Donc je lui ai proposé entre le lama ou la cocotte. Et du coup, il est là. Attendez, est-ce qu'on va voir son prénom? Attendez. Jojo, arrête de pomper tes œufs. Attends, viens là, Jojo, viens. Regardez, c'est Jojo. Voilà. Et Ghost a dit qu'il allait me le faire payer sur un jeu d'horreur et je suis prête, je suis contentante. Je vais payer et le moment où je vais hurler et je vais pleurer, je penserai à ce moment où j'ai rigolé très fort. Mais c'est affectueux, c'est parce que regardez, c'est parfait pour lui, c'est tout. Voilà, c'est bon, tu peux raconter. Je vais me faire trucider par le chat en attendant, mais ok. Voilà. J'ai fini mon anecdote. Oh bordel, c'est génial. Ah oh, ben merci. Enfin, qui souligne ma créativité. Merci beaucoup. Vas-y, tu peux raconter ton anecdote, Nico. T'as une chance de la raconter, ne la loupe pas. Alors, bon, t'es sûr, hein, je peux la raconter. Ouais, hein. vas-y, j'assume ma connerie. Tout à l'heure, c'était un temps de midi, elle me dit... Ah, je suis trop contente, j'aurais raconté l'histoire de Bénure. Je la regarde, je fais comment ça? J'ai fait bah oui, tu sais, l'histoire de Bénure où il se cache dans un cheval pour rentrer dans une ville avec ses soldats. J'ai fait mais ça, c'est pas Bénure, c'est le cheval de Troie. Elle dit ah bon, j'aurais raconté une mauvaise histoire. J'ai fait oui, Bénure c'est avec son char, d'où l'expression arrête ton char Bénure, où c'était un gladiateur qui faisait des courses de char. Ah d'accord. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc vous saurez tous qu'historiquement, Bénure a aussi participé à la guerre de Troie. Ouais, hein, à côté d'Achille, Hector et tous ses potes. Hein. Oh, j'ai voilà. Mal aux joues. Voilà, voilà. Sur ce, je vais planter des bananiers. Voilà, voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin que je vous raconte des faits historiques, hein, je suis là. Les faits historiques revisités, hein. Voilà. Ça, c'est comme les victorieux des guerres qui racontent l'histoire qui les arrange, tu vois. Hein, y a que les victorieux qui savent raconter l'histoire. Hein. Je vois pas de quoi tu veux parler. C'est pas ceux qui ont fait la défaite, hein, qui racontent l'histoire. Hein. C'est pas grave, on t'aime. Hein. Tu vois, ils sont même pas surpris de ma connerie, tu vois. On en est à un stade où tout est normal. C'est ça, même pas ça les choque, tu vois. Ça les amuse, ça les choque même plus, tu vois, c'est normal, c'est Senshi, hein, écoute, je vois pas où est le problème. Hein. Tu m'épuisais, Benny l'a dit. Bah, Earth a après construit une maison pour prendre sa retraite avec Naruto, voilà, c'est ça la véritable histoire. 1492, anniversaire de mort de Charlemagne, oui, bah ça va, ça y est, on va plus les arrêter, là, ça y est, au secours. Bon, sur ce, les bébous, je vais aller faire des petits coups de pelle, hein.
Attends, parce que j'ai récupéré plein de métal. C'est toi qui récupères le métal depuis tout à l'heure? Ouais, d'accord. Je le remets dans le... Donc je peux me servir parce qu'il faut que je m'en refasse un... Ouais, vas-y, sers-toi, j'en fais rien. C'est juste pour... Okay. Parce que ça traîne, j'aime pas. Ça traîne? Bah ouais, c'est prêt, donc du coup... Voilà. Je suis refait un peu. Donc du coup, on peut aller sur l'île. T'as pris ou pas un détecteur? Oui, j'ai un détecteur. Ok. Je veux juste tester un truc avant de partir. Je voulais faire une ruche. Parce qu'on avait besoin d'argile pour faire une ruche. Je veux voir comment ça marche. Alors, de mémoire, il fallait faire un toit autour. Ouais, mais je veux juste essayer. Je veux juste essayer. Voilà, j'en ai fait une, c'est juste pour voir ce qui nous... Je pense que tu as certainement raison, parce que si on avait fait un truc, c'était pas pour rien. Mais, C'était soit ça, soit parce que les ozos nous faisaient chier avec. C'est vrai, quand je suis autour, il se passe rien, tu vois. Enfin, il n'y a rien de marqué, en tout cas. Mais en tout cas, il y a pas de... elle tourne pas autour, donc je pense que tu dois avoir raison, toi, faire... Petite anecdote histoire, Opinès. Senchi, elle croit que le Brésil a gagné la Coupe d'Europe en foot. Oh, ça y est, ils vont faire que de me troller, envie de canner, là. Ça y est. Ça y est, tu les as lancés, Nico. T'es fier de toi? Tu as créé des monstres, là. Tu as créé des monstres. Au secours. Bon, attends, je vais te rejoindre parce que le miel et tout ça, je pourrais le faire plus tard à Zap. Je vais poser mes trucs. Voilà. Ah, hein, j'ai trouvé un minerai de métal en creusant. Ah, en creusant? Ok. Ouais. Ok, et les cordes? Les cordes, il faudra qu'on en refasse. Voilà, j'ai ma pelle, j'ai mes machins. J'ai mon détecteur, il faut que je récupère de la water. Voilà. Par contre, la prochaine fois, essaye de condenser un peu, c'était limite niveau clip. De condenser, c'est-à-dire d'aller plus vite, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Faudrait que t'ailles plus vite, Nico, la prochaine fois. Parce que sinon, ils peuvent pas clip l'anecdote en entière. Mince. Excusez-moi. On t'excuse. Pas l'expérience et... Oh! Quoi? Deux minerais de titane. De titane? Ouais. Oh putain. Bien joué. C'était au sommet d'une... au sommet d'une petite falaise, là. Pardon, c'est des blagues. Mais je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu plein de... Mince, tout développé en titane, c'est parce qu'il faut grave aller sur les îles. Ouais, du coup, il faut juste que j'y tienne à demain, c'est ça? Ouais. Alors, sur la gauche, ça sert à rien, faut aller à droite. Il y a l'oiseau, au secours. Au secours, faut que tu m'aides. Il y a l'oiseau. T'es où? Je suis juste derrière toi. Oh coucou, tu m'as dit s'il te plaît. Il est méchant. Ouais, par contre mon arc est prêt à claquer. Hein. Et t'en as pas refait un avec le métal? Non, j'étais occupé à faire autre chose. Bah, attends. Parce que là, tu vas pas partir sans arc. Faut être stratégique. Il est où le piaf? Le piaf. Monsieur le piaf, vous êtes où? Il est retourné en hauteur. Ah, donc je me casse. Donc fais gaffe, ouais, mais fais gaffe qu'il vienne pas avec un rocher. Ah, je le vois. Attends. C'est quoi, je vais aller dans la taverne. La caverne, pas la taverne. Là, y est. Tout de suite, il y a de l'alcool. Donc quand c'est rouge, faut que je fasse quoi? Là, ça m'indique un truc rouge. Un bouton rouge. Et bah, tu te déplaces jusqu'à ce que les couleurs grimpent. D'accord. C'est rouge, et puis après c'est jaune, et puis après c'est vert. Terminé, là. Comme ça. Attends. Et donc du coup tu suis le chemin où... Non, tu retournes en arrière du coup. Non mais il y a un décalage, Nico, il y a un décalage. Ah, oui. Tu vas pas y arriver. Hein. J'ai pas fini. Hein. Non. Puis en plus il y a le piaf qui me tire dessus, donc... Attends, ça se trouve c'est en haut, mais je vais d'abord aller dans la caverne. Putain, mais j'ai envie de dire taverne. Caverne. Caverne. C'est un côté alcoolique, ça. Je t'en fais. Terre et charnier, hein, gne gne. Oh non, t'as déjà clip. Oh, ne vous battez pas pour les clips, il y en aura assez pour tout le monde, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Oh ouais, vous inquiétez pas, des faits historiques, faut demander à Natacha. Non, je répondrai pas à des questions de faits historiques parce que je saurais pas répondre. Donc laissez-moi tranquille. Ouh là là, le piaf là, laissez-moi tranquille. On laisse tranquille Senti. Je suis pas une historienne, clairement pas, hein, je vous le dis. Je ferai pas ma carrière là-dedans. Hein. Terre, pierre. Ok. Le piaf, il va commencer à m'enquiquiner pour parler poliment. Attends, j'arrive. Je m'occupe pour de... Pour parler poliment, bien sûr. Hein. Je m'occupe de mes trucs, pas et là, j'arrive. Un clip vaut mieux... Deux clips valent mieux qu'un, je pense, tu voulais dire. Peut-être deux clips plutôt qu'un clip. Oui, j'avais fait la traduction, moi. Vous inquiétez pas.
Vous avez fait la trad. C'est ma folie qui s'empare du cerveau de Jojo, vous inquiétez pas. Oh, c'est en jaune, mon détecteur. C'est que tu te rapproches. Oui, ils avaient compris. Il faut que je surveille parce qu'il y a le piaf qui veut mes fesses aussi en même temps. Donc... Oh, je suis sur du vert. Oh, j'y suis presque. Attends. Oh, j'ai. Mais il y a le piaf pas loin, il me fait peur. Attends. Oh, j'ai trouvé. Oh, c'est la première fois que je trouve un truc avec. Oh, je suis trop fière. Oh. Oh. Oh, minerai de titane plus 3, plus 4. Oh. J'ai trouvé des cassettes et un jouet robot. Oh putain, incroyable. Oh, bah attends, tu te la pétais toi qu'on a, t'en a trouvé 2, moi j'en ai trouvé 4. Non mais attends. Il se fiche de qui là? Quand c'est lui, c'est waouh, amazing. Quand c'est moi, j'en trouve le double. Ah ouais, ah c'est trop bien. Il se moque en plus, non mais je rêve. Ça c'est bien les hommes. Quand c'est eux, c'est incroyable. Et quand c'est moi, oh ouais, c'est pas mal, oh ouais. Oh, t'aurais pu en ramener 10. C'est très sexy ce que tu dis, hein. C'est vous les hommes. Ah bon? T'es sûr que tu veux rester sur ce... Sur ce fait? T'es sûr de toi? Bah ouais. Bah ouais. J'ai rien à te reprocher. Bah t'as rien à te reprocher, ouais. C'est cela. Comment je fais pour monter? Par là? Faut que je fasse du gridi-gridou, tu crois? Ça marche? Wow, là! Le piaf, là, tu te calmes. Tu te calmes, le piaf. Tu te calmes. Calmate, pour le favor. Le piaf, là, me crie dans les oreilles, là. Au secours, hein. Attendez. C'est pas toi qui crie dans les oreilles de tout le monde, plutôt? Non. C'est une chine qui regarde pas les vidéos de Nota Bene, non. Attendez. Yeah! Oh, je l'ai touché! Il m'a pas touché. Reviens si tu l'oses. Reviens si tu l'oses. Espèce de petit bâtard. Je l'ai touché ou pas? J'ai pas eu le temps de voir. Je crois pas. Spam! Dans la tête! Headshot, motherfucker! Oh non! Je suis tombée! Tout au bout de l'île! Oh non! Oh, fais chier! Au secours! Bah, j'arrive. Bâtard, espèce de petit bâtard! Spam! Allez hop! Je te les mets toutes dans la gueule! Let's go! Ah bah après, tu peux augmenter la barre pour récupérer plus. Attendez. Non plus, mais pour avoir. Attendez, j'arrive pas à vous lire. Y a un piaf qui veut me becter là. Attendez. Je me concentre sur ma chasse pour l'instant. Attendez. Oula, c'était quoi ce bruit? Nico? Quoi? Ça va? Oui. Je sais pas, t'as fait un gros bruit. Ah bon? Bah oui. Ça faisait pouch. Ah non. Ah bah je t'assure que si. Je sais pas ce que t'as foutu, mais t'as fait du bruit. Excuse-moi de me soucier de toi, hein. Bon, le piaf, tu viens là, que je te finisse là? On en finisse une bonne fois pour toutes, faut que je me retape tout le chemin. Au secours. Putain. Attendez, je vais me le faire. Là, c'est entre moi et moi, là. Là, c'est l'ego, là, qui parle, là. C'est l'ego qui parle, là. Je vais me le faire, le fanfreluche, là. J'arrive, viens te chercher. Tu vas voir. Je sais pas où t'es. Oh, il est là. Oh, je l'ai entendu. Viens, t'as déjà 3 flèches dans le torse, là, et une dans la tête. Allez, viens, mon con. Ouais, bien sûr, il se pose à Tataoune les Andes, évidemment. Hein? Vas-y, viens, je t'attends. Viens. Viens, mon coco, viens. Viens. Bam! J'en loupe pas une! Let's go! I'm on fire! Je peux mettre mon casque ou pas? Il me laisse pas le temps. Si? Il me laisse le temps de mettre mon casque ou pas? Oula. Il me fait des feintes, là. Attendez. Oula, je crois qu'il a bugué le piaf, là. Ça fait 3 fois que je le vois faire le même truc. Il a bugué? Oh, putain! Oula, je crois que j'ai fait bugger l'oiseau. Ah. Ah oui, je crois que j'ai fait bugger l'oiseau. Oh, je crois que j'ai fait bugger l'oiseau! Non! Je veux le tuer! J'ai fait bugger l'oiseau! Non! Ah, pose-toi, bébou! Il laisse pas. Oula! Il nous fait un Harlem Shake là! Qu'est-ce qu'il. Non! Il a bugué! Non, il a bugué! Je veux le tuer, moi! Il en va de ma responsabilité personnelle! Allez! Non! Il est où le. Il est où le con? Mais comment je vais faire pour l'avoir? Il bug! Il est full bugué! Regardez-le!
Comment je fais? Avec la machette? Comment je vais faire pour le toucher? Impossible, là! Regardez-le, il est full bouillé! Oh non! Comment je fais? Comment je fais? C'est impossible! Ça va beaucoup trop vite! Il est à fois... Oh, je l'ai touché? Oh, je l'ai débugué! Je l'ai débugué! Oh, je suis incroyable! Oh, je suis trop forte! Allez, viens! Oh putain, mais il est full bugué en fait! Il est full bugué! Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Super, j'ai mon clavier qui bug. Envie de canner là, on va se calmer. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Tiens! Allez! Je vais me le faire, le bébou! Allez, pose-toi, bébou! Non, trop loin. Ok, pas grave. Vas-y, viens. Spam! Putain, il lui en faut combien des flèches? Oh putain, je suis presque morte, Nico. Oh non. Mais deux fois qu'il me touche d'affilée, là. Je lui ai déjà mis une dizaine de flèches minimales. Si c'est au minimum, pardon. Si ce n'est pas plus. Allez, faut que je me le fasse, là. Allez, c'est entre toi et moi, bébou. Je l'ai touché. Allez! Allez, il est presque mort! Allez! Allez! On y croit! On lâche rien! Jolie! Let's go! Va dans les enfers! Ave Satanas! Let's go! Let's go, on l'a eu! Ce fils de... Oui, on t'a eu! Je sais pas combien de temps j'y ai passé, mais let's go! On t'a eu! Let's go! Let's go la conquérante! Let's go! On se laisse pas faire, même les bugs! Même les bugs ne nous arrêtent pas! Let's go! Let's go! Let's go, je vais bouffer mes patates maintenant! Oh putain, j'ai fermé tous les écrans sans faire exprès! Oh putain, je fais des conneries! Oh putain! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Let's go! Let's go! On ne se laisse pas faire. Ça va, Nico? Vous voyez les mêmes. Très bien. Il réagit même plus, il est habitué, lui. Oui, mais je suis mise. Nanou, je l'ai fait. Je l'ai solo. Let's go. Alors, solo, pas tellement, mais ouais. Comment ça, solo, pas tellement? Quand il se posait en bas, j'attaquais avec les flèches. Tu lui en as mis combien? Ah, pas autant que toi, mais j'en ai mis quelques-unes. Ah bon? Je t'ai pas vu c'est du pas tout. Grave. Si tu me dis, pas grave. Non, laisse-moi le mythe là. D'accord. Laisse la légende. Ouah, Nana, t'as tout fait toute seule. Voilà. Bravo. Voilà, j'ai dit c'est mon combat. C'est mon combat. Il a tout réussi. Voilà. Ouais. Oh, j'ai trouvé une cassette. Une cassette. Et un copain mécanique. Attends. Oh, waouh. Est-ce que le chat m'a encensé un minimum? Oui. Bonsoir, public. Coucou, Mamel. Remamel. Bonsoir Saint-Mamel. Alors, Mamel, il nous en a fait une belle aussi à midi. Hein. Il nous en a fait une très très belle à midi. Attends. Je t'envoie un SMS, Nico. Tu m'as entendu? Ok. Voilà. Il nous en a fait une belle à midi, ma note Saint-Mamel. Tu veux raconter ou pas au chat, Saint-Mamel, ce que tu as fait? Attends, je rattrape ce que vous avez fait. Une belle chute. Ah, vous m'avez clip le clip quand je suis tombée. Merci Saint Jojo. Merci Jojo. Attendez, parce que j'ai trouvé un petit robot. Faut lui trouver une petite place. Oula, il est plus grand que ce que je pensais, le robot là. On va le mettre là. Regardez, si c'est pas beau ça. Il y a un truc qui force. C'est quoi ce bruit? Ah mais c'est toi qui fais des déchets, hein? Oui. Ah. Putain, oui, j'en ai préparé avant de sortir. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était notre truc qui bloquait. Oh, tout va bien. Les ok, tout est normal. Tout va bien. J'ai de la terre, je vais pouvoir augmenter notre petite zone pour nos petits animaux. Attends. Terre, carré d'herbe. Il nous faut des planches et du plastique. Bah, ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on a fait deux petits... Regardez, on va... Oh, parfait, notre petit enclos va être terminé. Regardez, hop là. Comment ça, je peux pas? Pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'ils sont dessus? Hein? Nico, j'ai un problème. Ah non, c'est bon. Je vais dire j'ai un problème, mais non, tout va bien.
Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alors, attends. Je vais m'occuper de tout le monde, là. Hop, là. Hop. Et le truc à seaux... les seaux, c'est où déjà? C'est là, je crois. Oui, c'est là. On va récupérer le lait de Ghost. Viens, petit Ghost. Merci pour ton lait. Hop. Merci. C'est fait très bizarre, quand même. Mais non. Enfin. Faut pas voir les choses d'un mauvais œil, voyons. Bon ben, merci, Ghost, pour ton... Ton lait. Du coup, je vais faire chauffer du méthane, du titane, du je sais plus quoi, là. Mais voilà. J'ai déjà fait, je crois. Hop, bah t'en as récupéré tout. Bah oui. Toi-même présentement. Bah oui, toi-même présentement, mais comme t'es dit présentement. Alors, attends. J'ai une mangue, on va manger la mangue. Attends. Avant de manger la mangue, faut la mettre de côté pour que je fasse des soucis. Or. C'est trop tard, désolé. J'ai été plus rapide, c'est désolé. I'm so sorry. Ta fin a été plus rapide? Ouais, c'est exactement ça. attends, c'est comme le 1 plus 1, j'ai même pas une soirée avec vous deux. Raconte, je t'en prie, raconte. Ah oui, alors attendez, je vais raconter ce qui s'est passé avec Mamel, parce que Mamel nous en a fait une belle aussi à midi, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ça fait plein de ribes, regardez, c'est beau. Alors, du coup, Mamel... Il va faire une chanson, hein. Attention. Hé, hey, t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Deux rimes, c'est trois disques d'or. Gna 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 gna. Ça va dire que ça se fout de ma gueule, là, encore une fois, là, gna gna gna. Alors, du coup, notre saint Mamel, ici présent, susnommé. Attends, je vais aller faire des trucs en même temps, parce que moi, je sais faire deux choses à la fois. Oh putain, il y a le requin. Tu peux m'aider avec le requin, s'il te plaît? Tu serais bien aimable. Il est con. Dans l'eau. Oh putain. Tu me saoules. Bah, tu dises quoi? Il est dans l'eau, enfin, je... Viens. S'il te plaît. Agneau. Mais t'es où? Bah là. Là, Léonie, tu vois pas une folle s'exciter, là, toute seule? Bah quoi? Ah, mais il faut le tuer. Oui. Bah, si je te dis, j'ai besoin d'aide pour le requin, tu crois que c'est pour faire quoi? Pour lui faire un câlin? Et pourquoi pas? Peut-être qu'il a besoin d'amour, ce requin. Ouais, bah, je m'en fous. Peut-être qu'il est juste en colère. Oui, bah, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Tu connais sa vie? Tu connais son histoire? J'en ai rien à foutre de son histoire. Tu connais ses rêves, ses désespoirs? Déjà, je m'occupe de toi, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, déjà, hein, Bon, on va avoir l'anecdote. Oui, attendez, une seconde. Tu crois qu'un requin, ça peut se permettre d'avoir des rêves? Je vais vous raconter l'anecdote. Three hours later. Non, mais si vous êtes pas content, c'est pareil, hein, oh, dis donc, là. Laissez-moi deux minutes, l'entertainment. Je veux juste buter le requin pour aller faire ma petite chasse tranquille et vous raconter ça de vous à moi, entre vous à moi, voilà. Hein, me faire engueuler, de toute façon, je passe mon temps à me faire engueuler ici. Hein, ils sont jamais contents. Hein, je vais trop vite, ils sont pas contents. Je vais pas assez vite, ils sont pas contents. Mon sang de bonsoir, de nom de bonsoir. C'est bon? Voilà, je vais pouvoir raconter. Merci Nanou pour ton aide. Tu peux repartir faire tes trucs. Alors, je vous explique. Donc, on a fait un stream ce matin. Donc, Mamel arrive. Mamel, il nous claque le It's Winnable parce qu'il adore cette alerte et tout. Et il me dit, oh, c'est bizarre, les sons d'alerte fonctionnent pas. Et je lui dis, mais comment ça fonctionne pas? Et donc, il y avait Balgrim qui était là notamment. Il me dit, oui, j'ai envie de faire une alerte bien spécifique, mais je sais pas pourquoi elle fonctionne pas. Et je lui dis, mais comment ça? Donc je prends mon téléphone, je vérifie, j'en teste une au hasard, et je lui dis, mais si, ça fonctionne et tout. Il me dit, mais je comprends pas, les premières, elles apparaissent, comme si je pouvais les faire, et à partir du moment où je descends jusqu'à coucou bébou, bah ça veut pas. Donc Balgrim, il lui dit, mais attends, ça se trouve, il faut que tu cherches ton application, elle est peut-être pas à jour. Donc il trouve, il dit, oui, bah voilà, c'est bon, elle était pas à jour, donc moi je me dis, c'est bon. Et il me dit, mais ça veut toujours pas. Et donc, du coup, je rajoute Balgrim sur l'extension des sons d'alerte pour qu'il puisse remonter. Parce qu'au début, en gros, Mamel me dit « J'aimerais bien que tu me mettes en avant telle et telle alerte. » Mais je lui ai dit « L'intérêt des alertes, c'est que je ne sache pas à l'avance ce que vous allez faire. » Parce que... Pour me surprendre, en gros. Donc je lui dis « Bah, vu qu'il y a Balgrim, bah vas-y. » Je rajoute Balgrim sur l'extension. Comme ça, Balgrim, en gros, il peut faire ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, histoire que vous compreniez ce que je raconte. Parce que j'ai l'impression de parler une autre langue. Je vous montre, je vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Ça ressemble à ça. Vous voyez mes alertes, elles sont classées d'une certaine manière, ok? Et donc, du coup, j'ai dit à Balgrim, bah, je te rajoute dans l'extension, comme ça, t'as juste à prendre l'alerte, et tu la remontes comme ça. Donc, pour que moi, je ne sois pas au courant de telle alerte. Bref, donc, on se dit, on va organiser ça et tout. Et d'un coup, ma mère dit, oh putain, mais je suis con, c'est bon, j'ai compris.
Et en fait, il est sur téléphone. Et donc sur téléphone, quand t'es sur sound alert, quand tu descends dans sound alert, que tu vas, donc tu descends la page. Attendez, merde, j'ai pas remis la bonne, j'ai pas remis mon écran. Tu descends, tu vas cliquer sur l'alerte et en fait, il faut remonter tout en haut pour voir l'alerte et ensuite tu cliques et là, tu peux la spammer. Et en fait, il avait pas compris qu'il fallait tout remonter pour la claquer. Donc en fait, quand il redescendait trop, et bah forcément, vu que c'était en haut et qu'il savait pas quoi faire, et bah il ne la voyait pas. Donc du coup, tout ça pour dire qu'on a trouvé la solution et qu'on n'a rien touché. Mais du coup, Mamel, d'un coup, je sais plus ce que t'as dit envie de canner ou je sais plus exactement ce que t'as dit, mais il était en mode « Putain, j'avais rien compris !» Et donc voilà, il a trouvé la solution comme à grand. Parfait. Notre saint Mamel, ici présent. Voilà, c'était ça l'anecdote. Heureusement que tu m'as dit de faire court à moi. Eh, je fais ce que je veux, moi, d'abord. Ouais, non, mais... Non, mais c'est pas moi qui, techniquement, t'avais dit de faire court, c'est eux. Voilà. Et moi, c'était plus long parce que j'avais un contexte à expliquer qui était très long. Alors, poète poète camembert. Hein. J'ai trouvé du métal. Allez, bim. J'en ai trouvé 4, 5. J'en ai trouvé. Allez, hop là. Bien sûr qu'un requin peut avoir des rêves requiem for a dream. Requin for a dream. L'anecdote, c'est une chip pensait que la muraille de Chine était en Espagne. Mais vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Tu es où? Je suis là. Mais où ça? Ici. Tu m'épuisais toi aussi. Notre roi des abrutis. Mais non, c'est pas un abruti, enfant. Je vous ai déjà dit, vous avez le droit de vous moquer de moi, mais pas des autres. Oh putain, mais en fait, j'en ai trouvé 7, Nico. Eh ben. De métal et de cuivre. Ça veut dire que j'en ai trouvé 18 depuis le début. Depuis qu'on est là. Eh ben punaise, elle est rentable cette île. Hein. Est-ce que tu as les trucs en verre? Les trucs en verre? Ouais, les verres vides. Non, je les ai tous utilisés, il en restait que 2. Donc il n'y en a plus d'autres. Faut en refaire. Après, okay. J'ai ramené du sable, si tu veux. Non, c'est bon, sachant que je viens de penser que je suis un peu neuneux, j'ai buté le piaf, mais je suis pas remontée tout en haut. Donc ça se trouve, il y a peut-être encore des trucs en haut. Non, j'ai tout loot en haut. Je suis un peu en train de me noyer, au secours. Bah, ça va, bon, c'est juste un petit peu. Senshi qui raconte une histoire de 2 livres prend plus de temps que le film Seigneur des Anneaux vert. C'est vrai. Ce silence est assourdissant. Profitez pour reposer vos oreilles. Ouvrez vos chakras. Je vais, tu sais quoi, pour noyer mon chagrin, je vais aller manger des bananes, tiens. Il y en a un qui va pas être content. Hein. Bah justement, c'est lui qui m'a balancé là, cette vacheté là, c'est comment on dit, cette vacherie dans la gueule. Voilà, ce sera ma vengeance. Voilà. Elle va faire un génocide sur des bananes. Je vous ai déjà dit, hein, vous êtes gentil avec moi, je suis gentille. Vous êtes méchant, je suis méchante. Hein. Alors là, hein, moi je fais pousser plein de bananes pour te faire plaisir, pour te montrer mon champ de bananes. Et toi, tu fais quoi? Tu me balances une vacherie. Oh, bah super, va plaisir, 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 plaisir. Hein. Vacheté, ouais, cette vacheté, ouais. Foutez-vous de... Allez, continuez, foutez-vous de ma gueule avec mes expressions. Hein? Vous savez comment il m'appelait, mon père, quand j'étais plus jeune, pour me faire chier, quand il disait que j'étais désagréable? Il m'appelait petite vache. Tu m'avais jamais dit ça? Justement, je lui envoie régulièrement dans la gueule en lui disant « Tu te rappelles quand tu m'appelais petite vache? Hein ?» C'était un beau surnom, ça faisait plaisir. Hein, plaisir, la belle anecdote, là. Hein. Petite vache. Ouais. La violence, t'es pas mignon, elle va manger tes congénères. Ah bah voilà, Saint Béni a anticipé ce que j'allais faire, bah voilà. Je suis en route pour commettre un génocide de bananes, let's go. Let's go, ma vengeance sera terrible. Cette vache, c'est comme bananerie, tu vois, mais petite vache, c'est pas très sympa. Hein. Ma pauvre chou. Ah, mes amis. Ah, tu vois qu'il faut pas embêter Senshi, tu regrettes ou pas? Est-ce que tu vois là la sentence irrévocable qui va arriver là? C'est comme Koh-Lanta, là, je vais éteindre ton flambeau là. Je vais éteindre le flambeau de toute ta famille là, tu vas voir. Tu vas voir les bananes, ce qui va leur arriver aux bananes. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu m'as cherché, tu vas me trouver, tu vas voir. En plus, Nico, il a dit, elle est en roue libre ce soir, je peux rien faire, je me déresponsabilise. Ah, bah mon coco, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir.
On va les entendre crier, les petites bananes, tu vas voir. Petite vache, mais pour quelle raison t'étais tachetée? Non, c'est juste un surnom de merde, de pas gentil du tout. Attends, je bois et je m'occupe de la famille de bananes, là, tu vas voir. Il est en PLS, petite banane, là, il est en train de dire « Mais putain, j'ai créé un monstre! Au secours! Fallait me prévenir !» En plus, j'ai la musique de Senshi la folle dans la tête, là, je vous dis, c'est parfait, hein. C'est... J'avoue que moi-même, j'écoute en boucle, celle-là. Où est-ce qu'elles sont, les bananes? Oh, les bananes, regardez-moi ce beau champ de bananes! Allez! J'ai volti! Alors, on y je va! Je vous préviens, moi je peux rien faire. Hein. On Quand y elle va! Est comme ça, On y va! Allez! C'est parti les bananes! Allez les bananes! On les coupe et après on les mange! Let's go! Let's go! Ma vengeance sera terrible! Le plan est en marche! Le plan est en marche! Promis, elle n'est pas avec Macron. Hein. Non, qu'est-ce que tu me parles? On va pas parler de politique ici. Hein. Commence pas. Regardez les belles bananes. Regardez les belles bananes. Ouh, les belles bananes. Ouh, miam, 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 miam. Les bonnes bananes. Ouh, oh, oh, les bonnes bananes. Ouh, miam, miam, miam. Ouh, miam, miam, miam. Ouh, miam, miam, miam. Les bonnes bananes. Ouh là là, ma barre de vie n'est pas encore assez remontée. Il faut manger toutes les bananes. Tout, oui, on est chez les fous. On tiendra tous la montre. Miam, miam, miam. Mon bidou est bien rempli. Ah, le bidou est bien rempli, là. Ah, le bidou, le saint bidou est bien rempli de bananes, là. Un plaisir. Et tu sais quoi? On va même en replanter tout de suite, comme ça je pourrais perpétuer ce génocide de bananes. Voilà. Let's go. Ouais, les bananes avec la peau, rien à foutre. Nous on est des guerriers. On bouffe la peau de la banane pour encore plus savourer son goût. Let's go. Ça va, Nico? Oui. J'espère que vous avez apprécié. Ça va si je suis dépassée? J'avais pas vu le message. Quel message? Oh bah je sais pas. Un message dans le chat. Je suis non. Une balade d'édite, je ne peux pas perdre contre une humaine. Ah oui, comment ça va maintenant, petite banane? C'est mignon, une vache en plus. Moi, mon père, c'était le phasme grand et fin. Maintenant, c'est le diplodocus. Du coup, je sais jamais comment le prendre. Ah oui, j'avoue, c'est pas tes surnoms super sympas, hein. Fais attention, la prochaine fois que tu iras dehors, il y a qu'à rien qui te tombe sur la tête. Ouais, tu vas mettre des peaux de banane et je vais glisser dessus, c'est ça? Elle va se prendre un retour de karma, la bonne gastro qui arrive, là. Entre gosse qui veut se venger pour ceci, là. Là. Coucou. Oh là là, on passe un beau moment, hein. On se fend la poulie, donc, hein. En fait, la stratégie, ça, c'est d'avoir un chat qui veut te voir échouer. C'est ça. Bah, de toute façon, dans tous les cas, ils ont envie de me voir échouer, hein, donc bon... Et te dire un peu plus ou un peu moins, autant leur donner une raison de m'en vouloir, hein. Comme ça on se fend la poire. Mais je vous aime, vous aussi. Qui aime bien châtie bien, hein, let's go. On va se dire ça. Allez hop. Faut que je change la batterie, attendez, pas la batterie de mon cerveau, parce que la batterie de mon cerveau elle est inépuisable, je vous le dis. Rien n'arrête mon petit cerveau. Même pas la fatigue. Parce que quand la fatigue arrive, la folie se décuple. Vous voyez, c'est l'étape d'après. L'étape d'après qui est encore plus traumatisante pour vous. Je pense qu'on va pouvoir quitter l'île. Hein. J'ai fait des smoothies, si ça t'intéresse. Ok, merci beaucoup, je vais aller voir ça. Ah, on a passé un beau mot là, on s'est bien marré la poire. Hein. On a bien fondu la poire. Hein. Ah là là. Oh, attendez, il faut que je récupère le lait de Ghost. Attendez. Hop là, le petit lait de Ghost. Viens voir, petit Ghost. Hop là. Oh, j'ai mon clavier qui bug. Hop là, hop, le petit lait. Merci pour ton lait, gosse. Miam, miam. Hop. Voilà, c'est parfait. Tout est normal. Pas de problème. Que des solutions. Avec le rire diabolique. Par contre, 18 bananes d'un coup, c'est chaud. Non, t'inquiète. Je serais constipée, c'est pas grave.
T'avais fait quoi des appâts? Je les ai tous utilisés. Ok. C'est vrai que comme ça. Oh, mais attendez, il y a personne qui clipse ce moment incroyable. Oh, je suis triste là. C'est un problème de santé, ils peuvent rien faire. Tu as consulté des prêtres, elle est possédée. Je pense qu'en fait, il y a tout le monde qui a envie d'oublier cet événement. Ouais, bah un petit oubliette et puis après voilà. Hein. C'est faux, c'est juste plus distrayant. Un peu de PLS de temps en temps, c'est drôle. On se rend la banane, exactement. On se rend la banane. Oh, faut bien rigoler un petit peu, voyons. Ce serait triste, sinon. La vie serait fade. Est-ce que ça te va qu'on parte et moi, j'essaye de m'occuper des ruches sur le chemin? Ça te va? En fait, j'allais te demander si tu voulais d'autres trucs que j'achète. Oh, bah, je sais pas ce qu'il y a, donc tu pars sur moi. Il part sans moi, le bébou. Alors, attendez. Mais s'il faut que j'attende que t'aies fini ta folie... Ah oui, non, mais alors ça, tu seras mort avant. Hein. Et même la mort ne te séparera pas de moi, mon pauvre. Hein. Je suis désolée de te le dire. Hein. Je sais jamais si c'est une promesse ou une menace que Prends-le tu me fais en disant ça. Prends-le comme tu veux. On peut prendre des piments. Curcuma. Tu crois qu'on peut y faire pousser, ça? Je pense pas que tu puisses, non, parce que c'est pas des graines, donc du coup ça va juste se dépenser. Corne de brume, armoire. Donc ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai déjà pris niveau recette. Ok. Bah, je sais pas, tu veux qu'on achète quoi? Pourquoi est-ce qu'on peut acheter de plus de toute façon? Bah, après des appâts pour qu'on puisse revendre après. Attends, y'a du jus de betterave! Avec toutes les betteraves qu'on a, je pense qu'on peut faire du jus de betterave, hein. Bah vas-y. Attends, je vais le prendre. Parce que c'est moi qui ai le truc. Voilà. Elle les a pas, elle les agraille aussi en même temps que les bananes. Non mais arrêtez, je me suis pas foutu des appâts dans le bif, quand même. Faut que tu le prennes, parce que j'ai plus de place, moi. Ah. J'ai pas vu. Et bah jamais, je ramène ça. Merci. N'empêche, on passe d'une Sechi qui est grave contente de faire voir notre banane à notre banane sa plantation à une Sechi qui se venge et ment toute sa famille. Mais qui c'est qui a commencé les hostilités? Hein? Non mais attendez, on va poser les choses 2 minutes là, les bébous. Qui a commencé les hostilités? Ce n'est pas moi. Moi, toute gentille comme je suis d'habitude, petite banane arrive, j'arrête tous mes plans, je mets tout sur pause et je dis « Tiens, viens voir petite banane, regarde ce que j'ai fait, gna 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 gna, toute gentille. » Et lui, au premier, bam, il me fout un coup, un taclé là, genre « Flac !»« Allez ma petite Senshi, noie-toi dans l'eau. » va te faire pendre avec les ailes, là, hein, voilà. Alors, pouette-pouette, hein, excusez-moi, hein, mais c'est pas moi la méchante ici. Hein. Moi, j'ai tout mis sur pause pour tout lui montrer, et lui, à la moindre occasion, schlac, comme ça, là, schlac. Alors, hein, excusez-moi, hein, mais c'est pas ma faute, hein, vous me tendez des pièges, hein. Et moi, mon petit cœur, il est fragile, hein. Hein? Quand je donne ma langue à chat, je vois les autres. Je rêve, ils se foutent de ma gueule en plus. Oh non, mais jus de betterave, c'est super compliqué, faut du curcuma. Oh non, mais moi je crois que c'était un truc simple. Oh non, on a envie de canner là, mais c'est bon là. Y'en a marre, y'a mal à barre là. Hein. Arrêtez-vous, hein. Bon, on repart, comme ça je m'occupe du miel sur le chemin. Is ok, faut attends, avant de repartir, je vais faire le poste de contrôle. Comme ça, je pourrais tout faire d'en haut. Et tu veux pas qu'on reparte en même temps? Parce que là, on est bloqué. Bah non, non, parce que ça va être chiant là de faire les manœuvres. D'accord. Et tout ça. Puisqu'on est là. Hein. Attendez. C'est comme ça que le premier guerrier ninja a commencé dans Naruto. Là, on a vu la naissance de la Evil Senshi. Naruto Sasuke. Pas mal du tout. Oui, mais une vanne pour grailler une famille, c'est pas cher payé. Ah si, c'est si. Pour pendre avec une algue, elle m'a perdu, je chiale. Là, elle s'enroule autour de mon cou et on... Ah. En plus, j'ai l'image de... What the fuck? J'ai l'image de Little Hope, là, de l'autre qui se fait accriper, là, en mode schlack. Attends. Quoi? C'est toi qui l'as récupéré ou pas? Non, c'est par terre. Tu l'as sur toi? Oui. Tiens, je suis dans le coffre. Voilà, parfait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore, là? Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise, là? Je vois une catastrophe arriver, là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis qu'une petite banane toute gentille. Ah bon? Ben, on reverra ça avec le clip où tu as été méchant et j'ai été outré au point de me taire. Parce qu'il m'en faut pour me taire, hein. Donc c'est vraiment que j'ai été particulièrement outré, hein. Excusez-moi de vous le dire, hein.
Mais pour que Senshi ferme sa bouche, il en faut beaucoup. N'est-ce pas, Nico? T'as un droit de réponse, mais faut que tu fasses attention c'est à la sûr. Manière dont tu... Voilà. Le droit de réponse, mais la réponse a l'intérêt d'être correcte. Ok. Voilà, c'est exactement ça. T'as un droit de réponse, c'est juste qu'il faut bien que tu réfléchisses à la manière dont tu vas répondre. C'est plutôt... Attends, laisse-moi me concentrer, là, il faut que d'accord. J'installe le... Ça veut dire que Senshi est en train de me parasiter. Je vais parler au chat plutôt, tiens. Voilà, je vais leur parasiter le cerveau à eux, voilà. Est-ce que les bananes sont poussées? Non, pas encore. Faut le mériter ton jus, je l'heure que je vais préparer à manger. Pas de soucis, Benny, et tu fais pas tomber ton truc? Parce que à midi, il a fait tomber sa bruschetta et il était au bord de l'agonie, là, ce que je peux comprendre. Faire tomber sa bouffe, y a rien de pire. Donc fais attention, ne fais pas tomber ta bouffe. Et n'écoute pas trop non plus les musiques de Senshi la folle, parce que déjà que tu les as beaucoup écoutées. Oh, on a 24 minerais de métal d'avance. Ouh, ça c'est pas mal. Et ça c'est après que j'ai créé le poste de contrôle. Hein. Oh, ça c'est pas mal. Oh, ça je oh, ça c'est bon ça. Hein? Ça c'est l'encre, ça c'est devant derrière. Là, putain, mais on a quasiment plus de feuilles de palme, hein. Faut faire gaffe là. Hein. C'est parce que j'ai fait plein oui, de. Mais je sais bien, mais attention quand même. Attention ouais, quand même. Faut ce qu'il faut. Oui, oui, il faut ce qu'il faut, mais après on n'a plus rien et après on pleure. Donc attention quand même. Hein. Attention, attention. Très drôle. Pourquoi j'ai dit quoi? Je suis très drôle encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle dinguerie. Ouais, quelle dinguerie ai-je encore dit? Les baumes, tu veux que je les mette où? Parce que j'en ai fait pas mal. Oh, les baumes, on les a mis avec les têtes et les trucs comme ça. Ok. Bon bah je vais tout délourder. Parce okay. que j'ai pris pas mal de trucs là. J'ai tout sur moi. Hein? Wait. Du coup on repart là, c'est ça? Deux secondes, je me délourde déjà. D'accord. Moi je vais m'occuper de commencer à préparer pour la petite petit truc de miel si ça te va. Qu'est-ce que j'ai fait de mon marteau? Pour taper dessus. Hein? Quoi? J'ai rien dit. Si seulement c'était vrai. T'es un pauvre nanou traumatisé. Bah là, il pourrait dire que oui, là. Oh! Pauvre petit martyrisé. Ouais. Ça va bien se passer. Oh non, il est en train de grailler, va-t'en! Ah ça, faut te croire sur parole. Espèce de salaud! Salaud! Alors attends, parce que le piano il prend grave de la place. Oula, mais il a tout becqueté l'autre! Oulala! Par contre, j'ai mon clavier qui commence à bugger, ça m'amuse moyennement. Oula, oui, oula, stop! Attends. J'ai plus le contrôle sur mon clavier là. T'as dû appuyer sur un truc qui fait avancer automatiquement. Ouais. On a du plastique parce qu'on a plus rien là, ça me fait peur. Attends, je suis en train de tout remettre dans les coffres là, ce que j'avais utilisé. Je voulais juste remettre. Qu'il a pété, histoire qu'il ne bouffe pas nos filets. Pas mal. Moi, j'ai rien sur moi au niveau plastique. Bon, bah, va falloir attendre qu'on reparte, alors. C'est pas bien grave. Alors, mur en bois. On va faire un petit coin pour nos petites abeilles. Où est-ce qu'on fait le petit coin pour nos petites abeilles? Je pense qu'on va le faire dans le coin là-bas. Je sais pas quelle est la taille nécessaire. Donc on va faire un truc pas trop gros. Voilà. Vraiment un petit truc tout mignon, tout kiki, tout voilà. Vous et le plastique, c'est un truc de fou. T'as vu, hein, je t'ai dit Jojo, hein, qu'en deux secondes, les ressources, tu pouvais en avoir plein les coffres et d'un coup, t'as plus rien. Bah, t'as une preuve. On avait plein de plastique et là, on se retrouve, on n'a plus rien. Au secours. Alors je fais vraiment une mini zone pour les ruches pour le début, on verra après si on y augmente. Là je fais vraiment au plus simple. Porte en bois. Voilà. Oh merde, j'en ai mis une deuxième je crois. J'ai fait bêtise. Oh bah tiens, ça faisait longtemps. Voilà. Hop. Et maintenant il faut que je fasse un petit toit. Est-ce que je peux faire un toit joli ou pas? Ça va le faire ou pas le toit si je le fais comme ça? Je crois que ça va pas le faire parce que c'est sur 3 cases. Je peux pas faire un double toit.
Là, on va faire un toit. Attends, parce qu'une ruche, ça prend grave de la place. Hein. Je suis obligée de faire un minimum de... Il n'y a pas un moment... Sur notre première partie, on n'avait pas fait des plantations en haut sans épouvantail, comme ça ils pouvaient pas nous les bouffer aussi. Je crois qu'on avait fait ça. Mais on avait fait à l'intérieur, c'est pour ça. Oui. On avait mis des murs. Oui, mais c'est bien ce que je suis en train de faire, mon amour. D'accord. Non, mais attends, je suis concentré sur autre chose. D'accord. J'ai retrouvé du plastique. Ok, super. C'est pour faire... T'avais besoin pour qu'on refasse le radeau, c'est ça? Ouais, pour que tu réparer le radeau, parfait. On a trouvé où? Dans un coffre. Attends. Ok, vas-y. On va dire que je le déconcentre, là. Comme d'hab, hein. Ouais, comme d'hab. Ah, mais attends, ça ira pas, je suis bête. Ah, mais si, au pire, je fais un toit plat. Bon, ce sera pas super beau, mais au moins, ça... Ce sera parqué en bois. Y'a pas un truc de toit plat? Attends. Ni. Y'a pas un toit plat? Attends. Un parquet, ça c'est considéré comme un toit ou... On va dire que ça fait l'affaire. Ouais, on va dire que ça fait l'affaire. Hein. C'est très moche. On dira que ça fait l'affaire. En attendant de faire mieux, là c'est vraiment pour faire très simple, on fera un truc plus joli à zap. Là c'est le côté pratique avant l'esthétique. Hein. Voilà. Mais what, pourquoi vous avez un piano? On en a acheté un à la petite cabane où tu peux échanger des trucs. On s'est dit pourquoi pas, allez, une petite touche de piano de temps en temps. Il me fait une petite sérénade pour se faire pardonner, ça peut être une bonne idée, tu vois. Tout s'explique. Tout s'explique, mon Jojo, tout s'explique. Hop. Merde, y'a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, j'ai trompé. Je crois qu'il est pas connecté au... Le centre de contrôle est pas connecté à... Mince, comment ça s'appelle? Ah oui, et tu sais comment on fait? Faudrait peut-être le rapprocher, je crois. Le rapprocher de quoi? Ah bah si, ça a marché, regarde. Non, ça c'est connecté au moteur, donc le moteur, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, pour l'encre, il y a un problème. Bah si, regarde. Attends, ah oui, ça c'est le sens. Ça c'est le sens, pour l'encre. Et qu'est-ce qui marche pas? Juste l'encre? Parce qu'elle est trop loin. C'est ça? Ouais. Ah. Je crois que c'est ça. Ah. Peut-être avec des toits d'angle aussi pour ta ruche. Ah oula, attends. Va-t'en! Salaud! Bah j'ai essayé double toit, mais tu vois, ça marchait pas, je pouvais pas le relier. Donc ça ira très bien comme ça. La double ponte. Alors attends, je veux voir du coup si ça marche maintenant mes ruches. Elle marche ou pas ma ruche? Comment je fais? Ou je ferme? Comment ça marche la ruche? Ah mais non, il faut des fleurs, c'est vrai! Il faut des fleurs pour les ruches! Ah oui, il faut faire plein de fleurs autour. J'ai complètement oublié. Alors attends, comment on fait ça? Il y a un truc, je crois, que tu peux mettre un support pour mettre des fleurs par-dessus. Comment on fait? Il y a un support à fleurs, je crois. Comment on fait le support à fleurs, déjà? Je crois qu'il faut mettre des sortes de mini... comme des mini étagères, un truc comme ça. Attends... Comment j'avais fait? Je me souviens que c'était moi qui avais géré cette partie-là. Comment j'avais fait mon schmilblou? Attendez. Connexion du cerveau en cours. Comment on fait déjà? Pardon pour le coup de le... Excusez-moi. Il n'y a pas un truc pour faire des étagères? Étagère. Je me suis souvenu avec les fleurs parce qu'en fait il y a un dessin sur la ruche. Pour les fleurs. Attends, comment on fait des trucs de fleurs? Merde, je me souviens pas comment on fait. Carré d'herbe, c'est pas ça, hein. C'est vraiment genre tu poses tes fleurs sur. Ah, mais j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas une encre électronique. Ah, ok. Je crois qu'il faut une autre encre, c'est pour ça. J'arrive pas à trouver, Nico. De quoi? Eh ben, je trouve pas. Il faut faire des pots, non? Je sais pas, justement, je trouve pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Si, c'est des pots, des... Ben, attends. Dans la déco?
Attends, je cherche. Trophée, table. Ah, je crois que c'est là, c'est petite étagère. Je crois. Une étagère pour ranger des objets, c'est pas ça? C'est pas les petits carrés de terre, tu veux pas... C'est ça, étagère. Et après, je crois que tu les poses. Non, c'est pas des carrés de terre, c'est considéré comme de la déco normalement. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Et maintenant, faut juste que je trouve comment mettre des fleurs dessus. Comment je peux faire des pots de fleurs, en gros. Les pots de fleurs, c'est où? Là, il y a rose. Ça doit être ça. Fleurs jaunes, argile, monstera, cactus, aloe. Ça, c'est vraiment des plantes, c'est pas des fleurs. Des fleurs, il me faut vraiment des fleurs. Comment je fais des fleurs? Quelqu'un sait si on peut faire du montage sur Play, accrocher des clics entre eux? Je sais pas du tout. Excuse pour un petit coup dans le micro, par contre, quand tu nous gueules dessus, y a pas d'excuse. Non, mais parce que vous savez, vous partez du principe que si vous venez voir un jeu d'horreur chez moi, vous savez que je vais gueuler. Vous attendez que ça. Donc, je vais pas m'excuser de vous offrir le contenu que vous attendez. Toilette extérieure, c'est pas ça. Merde. C'est pas ça. Ça, c'est des fleurs décoratives. C'est pas la même chose que les fleurs qu'on trouve... Attendez, je vais vous montrer. Où est-ce qu'elles sont, les fleurs? Les fleurs. J'en ai fait quoi? Bah, je suis neuneu ou quoi? C'est là. Ajouter de l'eau pour obtenir une fleur peut être plantée dans un petit carré de terre. Ah, c'est dans un carré de terre? Mais attends, le carré de terre, il va dépasser de mon étagère. Non? Attends. Attends. Ni. Peut être transformé en couleur. Attendez. On va essayer. Ça me paraît bizarre cette histoire. Je sais pas si t'en as déjà bouffé. C'est vrai que vu comme ça, on est d'accord. Les fleurs, c'est pas bon. N'est pas bon les roses. Non, c'est pas bon. C'est. Ah oui, d'accord. C'est ça. En fait, tu peux les. Regarde Nico sur mon écran. Bon, tu vas avoir un petit décalage, mais. En fait, quand ouais. Tu prends le carré de terre, tu peux le mettre directement au mur. Comme okay. Un. Bah, comme un. Okay, oui, donc c'est bien ce que je disais du coup. Ouais, en fait, moi je pensais qu'il fallait créer une étagère et ensuite tu mettais la fleur. En fait, le petit carré de terre il s'adapte directement à la zone. Donc tu veux dire que j'avais raison, que tu avais tort? Oui. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais je vais te l'entendre dire. Tu avais raison, j'avais tort. T'es content? Je pensais que ce serait pas aussi bien que je pensais, mais en fait, si. Tu pensais que ce serait pas aussi bien que tu pensais, tu m'as dit? Ouais. Peut-être, je me suis dit, on est peut-être un peu déçu, mais non, en fait. Abeilles. Oh, attends, je vais y replacer. Oula, ça bouge tout seul. Je vais y replacer, je vais y mettre mieux. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Oh, les petites abeilles, elles sont contentes. Il est en train de becter, je suis en haut, je peux pas descendre. Méchant requin. Tu m'as fait peur. Les petites abeilles. On va faire des ruches plastiques, argile, charnière, peau d'abeille. On va voir si on a ce qu'il faut. Attendez. Peau d'abeille. Oh oui, on a plein de peaux d'abeille. On va faire des... Si. Comme ça, on pourra faire du miel. Parce que le miel, c'est grave value. Oh putain, mais ils m'ont bouffé un épouvantail. Oh putain. Attendez. Ah, ça va plus, là. On bouffe mon épouvantail pendant que je me casse, là. Il me faut du plastique. Tu as du plastique? Ouais, j'en ai. Attends, je viens de récupérer sur les côtés, là. Je suis en train de mourir de faim, là, et de soif, là, aussi. Oh là là, attendez. Tiens, et tiens. Merci. Je récupère du palmier aussi, je te le remets, là. Merci. Oh là là, j'ai soif, là. Oh là là, oui. Et t'es au bord de la mort, là, c'est une chouette. Ça aurait été dommage, hein. Ouais. Tu disais ça ironiquement ou tu disais ça pour de vrai? Bah non, ma kiki nana, quand même. Bah je sais pas, je me pose la question, hein, je t'avoue, là. Hein. Bon, c'est mal me connaître. Bah oui, oh, bah oui, bah bien sûr, hein, c'est mal te connaître. Ah, t'es un petit peu luberlu, là, quand ouais, même. Ouais. Je sais pas si t'en as bouffé. Je comprends rien, je crois que je vais aller dodo, j'arrive pas à réfléchir. Perso, je sors de la sieste. Je crois que Jojo, ma mère, te parlait des fleurs, savoir si t'avais déjà bouffé des fleurs pour voir si ça avait bon goût. Que tu me disais les fleurs. Je pense que c'est pour ça. Je pense avoir relativement suivi ce qu'il a dit. Ça se trouve, je me trompe, mais je pense que c'est ça qu'il voulait te dire. Ils ont récupéré plein de trucs. J'avais oublié à quel point les filets sont trop bien. On en a récupéré pas mal de ressources, là. On est pas mal, je trouve. Ouais. Donc là, on est d'accord, je me dirige vers l'île de la mission. Hein. Oui, île de la mission, là. Let's go, bitches.
Okay. En plus, on a plein de métal, on va pouvoir se finir. Il faut que tu fasses en priorité ta bouteille d'oxygène. On n'utilise pas les trucs sans faire exprès. Donc fais bien ta bouteille. Attends, moi, je ferai plus tard ce que je suis en train de faire. Ok. Perso, j'en suis laisse. Exact. Ah bah tu vois, j'avais suivi ça, Mamel. Je suis toujours. Attends, juste je regarde où est-ce qu'on est niveau distance. Je suis souvent, on va dire. Alors, du coup, je voulais finir de faire un épouvantail. Déjà, on a dit épouvantail. Parce que là, ça ne va plus, ça ne va pas. Voilà. Donc, épouvantail, on va en remettre un. Il ne bouffe pas mes trucs, là. Ah, t'as enlevé les moteurs, c'est ça? Ouais, on est sur les directions du vent. Ok, très bien. Ça et puis comme va. Ça, ça laisse un peu plus de temps pour faire les trucs. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, ruche, on a dit. J'aimerais bien en faire une deuxième, voire une troisième si je peux. Ruche, c'était où? C'était là-haut. Non, c'était pas là-haut. C'était où la ruche? C'était là. La ruche. Pour info, on est à 800 mètres, donc ça laisse encore un peu de temps. Ok, parfait. C'est bon, j'ai fait deux autres ruches. Très bien. Je vais m'occuper des oiseaux, des animaux après, faut vérifier l'eau et tout ça. Ah, mais je suis. Con. Quoi? Bah, faut que je la pousse l'échelle. on peut plus monter par là, du coup. Faut que je la mette là. Attends, on peut monter par là ou pas? Oui, c'est bon, ça marche. Ah, j'entends les abeilles à l'intérieur. Par contre, je sais plus comment on les récupère, mais on va voir. Je fais déjà une rangée. On ça te le propose. D'accord. Ah oui, merde. Attends, elles marchent ou pas les abeiles là? Pour tous? Alors ça vole. Exactement. Non, mais ça marche. Genre, est-ce que c'est. Oh, tu vas pas commencer à m'enquiquiner, hein? Eh oh! Luberlu là! C'est toi, Luberlu. C'est toi, Luberlu. Chapeau pointu. Non mais, faut que je mette des fleurs encore, je crois. Attendez, est-ce qu'il me reste des fleurs au moins? Je suis même pas sûre qu'il me reste des fleurs. Parce que depuis le début du jeu, on les balance, les fleurs. J'en ai plus, fait chier. Bon bah tant pis. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau encore dans votre... Après, il y a une toute petite île à gauche. Hein, à droite, pardon. À droite? Ouais. Bah fais-la si tu veux. Non mais si tu veux tes fleurs... Ah non mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est bon, merci. Ok. Mais ok. Ah, c'est le moment d'aller récolter les bananes. Gnac, gnac, gnac. Gnac, gnac, gnac. Exactement. Donc bouffer des fleurs. À boire, oui, t'as raison, il faut boire. Il faut s'hydrater, Nico hydrate pas aussi. Deux autres ruches et hop, plus de plastique de nouveau. Exactement. Ça part comme ça vient, le plastique. Hein. J'avais dit que je faisais quoi? Du coup, j'ai oublié, c'est super. Si, attends. Donc, je repose ça. J'en ai pas besoin. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on allait couper les bananiers. Si. Bouteille d'oxygène. Parce que là, on a combien de bouteilles d'oxygène d'avance? Seule d'avance. Il faut en refaire. Ça va, petite banane? Ah putain. Quoi? Dry. Hein? Il a dry à un côté du bateau. Ah, ok. Pour l'instant, on est d'accord, le métal, on le garde. Hein. On en a pas suffisamment d'avance pour commencer à faire tout le tour. Déjà, est-ce que tu t'es refait ton arc, hache, enfin, tous les trucs vitaux? Tu les as refaits ou pas, déjà? Non. Eh ben, déjà, on va commencer par ça. La priorité number one, c'est que t'es ton de la bouteille d'oxygène. Attends, et tes autres... Faut que je me délourde, là. Attends, tu secondes, bah, s'il te plaît. Délourde-toi. Parce qu'il faut aussi pêcher. Pêcher et... Tu veux que je pêche? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Bah, je m'en occupe. Je finis avec les... Avec tout ça, là. Ah, les pommes de terre et tout. J'ai mis des pommes de terre à cuire et je vais en remettre, d'ailleurs. Tous les poissons spéciaux qu'on échange, je les ai mis en haut. Oui, c'est ce que j'avais commencé à faire, moi aussi. Avec... Ah, il y a une bouteille d'oxygène en haut. Ah bon? Qui est pleine. Ouais. Ah bah super, rien à faire là, mais tant mieux. Une bouteille d'oxygène, y'a quoi d'autre? Attends, ça veut dire qu'on en a deux alors? Bah certainement. Si on a une en bas aussi. Ah oui, on a plein de coups d'avance aussi. Tiens, on utilise pas les ressources. Terre, comme ça je les remets. Donc non, on a deux bouteilles d'oxygène, attends, deux secondes. On a deux bouteilles d'oxygène, donc ça c'est bon. On a deux palmes, c'est bon. Et bah c'est bon. Ok. J'ai mis les pommes de terre dans le truc. Ah super, merci, parce que je commence à crever de faim. Oui, j'avais bien compris. C'est pour ça que je t'ai dit, je m'en occupe. Je s'occupe de tout.
Tu s'occupes de tout? Ouais. Exactement. Je prends soin de mon homme. Après, ils vont dire gna 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 gna. Hein? Oh bah, ça empêchera pas que je dise gna gna gna. Ah bah oui, ah bah oui, bah ça, je me doute. Hein. Je le connais suffisamment. Hein. Mais bon. Ça fait mal le nombre de lingots de métal qu'il faut pour une seule machette. Ouais, ah bah c'est pour ça que j'en avais échangé plein contre à Lille, hein, avec les pièces. Hein. Je crois que les pièces en plus elles repop si je dis pas de bêtises. Tu sais dans Lille là qu'on a fait juste avant. Je suis pas sûr. Bah si, forcément. Parce que sinon tu pourrais pas tout acheter. Bah c'est fait exprès pour que tu fasses un choix en fait. Moi je pense que ça repop. I think repop. You think? I think repop. You do think it's ça va les re-popping. Animaux là? Attends. Arroser et carré. Oui, c'est bon. Ils ok. Au frais, je crois. Du coup, tu parlais de fleurs aussi. Deux autres. Du coup, j'ai pas suivi. Il y a Gosse sur le rafio. Ah oui, t'as pas vu Mamel? Tu veux que je te montre? Il y a Mamel et il y a Jojo. Il y en a un, c'est consenti. L'autre, c'était pas consenti. Tu veux que je te montre? Ou t'as vu sur Discord déjà? La vengeance sera terrible. Tintintin. J'accepte ma sentence. T'as besoin que je te montre ou pas? Enfin, Mamel. Attends, là, j'ai oublié une pomme de terre. Hein, je suis là aussi. De quoi? Ah non, t'es pas, tu y es pas, Mamel, mais je peux te rajouter si tu veux. Il reste encore Cusco. Cusco peut devenir Mamel si tu veux. Ça, c'est un seul mot de ta part et tu deviens Cusco. The Ghost, c'est le zut, comment on appelle ça? Aide-moi, Nico. Comment ça s'appelle? C'est bon, ça met récupérer rayon de miel. Ah, super. Comment ça s'appelle déjà? De quoi, le lama? Non, Ghost. J'ai un oubli. Un bélier. Un bouc. Donc c'est pour le côté représentation des démons, tu vois, parce que c'est typiquement l'animal qu'on représente, et en plus il est noir, donc je me suis dit bah c'est parfait pour Dark Ghost. Et Jojo était jaloux, je lui ai dit bah il reste encore la cocotte ou le lama, tu choisis. Du coup il a choisi la cocotte. Donc ça, si Mamel, si tu ça lui va bien, sera démon. Moi j'ai rien dit. Hein. Enfin presque. On se rapproche de destination. Ok, super. Oui, j'ai entendu. Oh putain, il y a un sup. Un sup. Attends, je vais juste répondre vite fait à Nono, parce que je sais pas si elle a besoin de ma réponse. Je crois que c'est le meilleur investissement. Pondouille à Nono. Ça dépend, il y a d'autres animaux dans le jeu. Non, je crois que c'est les seuls animaux qui existent, Nico. On est d'accord? Je crois, effectivement. Donc non, il y a le choix juste. Ben, il reste juste le lama, mon saint Mamel. Pas de me dire si tu trouves que ça te correspond. Moi, ils m'ont dit que le lama, ça me correspondait bien parce que apparemment, je crache tout le temps sur Nico. Donc bon, j'ai apprécié. Hein. Franchement, c'est pas faux. Hein. Ouais, bah oui, évidemment, t'allais pas dire le contraire. Hein. Ça m'aurait étonné de ta part, tiens. Hein? Ville nanou. Oh, merde, je suis con, je bouffe les pommes de terre crues. Oh putain, mais quel... Oh, mon bidou, il va pas apprécier les pommes de terre crues, je crois. Oh non, il va pas apprécier. Il va pas apprécier du tout, même. Super, les pommes de terre crues. Plaisir. Plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. Ouais, c'est plaisir ça. D'offrir, plaisir de recevoir. T'as tout compris, mon amour. Tout compris. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Ah, bah c'est toi qui ai dit ça. Ah, bah alors, bah, tiens, raison de plus. C'est toi qui as dit ça. Ah, bah voilà. La boucle est bouclée, attends. La boucle est bouclée pour Mamel. J'avais complètement oublié. Pourquoi il y a un pot d'abeilles en bas? Hein? Parce que j'en ai besoin pour construire, c'est normal. Ah, pardon. Non, attends, ça c'est Jojo, on a dit. Renommer l'animal. Le retour des chiottes qui vont dire trahison discrète. Voilà, hop. Moi je dis rien. Regardez, on a tout le monde. Faut juste que je le prenne en photo. En plus, t'es tout nu là parce que je t'ai enlevé ta laine avant. C'est parfait.
Sans mamelle et ta poil. Attends, arrête de bouger, sans mamelle. Faut que je te prenne en photo pour Discord. Sans mamelle, arrête de bouger. Attends, ça tangue, j'y arrive pas. Sans mamelle, ne bouge pas. Sans mamelle, j'ai dit ne bouge pas, sans mamelle. Je vais pas y arriver. Oh putain, j'ai galéré à faire la photo. Attends, sans mamelle. Mais non, mais sa mamelle, il monte son cul, là. Sa mamelle, fais un effort. S'il te plaît, arrête de bouger ça. Oh putain, je vais pas y arriver à faire ma photo. Sa mamelle, tourne-toi, s'il te plaît, sa mamelle. Oui, viens par là, sa mamelle. Sa mamelle, sa mamelle, tu bouges trop, sa mamelle. Sa mamelle. Allez, sa mamelle, la photo. Sa mamelle, la photo, s'il te plaît. J'y arrive pas. Sa mamelle, tourne-toi. Allez. Sa mamelle, tourne-toi. Mais non. Mais non, mais je suis trop collée, là. Ah, bouge plus. Bouge plus, sa mamelle. Non, putain, j'ai pas le temps de faire la photo. J'y arrive pas. Au secours. Sa mamelle, photo. Ah, je crois que je vais y arriver. Oh non, ça tourne. Non. Je crois que j'ai eu la photo. Je crois que j'ai eu la photo. Je crois que je l'ai eu. Je crois que j'ai eu la photo. Attendez. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, la photo de sa mamelle? Oui. Ça prend la photo de sa mamelle. Je vous la mets sur Blabla. Attendez. Regardez, c'est magnifique. Toute la tribu est reconstituée. Je me bordel pour prendre des photos. Mais oui, bouge trop. Ils sont à l'état sauvage, c'est pour ça. C'est bon, j'ai réussi. Quel enfer. C'est bon, ça, mamelle. J'ai pris ta photo. Nous sommes sauvés. Nous avons tout le monde. Oh, attends, il y a plein de pommes de terre qui sont prêtes. Je vais m'occuper des pommes de terre. Ah, pourquoi il y a mon clavier qui bug, c'est affreux, là. Stop. Depuis que j'ai commencé la session, ça bug. Non, mais attends, c'est pas possible. Attends. Clavier, allez, est-ce que tu pourras m'aider, s'il te plaît? Tu veux que je t'aide comment? Attends. Parce que moi, je veux bien, hein, mais... Non, mais par c'est contre... C'est pour baisser le... Oui. Pour baisser l'encre. On t'entend pas. Pardon, ce serait pour baisser l'encre. Oui, tu me dis. Ouais, je te dis. Mamelle, tu fais beaucoup de bruit, hein, je trouve, quand même. Hein. Tout longtemps, à chaque fois, il fait... Mais... Putain, mais non, mais par contre, j'en peux plus de mon clavier qui me fout hors du radeau, là. Ça suffit, là. J'ai pas le pouvoir sur mon radeau, là. Sur mon clavier. Je sais même plus ce que je raconte. Au secours. Tu me dis quand c'est bientôt, hein, parce que je suis en train de faire d'autres trucs. Ouais. Oh putain, il est en train de becter, enfoiré. Marteau. Merci, au revoir. Ça m'intéresse plus. Hop, voilà. Hop. Ça va, oui, de prendre des photos de moi à poil. A dit mamelle. Oui, oui, ça va très bien. Je vois pas où est le problème. Ça, oui, j'ai une grande gueule. Qu'est-ce que tu dis, ça, mamelle? Ah oui, on n'y est pas encore. Hein. J'ai le temps de faire des trucs. Hein. J'ai le temps de mettre des petites pommes de terre. Alors, on bouffe essentiellement du poisson et des pommes de terre dans le jeu et des bananes. Je sais pas si le système digestif apprécie beaucoup, mais écoute. On fait avec ce qu'on a. Hein. Yom, yom, yom. Une pomme de terre, là. Yom, yom, yom. Yom, yom, yom. Miam miam miam. Et miam miam miam. Va bientôt falloir que je mette l'encre. Bientôt, oui. Ok, je suis prête. Ah, je suis à mon poste. Le système digestif, trahison, disgrâce. Ah oui, je pense, oui. Je pense qu'il apprécie pas trop. Attention. Et vas-y. C'est bon.
Attends, Nico, est-ce que tu peux m'amener mon traitement ou sinon je viens le chercher? Non, c'est bon, je l'amène. De toute façon, il faut aussi que je donne à Oululou. Ok, super, merci. Un max de fibres et de protéines, il n'y a même pas de chiottes à bord. Les chiottes, c'est l'océan. On se met au bout du radeau et on fait ploup. Et voilà. Que des solutions, que des solutions aux problèmes. Je vois pas où est le souci, moi, personnellement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut se refaire potentiellement des palmes? Parce que là, je crois qu'il y en a un qui va être un peu dans la merde niveau palme. Algues et substances visqueuses, est-ce qu'on en a encore? Oui. Heureusement, on en a encore. Et je vais en préparer parce qu'on n'a plus grand-chose. Attendez. Je vais en refaire un petit peu des substances visqueuses. On va pas demander à Nico, hein, parce que ça y est, après vous allez commencer à dire « Oh, Nico, les substances visqueuses !» Je vous connais, les bébous. Je vous connais. Ça a failli me faire peur. J'ai entendu un bruit, je me suis raisonné, je me suis dit, c'est Nico, ne pleure, ne crie pas. Merci, mon amour. Il a failli me faire peur, au secours. Au secours. On est dimanche. Ah bah super, il y a même pas... Bah super, et après vous repêchez dans vos chiottes, exactement. C'est le cycle éternel. Reveni. J'ai failli avoir peur, mais j'ai pas eu peur. L'entrepôt à semences dans le DLC, tout à fait, l'entrepôt à semences dans le DLC. Tout à fait. C'est bon, je suis revenu là. Merci. Je disais, j'ai failli avoir peur, mais j'ai pris sur moi. Très bien. Je suis ça. En train de refaire des palmes, parce qu'elles sont un peu low, nos palmes. Donc ce serait bien qu'on s'en refasse une paire d'avance, je pense, si on reste beaucoup dans l'eau. Tu m'as entendu? Je t'entends. Ok. Bon bah parfait. Il m'a entendu. Faut quoi pour... C'est bon, je l'ai fait. Et pour moi aussi? Oui. T'as deux paires de palmes et une bouteille d'oxygène. Wow. Wow, amazing. Alors je mets des lourdes déjà. Ouais, ouais, aussi, s'il se passe quelque chose de fâcheux. Je refais des pommes de terre. Des pommes de terre. C'est pas 22h ton cachet? Alors non, c'est... En fait j'en ai deux. Différent. J'en ai un 20h et normalement j'en ai un à 21h, mais que je prends à 22h quand je suis en stream. Mais c'est une bonne réflexion, j'apprécie la remarque. Hop. J'en ai deux différents. Au bout du radeau et pop, si on n'a pas de chance, c'est le requin, hop, un bout de fesse. J'avoue. Si tu fais pas popo assez vite, hop, il te chope le derrière. Ça, je vais balancer, on n'a pas besoin. C'est charmant. Quoi? C'est eux qui m'ont dit ça. C'est bon, là. C'est à eux qui m'ont dit ça. Bah oui. Tout à fait. Faut qu'on refasse des flèches, mon amour d'amour. Ce serait peut-être bien ce qu'on puisse se faire des flèches en métal, d'ailleurs. Ça coûte cher. Je vais en faire quelques... J'en fais pas? Bah, si tu veux. Il faut juste pas les foirer, quoi. C'est ça. Bah, après, moi, je suis une bonne viseuse, hein. Donc x6, un pack, deux packs, elles sont où mes flèches en métal, je les vois pas, 2, 3, 4, voilà. J'en ai fait 30, je t'en fais ou pas? Ou tu veux qu'on les garde de côté? Moi je vais faire en pierre je pense. D'accord. Parce que ben, ça coûte beaucoup ou pas? Bah ça coûte un lingot de métal pour 6. Ah ça peut le faire du coup, ça en ferait 5 pour 30 quoi. Sachant que j'ai déjà un paquet de 21 de pierre. Donc je sais pas. Moi j'en ai 26 de pierre. Et ben... Sachant que je sais pas ce qui priorise. Je sais pas si c'est le métal qui passe avant quand tu tires. Quand tu tires ou tu pointes. Donc je sais T'as pas. T'as fait cette blague. Oh ça va, elle était bien trouvée. Elle était bien trouvée. Voilà, j'avoue. Merci. J'avoue. Voilà, merci, je préfère. Je vais remettre des pommes de terre. Les pommes de terre, miam 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 miam. Je me régale de pommes de terre, Ah, fait chier, on est à un lingot de titane de faire le chargeur de batterie. Faudrait penser à le faire. Ah, ok. Dès qu'on pense, bon, dès qu'on a. On va peut-être en trouver ici, hein. Avec un petit peu de chance. Alors, Benny, c'est bon, t'as pas fait tomber ton repas par terre? Cette fois-ci? T'as fait attention?
T'as été sage? Ou pas? Ou t'as pas été sage? Je veux tout savoir. Effectivement, si on surdosage, ça serait pas mal. Attends, quoi? Attends. Mais que tu nous fasses pas un surdosage comme la dernière fois. Ah oui, oui, j'avoue, oui, on pourrait. Si on pouvait éviter de faire un surdosage deux fois d'affilée, ce serait pas mal, j'avoue. Ah, ils savent? Oui, je leur avais dit. Oh, bah, tu penses bien. Je leur avais dit. J'avais dit la catastrophe que j'avais fait, hein. Je pense bien. Je pense bien. Je vais dire c'est pas ma faute, mais je peux pas dire ça, ça marche pas. Malheureusement. Malheureusement. Le requin aussi se fait trahison, disgrâce, tout se fait trahison, disgrâce. Peut-être la place dans l'inventaire pour l'ordre des flèches, je sais pas. Non, et en plus c'est ultra bon. Je pense à prendre des smoothies. Oui, je vais en prendre, merci. Tu t'es fait quoi du coup, Benny? Ah oui, prends aussi tes melons. Mais j'ai déjà le melon. Ça c'est sûr. Méchant, va. Ah, non. C'était pour moi, l'humour, je le fais... c'était oui, pour oui, la oui, blague. Moi je lui fais des pommes de terre et j'ai le droit d'aller faire pipi avant qu'on commence parce qu'après je crois que j'arriverai pas à me retenir. Allez, je vais aller faire pipi. Vas-y, hein. Eh ben, ouais. Soyez sage ou pas. Bouba, vous connaissez la règle du jeu, hein. Dites-moi une phrase et je pourrais vous imiter Nana faire cette phrase. Sachant qu'il y en a qui sont déjà mouillés, donc un peu plus, un peu moins. Ça va le faire. Poupoupidou. Ah, j'avais pas vu la portée. La portée, la portée, la portée, la portée, la portée, la portée. Je sais pas si je l'ai bien fait. Nico? Ouais. Tu crois que c'est dérangeant si j'ouvre un peu de mon côté le bureau ou pas par rapport aux voisins? Ça va? Bon, on s'en fout des voisins. Ouais, parce que là, je t'avoue, hein. Je suis en train de crever de chou. Il fait super. Bah, c'est avec les chiens qui arrêtent pas d'aboyer toute la nuit. Attendez pas de carbo. Respectez pas. Attendez pas de carbo avec du Gwen Cialé, du Pérécino. Je sais pas du tout ce que c'est. Du Gwen Cialé. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Gwen Cialé, du Pecorino. C'est quoi? C'est pas du fromage, du Pecorino? Je sais pas du tout. Je serais curieux d'essayer ça. Franchement, c'est une dinguerie en plus d'un jaune d'œuf, mais j'en ai pas. Aussi, mais moins aigu. Ah, j'imagine que t'étais encore en train de m'imiter. Nico, je t'ai envoyé des SMS. Ils sont partis, pour une fois. Si, exact. Ah, c'est ça, c'est bien du fromage. Ok. Bah, ça a l'air bien bon. Oh, je sens l'air frais qui vient sur moi. Oh oui. J'ai chaud, là. Parce qu'en fait, je suis allée dans le couloir. Il fait super frais, parce que c'est en train d'aérer de partout. Du coup, Du coup, est-ce que tu as tout ce qu'il faut ou pas pour partir? Attends, parce qu'il nous a becté plusieurs coins là. Pardon, j'ai 20. J'ai 20 patates. Je vais prendre des bananes. J'ai de l'eau. Je pense que c'est bon après. Ah oui, on a du miel.
Le miel, ça donne pas mal de bouffe. Je vais t'en donner. Ok. Ok. On en prend 5 chacun. Si ça va. J'ai pris du baume. Essaye de pas en prendre aussi. Ah oui, je vais prendre du baume. Oui, t'as raison. Pour soigner. Ouais. Attends. Hop. On va y aller après les loulous. On va partir à l'aventure. Alors, cocktail et tu m'as dit baume. Soulage et guéris vos blessures. Ok, merci. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis prête. Attends, je refais juste vite le bateau. Là où il nous a graillé un peu. Oh, attends, j'ai pas besoin de la pelle. Non, c'est pour ça, moi aussi, j'ai enlevé plein de hache, je la garde au cas où, parce que je sais pas si... Tu crois qu'on a besoin de la hache? Moi, la hache, j'ai gardé. Je crois que la pelle aussi, j'ai gardé au cas où, si on a de la terre. Ah, ok. C'est bon. Je vais pouvoir poser. C'est ça. Gonciola, c'est du jambon, et du perino, c'est le fromage. Ok, Gonciale. Il s'agit de vrais lardons une fois à la poêle. Impossible pour moi de prendre des lardons au sachet. Oh, vous êtes en train de me donner faim, là, c'est pas bien. Je suis en train de saliver, là. Je parle de plein de trucs, là, miam, miam. Je t'ai mis des pommes de terre, si tu veux prendre des pommes de terre cuites. Aussi. Je vais juste prendre celles qui sont prêtes, histoire qu'on se les fasse pas bouffer pendant qu'on n'est pas là. Je vais les mettre de côté, voilà. Donc, mais t'as un stack de 20 de pommes de terre. Super, c'est bon, merci. Pour toi. C'est bon pour moi. Mon amour. Ah, je veux juste pouler. Quoique la pouline, il faut la garder. Oui. La poêletée binico. Comment ça, la poêletée binico? Bye, Nico. Comment ça? Ah, j'avais pas vu la poêletée. La poêletée. Je sais pas si je l'ai bien fait. Il m'a imité, je rêve. Le coquinou, ouais. Un coquinou, ouais. Je sais pas, j'ai vu le clip de la poêletée. C'est tout. Ah. Ah, ça. Ça. Ouais, c'est ça. Coquinou, va. Et coquinou. Au secours. C'est bon? Ouais, je pose juste les derniers trucs et c'est bon pour moi. Oui, allez, on part à l'aventure. Allez, on part à l'aventure. Oh, j'ai pas remis le bon écran. Donc là, on va dans l'eau, hein. D'accord. Oui, on va dans l'eau. On va sous l'océan, gna 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 gna. T'es prêt? Bah, je m'équipe déjà. Il y a des preuves. Ah bah oui, il y a des preuves de ces méfaits à chaque fois. Donc là, on est d'accord, tu mets tout ce qu'il faut, là. Hein? Oui, palme, tuba. Palme, tuba et plus et la lampe, palme plus tard. Et tuba d'avance. Je l'ai plus, moi. Elle est morte. Ah, ok. Bon. Mais c'est bon. C'est bon? Allez, c'est parti, on y va. Je sais pas du tout où il faut aller, mais laissons-nous porter par la vie. Ah, il y a le requin. Faudrait peut-être qu'on s'occupe du requin d'abord. Avant qu'il me graille. T'es où, Nico? Ah bah moi, je suis en dessous. Bah, attends, je remonte. Parce que aucune envie de me faire croquer par derrière, là. Merci, hein. Il est passé où? Ah bah, il est là. Le voilà. Le franc-freluche. Fais attention à pas perdre tes flèches de métal, hein. Bien le caler, bien comme il faut. Ok? Ouais. Descends pas trop. Je l'ai déjà dit, laisse-le venir à nous. Voilà. Et essaye de pas gaspiller ta bouteille d'oxygène non plus. Bien remonter. Vas-y, reviens, coquin. Hop là. À boire. C'est Jojo. Attends. C'est bon, on l'a eu. Kill 50 shark. Qu'est-ce qui se passe? Ça a tremblé autour de moi, j'ai pas compris là. Ah bah c'est drôle si tu te souviens pas. Ah bah non. Bah, ça t'étonne vraiment que je me souvienne pas des choses, Nico? Non, je dis juste que ça va être drôle, je sais pas que je suis étonné. Dis-toi, j'ai une question en tête. Attends. Benny qui dit « Tu m'as dit que t'avais pas de tatou, mais je suis curieux. Pour certains, c'est un sujet qui peut être mal pris, sachant que c'est concernant votre couple. » Comment ça, concernant votre couple? Ah, de tabou! Pas de tabou. Hein? J'ai pas compris, Benny. J'ai pas compris, Benny. T'es où, Nico? J'étais sur le radeau, et là, je reviens. Okay. T'es où? Tu là, juste à côté de toi. Je crois que là on est en train de dépasser le record de t'es où. Faut que tu reformules, Penny, parce que j'ai pas compris si c'était. Enfin, j'ai pas compris. I don't understand your question.
Alors, je sais pas du tout ce qu'on doit faire, ni où. Oh, putain, pourquoi il y a des trucs qui me pètent à la gueule, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, attends, il y a des bubules, Les bubules, je veux pas mourir noyé. Les bubules. Ah, les bubules. Il y a des G. Enfin, il y a des trucs sur les murs, genre G. Je sais pas s'il faudra retenir. Je suis pas sûr que ça poussait à ce point-là, mais ok. Ok, on continue. Je pense que dans la logique, faut descendre, mais je sais pas où. Je sais pas si tu te souviens, là, il y a... Oh, viens voir. Il y a ici. Attends, j'ai trouvé une caisse avec du lingot de métal et tout et tout et tout. Je sais pas où t'es. Là, faut passer au bon moment. Allez, hop, il y a des méduses. Mais que, de quoi tu me parles? Je sais pas où t'es. Sur un flanc de l'immeuble, quand tu ressors, oui. T'as des méduses qui sont devant une ouverture. Elles oui. viennent et elles repartent. Attends, parce que moi, faut que je trouve l'oxygène, là. Hein? Attends. Vite. Non, sauvez-moi. Ah, il y a une note, là. Ça doit être ça. Oh, j'arrive pas à passer. Oh! Elles ont failli me tuer. Pourquoi ça a pas marché, alors qu'elles étaient pas là, à la base? Quel enfer, j'ai failli crever. Ouf, c'est bon. Attends, faut que je trouve des c'est bulles, bon. Là. Y a pas de truc de respiration ici? Non? Attends. J'ai pas trouvé. Ah oui, mais moi j'ai... Donc ah mais si, il fallait juste remonter à la surface, mon cœur. Quand y'a des oui. ballons, c'est que tu peux aller à la surface, là où tu étais. Là où on ah, était, d'accord. Y'en a. Ouais. En fait, dès que tu vois un ballon, c'est que c'est un truc pour respirer. Ok. En gros... Attends, en gros, la dernière fois, tu as dit que tu ne cachais rien concernant toi. J'ai une question concernant vous deux. Je sais pas si Nico est d'accord pour parler de votre vie privée. Bah, en fait, je sais pas quelle est la question, donc je sais ça pas. Ça dépend à quel point c'est privé, ouais. Je pense que tu peux toujours. Quelle est votre position, quoi? Hey, je pense que tu peux toujours la poser et si c'est trop privé, je te le dirai. En fait, je laisserai répondre. Les bad devs qui se perdent, hein, je rigole. Arrête, non, pas avec sans béni, quand même. Vas-y, pose ta question, et si c'est trop privé, on te le dira, et promis, t'iras pas sur le bûcher cette fois-ci. Et si t'es stressé de poser la question, tu as raison. Il a dit non, mais pas Peggy Yeti non plus. Le boomer, il est trop curieux. Ah, on peut monter par là? Ah oui, sachant qu'il y a un étage. Ouais, je suis allé juste au-dessus. Sachant qu'il y a... Tu veux pas qu'on fasse l'étage d'abord? Non? Attends, moi ouais, je vais faire en bas. C'était juste pour avoir l'oxygène, t'inquiète. D'accord, bon, bah, je te ah, parce que tu penses qu'il y a encore des trucs? Bah, je sais pas, il y a deux d'autres. Portes. Donc, ouais, j'y suis allé, j'ai pas trouvé. Oula, il y a un poisson! Il y a un gros poisson! Au secours, attention, il est à ta droite, hein! Fais attention! Oula, il est là! Fais attention, il est très vénère! Oh, il est très très vénère! Il est très 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 vénère! Attention! Ah, tu t'es pris une flèche. Il est mort? Oui, ouais. Ça va toi? Putain, heureusement ouais. qu'il n'y a pas de tir allié, hein! Tu serais mort, hein! J'imagine! Je t'aurais déjà tué trois fois, hein! Putain, mais c'est quoi tous ces trucs qui pètent là? Boulon, recette. Oh! J'ai retrouvé la recette champignons! Pour faire des champignons! Ah putain, bien! Trop bien! Alors ça va être. Parce que ça donne grave! Alors, T'as pas récupéré l'objet? Il y avait de la ferraille et des planches? Si, j'ai tout récupéré! Non, parce que j'ai pu récupérer juste. Bienvenue, petit Renardo! Je sais pas, ça a du bruit. Merci personne. Pour ton follow, Aiden! Alors, il a posé la question. Moi, je personnellement, je me sens en capacité de répondre, mais. Ou tu me dis si t'es bon ou si c'est ok pour toi, Nico. La question c'est, vu que ça fait 10 ans, 3 ans de mariage, est-ce que vous avez un projet d'un mini-vous? Nope. C'est quoi? C'est la réponse ou tu veux pas répondre? Bah vas-y, réponds. Mais... On ira tous au psychiatre. J'ai le droit de répondre, on c'est bon. Tous oui, vas-y, tu okay. Attends, parce qu'il y a une alerte, je peux parler en même temps. Donc non, la réponse c'est non, ça fait pas du tout partie de nos projets, et ça fera peut-être jamais partie de nos projets, en tout cas c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais de mon côté, ça peut être un jamais. Je me sens pas, comment dire, dans l'obligation d'avoir un enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment avoir un enfant, moi j'avoue que ça fait pas partie des... Oh, j'ai trouvé une ampoule, Nico, je crois. Attends, tu peux venir m'aider? Attention. J'ai trouvé Attends, une lampe de... Attends, là, ici, viens, suis-moi. Oui. Attends, d'abord il faut qu'on... Respiration, attends. Et moi en plus, avec mes problèmes de santé, je me sens pas forcément d'avoir la responsabilité d'un enfant, alors que j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même, et que Nico s'occupe énormément de moi. Et que du coup, c'est déjà un travail à temps plein de s'occuper de moi, sans parler de et blagues. Et de Tomomo aussi. Hein. Et de Tomomo, qui sera là encore pendant de longues années, on espère. En tout cas, on fait tout pour. Peut-être de poisson pêcheur. Ok. Flèche de métal. Là, tu peux respirer, Nico, si tu veux.
Donc non, c'est pas une question indiscrète, t'inquiète, c'est pas de problème. Du coup, 4-4 Coda, pardon, j'ai pas répondu. Le pauvre petit Renardo qui se fait accueillir comme ça, j'avoue, mais c'est une bonne manière d'accueillir. Du coup, bienvenue chez nous, Aiden du 11. Excuse-moi, j'ai pas trop répondu. Oh, t'es trop mignon avec ta petite tête. Attends, reviens. Reviens, mais, Nico. Mais je vais te faire peur au début. Non, genre... oh, non tu me fais... Hé, je suis en train de dire un truc, j'arrive pas à parler, bref, merde. Merde, voilà, je te dis merde. Je te dis zut et je te dis rezut. Pièce de projecteur. Par contre, premier degré, je pense que ça fait de la lumière, ce que j'ai, naturellement. Ah oui, t'as raison, ça fait de la lumière. Oh, t'en as un deuxième? Oh, attends, j'en ai un. Bah oui, ah mais t'en oui, as mais, ah oui, mais c'est à la place de la tête de... Bah non. Non, c'est pas la tête de la respiration. Ah mais... Bah non, j'ai les deux. Ah bon? Ouais, j'ai les deux, j'ai la respiration et oh, j'ai... Oh oui, ça, t'as raison, ça fait de la lumière. Oh, génial. Oh, attends, comment on fait pour avoir la tête? Oh, c'est trop... On dirait qu'il y a le bidon de truc qui est planté dans la tête, c'est trop drôle. Ok, bon, on continue. Je sais pas où je dois aller. Du coup, t'avais trouvé un autre truc, tu m'avais dit? Ou pas? Non. Ah, donc on ressort? En tout cas, on a trouvé le je pense qu'il fallait, parce qu'on a trouvé le truc du projecteur. En fait, on en a plusieurs même. Moi, j'en ai pris deux, toi, t'en as pris un. Ah, et c'est bon, on a tout fouillé. Donc, je sais pas combien il y en a. On a fouillé, là, ici, ou pas? Ça me dit rien. Je crois qu'on a tout fouillé. Oui, si, c'est bon. Attends, parce qu'il faut que je lise le chat. Oui, t'as fait ici aussi, toi. Bienvenue à toi, cher petit renard. Oui, je comprends totalement, et de toute façon, dans quelqu'un, c'est obligé d'en avoir un. Tout à fait. C'est pas une obligation. Maintenant, on a la chance de vivre dans une ère où une femme n'est pas forcément obligée d'avoir un enfant pour être utile dans le foyer. Femme, pour être une femme, voilà. Moi, je dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont en mode « Les bébés, c'est toute notre vie. » Et moi, je dis à chaque fois, je me sens pas dans le besoin d'être une poule pondeuse pour me sentir utile dans la société. Et me sentir bien dans ma vie. Donc, en plus, je pense que vous avez fini quand même par comprendre que je suis quelqu'un qui travaille énormément, qui suis quand même assez carriériste au fond. Donc, j'avoue qu'un enfant, ça fait pas partie des projets. J'arrive pas à sortir, Nico, au secours. Tu es en train de me perdre. Tu sais où il faut aller ou pas? Heureusement que j'ai fini. Ouais, dans la cage d'ascenseur. Ah, d'accord. Faut monter? T'es où? Je suis là, je suis avec toi. Ouais, faut aller au-dessus, je pense. Au-dessus? Ok. Et. Ici, il doit y avoir des trucs. Attends, tu respires. Oui, je respire. Je respire, je suis avec toi, bien sûr. Ah, je pense que là, il y a des trucs à faire parce qu'il y a des... Ah, oui. Donc, voilà. Donc, pas de soucis pour la question. Il y a pas mal de pièces en haut. Ouais, il y a des pièces en bas. Attends, tu veux pas qu'on fasse ces pièces en bas parce que je pense que c'est la suite où tu es. Faudrait peut-être qu'on fasse par niveau. Chef, oui, chef. Attention, il y a un poisson. Hein. Bien vénère. Chef. Chef, oui, chef. Voilà, chef, oui, chef. Ça serait de... S'il y a un enfant, il pourra plus me dire chef, oui, chef, il sera trop occupé. Ah, il est vénère. Je vous avoue qu'avec avec tout ce qu'on fait dans une seule journée, à chaque fois, on se dit, ouf, un enfant en plus, ouf. Non. Je vois pas trop comment ce serait possible. Après, voilà, chacun a sa vision d'une famille. Il y en a qui veulent absolument avoir des enfants, je respecte aussi, hein. Mais nous, j'avoue que... non, déjà, on a un Tomoki, on s'investit énormément pour Tomoki. Par exemple, on part pas en vacances sans lui. Alors ça, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, notre conception d'avoir un chien, c'est bah, toutes les années, on reste avec lui l'été. Si on part, il part avec nous. Si on part pas, il part pas. Enfin, on reste ensemble, en gros. Il part tout seul. Il prend son petit sac, il file, let's go. Dans le sens où, voilà, on sait que... Attention à toi. Bouge. Je suis ton frère. Regarde ma tête, je suis ton frère. Un chien, malheureusement, c'est pas éternel, donc on veut profiter un maximum avec Tomomo. Voilà. Kill 10 anglerfish. Oula, attends, je suis en train de me noyer là, au secours. Voilà, c'est ok. Coucou. Coucou. Je comprends, en aucun cas, c'est obligé. D'accord, c'est bien ce que je pensais, merci. Pas de soucis, Benny. Moi, que vous êtes d'accord et que tous les deux, c'est le principal. Oui, c'est surtout ça, parce que des fois... malheureusement, les gens sont pas toujours en accord là-dessus. T'en as un qui en veut un, l'autre n'en veut pas, etc. Nous, pour le coup, on a toujours été d'accord sur ça, et ça change pas. Donc tant mieux. Voilà. Puis bon, déjà me supporter, vous imaginez, un ou une mini-mois, l'humanité disparaît. Hein. Faut rester... N'imaginez pas. Vaut mieux pas. N'imaginez pas. Du coup, faut qu'on remonte là où tu avais vu le truc, je pense. Ouais, attends. Je vais voir s'il n'y a pas un petit truc ici. Nope. Moi, j'essaye de me sortir de là, mais j'y arrive pas. Tu arrives pas ? J'y arrive pas.
On est à 440 followers. Ah si, j'ai trouvé. On est bientôt à 10, on sera à 450 les bébous, let's go. Wow. Tant que l'amour brille sous les étoiles, c'est le principal. Ça aurait pu, après 10 ans, c'est pour ça. Oui, oui, c'est vrai que souvent dans la suite logique, les gens se marient, après ils achètent un appartement, une maison, etc. Après ils pensent aux enfants. C'est vrai que nous, on a fait le schéma de, au bout de 7 ans, on se marie. Là, on a acheté un appartement, donc je comprends que ça puisse être la suite logique pour pas mal de monde. Je comprends. Nico, tu es où? Ou l'idée d'avoir un... Oui? Je sais pas où tu es. Je suis en haut, là où tu voulais aller, pour les passerelles. Ouais, mais je sais plus comment on y accède. Je crois que c'était au début. T'as besoin que je vienne te chercher? Ah, c'est là. Je crois que c'est là. Ouais, c'est bon. Ah c'est bah là. Du coup, je suis redescendu pour rien, c'est pas... Ni. Ou l'idée d'avoir un deuxième Shiba. Alors, sache qu'on a eu un petit peu cette idée pendant un temps, mais honnêtement... Tonbuki nous prend beaucoup de temps dans le sens où c'est un chien qui est très possessif mais très proche de son humain. Dans le sens où bah, il est tout le temps collé à nous, il nous fait tout le temps des câlins, etc. Et autant on sait qu'il y a des chiens qui sont plus heureux quand ils sont plusieurs dans la famille parce qu'ils s'ennuient pas, etc. Autant nous on sait que Tonbuki le vivrait pas forcément bien. De partager notre amour. T'as vu par la fenêtre, il y a notre ado. Ah bon? Ah oui, j'avais pas vu. Coucou le rado. Ce seront, on peut même pas passer par là si on veut. Je crois qu'on peut. Attends. Non, je pense on peut pas. Ah non, c'est une vitre. Je disais. J'ai un petit peu faim, fais attention à ta faim et à ta soif. Oui, t'inquiète, j'ai plein de bouffe. Nous, on sait que Tomoki serait malheureux. Enfin, en tout cas, moins heureux, ça c'est sûr, je pense qu'on peut le dire, Nico. Il serait moins heureux en étant avec un autre chien parce que du coup, il faudrait qu'il nous partage. Nico, ça lui ferait encore plus de boulot et honnêtement, Tomoki, c'est quand même un chien qui aime beaucoup sortir, faire des longues balades, etc. Ouais. Donc c'est pas... C'est quelque chose qu'on a entre guillemets envisagé sur le côté « Oh, c'est mignon d'avoir deux petits Shiba, etc. » Mais en réalité, c'est pas quelque chose qui serait agréable au final. Enfin, ce serait plus, entre guillemets, une contrainte supplémentaire. Et pour Tomoki, bah, faudrait qu'il nous partage. Voilà. Et moi j'ai pas envie, moi c'est pareil, j'ai envie de donner mon amour qu'à un seul animal. Donc ça nous convient, ça sur ça aussi on est d'accord. Je crois qu'on a tout trouvé Nico ici. Hein. Je pense qu'on peut redescendre totalement. I think. Tu veux dire carrément ressortir du Ouais je pense, oh ça sent la bouffe. Donc t'es sûr toi qu'on peut sortir du complexe, bah, qu'il n'y a pas d'autre chemin qui fait le chemin. C'est une fausse question ou c'est Non, c'est une vraie question. Non, je pense que c'est bon. Je me rappelle pas de comment il faut faire par là. Je pense que c'est bon. Ok. Faudrait peut-être juste que je me délourde du coup si on ressort complètement parce que j'avoue j'ai plein de choses sur moi. Je peux passer par là? Ah non, j'ai cru. Je sais pas, attends. Non, c'est par là que Non, j'ai cru mais non. Moi ça doit, je rentre vite fait. Oh putain, attends, faut pas que je me fasse électrocuter. Je vais rentrer vite fait au radeau parce que j'ai beaucoup trop de choses sur moi. Quel petit prince. C'est un petit prince d'amour, notre petit Tomomo. Il est bien comme ça, et nous aussi. Ouais, j'ai beaucoup trop de trucs sur moi. J'ai trouvé 3 lingots de métal et tout. J'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, youp. Okay. Après, encore une fois, on est... Parce qu'on rigole, genre, on est des fous. Enfin, moi surtout la première. Mais on est très raisonnés dans notre manière de penser avec Nico. On anticipe beaucoup les choses, pareil comme notre achat immobilier, etc. C'est pas un truc qui s'est fait en 2 minutes. Donc on est assez posé dans nos réflexions, etc. Donc on est souvent d'accord sur ce genre de choses parce que c'est pas des décisions qu'on va prendre sur un coup de tête. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais. T'as pu ressortir, toi? Oui. Je me suis complètement perdu. T'as besoin que je vienne te chercher? Ou pas? Non, ça va le faire. Tu cherches la cage d'escalier. La cage d'ascenseur, ouais. Pardon. Ah si, c'est bon. C'est bon, elle était là. Bon, j'étais pas sûr. Tu t'en sors? Ouais, c'est bon. Et les méduses sont là. SOS, Nano en détresse. On était pas loin du SOS, Nano en détresse, je crois, là. Et ça va, il s'en est sorti. En fait, là, pour l'instant, je peux pas sortir. Il y a le requin qui est juste devant. Attends, faut que je reprenne de l'oxygène. Benny a dit c'est le principal, au moins vous êtes bien trouvé, je suis content pour vous deux. T'es chou mon petit Benny. T'es chou. On est d'accord, t'es très gentil, je te remercie.
J'ai deux flèches de métal en plus en rave si jamais. Attends, rien. What? Ah, mais j'ai plus de truc à oxygène, c'est déjà complètement utilisé. Ok. Ah bon? Let's go. Ouais. Ah, je t'ai envoyé un SMS. Coucou. Attends. Pardon, excusez-moi, fallait que je coupe mon micro deux secondes. Je suis en train de te mettre de la bouffe à préparer, si jamais. Oh, on va enfin pouvoir faire là, une... C'est la capture que tu m'as envoyée ? Ouais, on va enfin pouvoir faire une recette avec les œufs. C'est les champignons, deux œufs et une pomme de terre pour faire l'omelette aux champignons. Ah, cool. Donc c'est plutôt facile à faire, parce que pommes de terre, on peut en faire pousser. Alors, par contre, champignons des cavernes, un peu moins. Je sais pas si on peut les faire pousser, les champignons, je crois pas. Il y a plein de viande qui est cuite que j'ai mis dans les coffres. Super, merci. Comme ça, si t'as faim, fais-toi plaisir. Voilà. Moi, il faut que je prenne moins de choses parce qu'à chaque fois, je prends énormément de choses. Et au final, je bouffe même pas la moitié. Donc ça sert à rien que je prenne tout ça, je pense. Mais ça va, on trouve beaucoup de choses hein, sur le chemin. Attends, du coup, je vais poser mon casque aussi parce que j'en ai pas besoin vu que j'ai le truc luminescent. Les baumes. Hop. Les planches. Voilà, et les betteraves. Moi, ce sera bon pour repartir. Attends, je mets du minerai à cuire. Tu m'as compris. J'ai compris. Je vous ai compris. Hop là. Hop. Yeah. Se nourrir de patates, on se croirait sur Minecraft. Ah ben, c'est notre plus gros régime alimentaire. Les patates. À la guerre comme à la guerre. Il y a Sir Mamel qui a dit je reviens. Pas de soucis, Sir Mamel. En tout cas, bien vu, hein, Nico, d'avoir vu pour le poisson que ça faisait de la lumière, parce que j'avais pas du tout fait gaffe. Du coup, vous pensez être à la fin de l'histoire? Non, c'est pour ça qu'on a rajouté des heures de stream. Il nous reste encore celle-ci, et après, je crois qu'il y en a encore deux ou trois. Après, il y en a qui sont plus courtes que d'autres, donc... Et pourtant, on connaît le jeu, hein. Alors imaginez si on connaissait pas, ce serait encore plus long. Mais c'est pour ça qu'on a rajouté des heures de stream, parce que moi je veux pas qu'on soit à la fin des vacances en mode « Oh putain, on n'a pas fini, là, normalement, si tout va bien, on devrait avoir fini mardi, mercredi. » Histoire que tout aille bien. Genre, on est serein, on finit tranquillement. Et on a du rap si jamais ça... si vraiment il y a besoin. Attends, parce que mon arc, il s'est quand même pas mal usé. Je vais juste me refaire un petit arc et après, ce sera bon pour moi. Ouais, je t'avoue que j'espérais qu'on aille plus vite que ça ce soir. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que mais j'aimerais c'est tellement long, les ressources, tellement chiant. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de faire... On essaie de faire un... T'inquiète. Enfin, je dis pas ça parce que tu vas pas si vite, mon amour. Hein, parce que j'ai rien dit du tout. Hein. Tu sais, hein. Et après, ils vont dire gnognognognognognognogno. Je sais. Hein. Parce que dès que tu reviens sur le radeau, il y a plein de trucs à faire sur le radeau. J'ai mal compris, les sons ont détruit le cerveau. Non, mais... Benny, il en peut plus, là. Il est en mode... C'est une chila folle. Au secours. C'est bon, on peut y aller. Du coup, t'es dans le même état que Senshi. Attends, faut que je mette de l'eau dans l'eau clos. Ok. Bah sinon, pourquoi pas faire les ressources en off? Bah parce qu'en fait, on l'a déjà fait un tout petit peu. On le fait déjà. Parce qu'on le fait déjà. Voilà, je l'ai déjà fait une demi-heure avant de commencer le live. Je l'ai fait l'autre jour une demi-heure avant de recommencer un autre live. Ouais. Une fois, on avait joué quasiment une heure juste pour les ressources, pour récupérer le truc, des trucs. C'est qu'on n'a pas non plus envie de passer toutes nos vacances à faire que ça. Donc c'est pour ça que des moments on se pose sur nos petites séries, tout ça, donc... Mais je sais pas pourquoi, il me semblait plus court que ça. Non mais tu rigoles, mais toute la nuit dernière... Ah mais je sais que toute la nuit dernière, Benny, t'as été à fond sur les musiques, je dis ça en rigolant, mais pas vraiment. C'est bon mon amour? C'est bon. Allez. Tu sais où il faut aller? Ou pas? Attends, je mange juste, je bois un peu. Benny qui dit, la nuit dernière j'avais des rires chelous, bah tu m'étonnes. Le son flippant. Attention, le requin, je crois qu'il est pas loin. Ah non, c'est bon, il est assez loin, c'est bon. Tu sais où il faut aller ou pas? Alors, je crois que... Ça m'arrangerait. Attends,
Déjà, on va s'arrêter là. Tu vois ou pas où il y a des lumières comme ça? Comme ça quoi? Il y a des, en fait, il y a des lanternes qu'il faut réparer. Là, je crois que c'est eux. Ah, les trucs jaunes là. Attends, viens récupérer les de la vie jaune. Déjà. Enfin, des bulles. Viens voir les bulles. Voilà. Oui. Ça, je l'ai fait. Là, il y a des bulles à côté, juste en dessous. Là, en dessous, là, là. Tu me vois? Là, Nico. Là, je suis là. Noyer. Je suis là, Nico, tourne-toi. Attends, je vais revenir, arrête, je vais revenir à la surface. Oh, ne me stresse pas. D'accord. Ne me stresse pas. Faut que je tire une flèche dessus? J'ai dû dormir limite avec ma lampe de chevet. Ah ouais, à ce point-là. Au secours. Et comment t'as fait du coup pour activer la lanterne? Je suis allé dessus, j'ai mis les... Ah mais d'accord, c'était là. Les projecteurs? Pièces de projecteurs. J'ai mis les projecteurs. Il m'en reste une. Comment tu me vois? Donc là, il faut qu'on continue à descendre, c'est ça? Vers Et bah du coup, il faut aller dans le tuyau que j'ai libéré. C'est les méduses, ok. J'ai compris. Ok, donc on peut pas aller là, faut aller en face. Oula, pourquoi ça pète là dans toutes les choses? C'est pas une vraie question, hein. Je sais que toi tu sais, mais moi je sais pas. Moi je sais plus. Moi disons que j'ai hâte de découvrir quand tu verras pourquoi. Ah, bah moi peut-être pas. Je t'avoue que je sais pas comment je veux. À quelle sauce je vais être mangée, comme on dit. Oh, j'ai trouvé une omelette aux champignons. Si jamais t'as faim, je pourrais te la passer. Ah, super. T'as toujours tes palmes? Ouais, moi elles sont aux trois quarts. Il y a un truc d'eau aussi pour se reposer. Ah, j'ai trouvé une note. Ah non, j'ai pas le matin. Les nouveaux étages sont à l'abandon, tout le monde. Ah bon? Voilà, c'est bon. Ah oui, ça va mieux. Il y a Natsume qui a dit au curé, je me souviens de ça aussi. Ah, oh. Alpha Mousso. mon utopie à moi, là, ici, j'ai commencé à renforcer la sécurité de la tour. Ah, Natsume, vous avez déjà été jusque-là avec... Bah ouais, apparemment. Avec Nepa? Faut vraiment arrêter de dire d'ici là, c'est pas ouf pour vous guider. Oui, je sais. Attends, faut passer par là, je crois. À travers, ouais. Aïe, aïe, oh! Attention, il y a des pics partout. Fais attention où tu marches, mon amour. Ah ouais. J'en ai fait les frais. Je me suis sacrifié pour la cause. Attends, on enlève peut-être les palmes quand on est hors de l'eau? Non, ça les consomme pas tant quand t'es hors de l'eau. Parce que l'autre jour, je les avais gardés pendant 1000 ans, ça avait rien fait du tout. Donc t'inquiète. Aïe bobo. Faut aller où là? Ah, je crois qu'il faut aller là-dessus. Ouais, c'est ça. T'es avec moi, chérie? Non, je réglais un truc. Là, attends. Elle m'a dit... Attends. Ça a l'air d'être une zone tranquille. Non, quand j'y jouais la première fois, on était arrivé là. Très bonne indication. Avec Neipa, on est très loin. D'accord. Ils en sont pas du tout là. D'accord. C'est sa première partie où elle était venue jusqu'ici. Ah d'accord, je savais pas que tu l'as Ah mon cœur. Oh sa mère. Je savais pas qu'il y ait des pièges. Oh putain. Je me le suis pris bien comme... Oh. Ah bah du coup j'en ai profité pour passer pile au moment. Oh putain de merde. Oh j'ai le screamer là, au secours. Je peux pas péter la... Oh putain, attends, faut que... Ah mais d'accord, il y a des trucs par terre. Oh putain, saloperie. Faut passer au-dessus du coup. Au-dessus de là. Ah oui, au-dessus. Bah, des fils. Oui, j'ai compris. Aïe. Attention, il y en a deux là. Hein. Je me prends les pics quand même. Attends, parce que là, je suis dans la merde. Attends, deux secondes. Laisse-moi prendre un baume. Voilà. Parce que là. Fais une pause plutôt que de prendre des baumes, parce qu'on va en avoir besoin des baumes. Hein. Oui, mais j'en ai pris un et j'avais quasiment plus de vie. Donc c'était soit ça, soit je mourrais. Là, j'avais pas le choix. En même temps, tu sautes avec des palmes. Oui, bah, wait, hein. La vache, ça m'a fait peur. Bah, ça peut vous rassurer, moi aussi. Je sais pas si ça vous rassure, mais... Loin d'être une zone tranquille, ouais. Aïe, putain, mais... Je me prends des pics, là. Au secours. Plus, ça arrête pas de péter dans tous les sens, là. Envie de canner. Aïe Mais ça suffit. Je vais mourir ici. Je t'attends. T'es où? Ah, t'es là. Ah, au-dessus. Ah, ma préférée favorite de jeu, c'est T'es où, je crois, hein. Je pense que dans notre musique, où on parlera de nous deux, je dirais beaucoup le « T'es où ?» Il y aura la ref. Mais comment tu fais pour passer sans... Bah je vois pas. Bah là, en bas, je crois. Là, faut passer tout doucement. Non, attends. Bah t'as la caisse, quoi. Bah oui. Attends. Ah, je vois pas à comment. À part y aller en mode YOLO, je me faire mal en mode mazo. Ouais, sauf que j'ai déjà pris grave des dégâts, moi. Ouais. On peut pas couper ces trucs-là. Putain. Non. Chier. Je crois qu'il faut passer en dessous, là. Ouais.
Faut passer là, chérie. Reste bien baissé. Voilà. Là-bas. Ça va pas empêcher de me prendre des dégâts, mais... Ah. Attention, il y a un piège. Attention, il y a deux pièges. Tu te l'es pris ? Ouais. Attention, un autre piège. Raft Screamer. Ils sont faits comme clip. Envie de canner. Tu m'y attends des pots. Je savais pas qu'il y avait des pièges. Oh, il y a un plan là-bas. Il y a une note. Et il y a une clé d'entrepôt. Lampe pour casque avancé. Ok. Je pourrais presque m'ennuyer ces jours-ci, mais j'ai un gros souci avec ma cache principale. Les vagues m'ont volé. Me l'ont volé, j'aurais dû être plus prévoyant. Oh, je peux pas aller aux toilettes. Et maintenant, mon Allez, putain... sortez. Je vais aller aux toilettes. Putain, il va regarder, c'est risqué, mais ça vaudrait le coup. Non, ça me travaille. Après tout, il y a qu'un seul requin, ça ne devrait pas être si difficile. Oula, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai trouvé minerai de titane, ferraille, biocarburant, métal... Putain, il y avait plein de trucs. Waouh. Waouh. Amazing. Non, il y a rien d'autre. Merci pour le clip, Jojo, pardon. Attends. Il y a un truc en haut, là, ici. Quoi, il y a un truc en haut? J'ai cru voir un truc qui surbrillait. J'ai cru voir un gros minet. C'est bon, on peut continuer? Oui. Tu sais que là, on retourne où on vient, là, non? Non, il y a un truc qui brille. Ah. Attends, je t'attends. Là, mon amour. Et hop là! Yeah! Je prenais de l'élan. Utiliser. Ah, c'était la clé. T'as vu, il y a un coffre. Ouais, je pense que ça doit être la clé de l'entrepôt. Là, oh, il y a des pics! Je me suis foutu en plein dedans. Attention. Oula, il y a un gros bruit, Nanou. Nanou? Il y a un gros bruit. Il y a un gros bruit. Il y a un gros... Attends, je mange, je bois, je... Hein? Je mange une banane. Je mange une banane parce que j'ai pas toute ma vie. T'as des baumes ou pas sur toi du tout? Oui. Attention, te fous pas dans les pics, sors des pics. Attention. Voilà. C'est bon, t'es prêt? Oui. Oui. Bon, faut y aller, faut y aller. Attends, ça nous met là. Ouais. Et maintenant, on fait quoi? On va où? Je vais dire... Bas, je crois. Aller plus bas encore. Attends, d'abord on se focus sur aller voir les bubules. Et après on va réfléchir où est-ce qu'on va. On va voir les mêmes bubules là? Je sais pas. Moi je suis descendu voir des bubules. Oula, ça a chargé d'un coup ma carte. Je crois qu'il faut aller en face, il y a un trou là-bas. Je crois que c'est quand il y a des jets qu'il faut aller. Attends, t'es où? Il est où mon anou? Moi je suis descendu pile la même falaise, enfin la même surface. Ah bah je te vois pas. Regarde mon écran. Ah si, je te vois. Tu me vois ou pas? Descends. Va un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Voilà, en face. Tu me vois? Ouais. Voilà, viens. Ah putain, oui, ça vient de tout charger. Ouais, t'as vu, ça a chargé d'un coup. Ça sent la mouise, mais on est d'accord, j'ai un doute, j'aurais dû écrire Screamer sans le U. Ah oui, c'est sans le U, mais c'est pas grave, t'inquiète, Jojo. On va en face, là-bas, là où il y a les bibules? Ah ouais. Ah ouais. Ah oh ouais. Mais c'est sûr qu'on loupe pas des trucs. J'en sais rien moi, Nanou. Attends, je vais juste aller par là-bas, juste voir si on loupe des petits éléments. Je vais là où il y a des bubules, moi. Je vais vers les G. Normalement, le point G, toujours la même histoire. Bien vu. J'ai pas osé la faire. Tu peux, hein, tu peux. Go suivre les bubules. Oui, on suit les bubules, Bah, j'attends Nico, du coup. Non, y a rien, ok. J'attends Nico. C'est vraiment que du décor. Oh non, sérieux. Oh, il aurait fallait bien que quelqu'un la fasse. Hein. Vous l'auriez pas fait, je l'aurais fait. Hein. T'es où, Nico? Je vais de bulle en bulle. Tu vas de bulle. Oh, c'est beau cette phrase. Je vais de bulle en préambule. Pour tenir de conciliabule. Tout ça? Eh ben. Mon amour, bon. D'amour, t'es là. Où? Je suis à côté de toi, littéralement. Allez, on descend. Il y a des bubules.
Oui. Utiliser une clé de l'entrepôt. Ah bah voilà. C'est la suite, je pense. C'est la suite logique. Pour vouloir m'avancer, faut aller là. Ok, et après, on va où? Faut passer à travers les grilles, je crois, non? Oula, j'arrive pas à passer, moi. Oula, attends, je vais revenir. J'avais bien que t'avais trop mangé. Ah non, c'est là à gauche, Nico, reviens en bulle. Ouais, ouais, j'ai vu, alors. Reviens en bulle. T'as dit quoi? Ça va que j'ai trop mangé? Oui, non, mais je leur ai dit que j'avais roulé jusqu'au canapé après les Faritas. Je leur ai dit, déjà. Je crois que c'est en bas, Nico. Je leur ai dit, là, les Faritas et la crêpe, là, c'était un peu trop, là. Je sais pas si vous avez vu. Ah, il y a, oh, y a poisson. Le poisson qu'on adore. Le poisson. Je l'ai raté, super. Je sais pas si vous avez vu déjà le film Donjons et Dragons qui vient de sortir. Enfin, qui est sorti il y a pas si longtemps. Attends, je vais avec le gros dragon qui roule. Ah, ça, oui, c'est Nana vrai. Quoi elle a mangé. Attends. Oh, tu vois de quoi je parle ou pas, chérie? Oui, attends, attends, je cherche des bulles là. Laisse-moi. Hein. Moi aussi, je suis en train de crever. Ah, c'est bon, j'ai trouvé des bulles. Donc, ah, bah, j'arrive. Bien. Suis la voix. Suis la voix. Dans l'eau, oui, c'est compliqué. Hein. Bah voilà, Benny, il l'a vu, donc je pense qu'il sait. Faut être sans gêne, enfin, bah voilà. Si tu n'oses pas après 10 ans, Nico, personne le fera. Quel romantique, à chaque fois que je vois Monique, je ne pense qu'à la forme. Oh, wait. Qu'est-ce que tu dis, voyons. C'est bon, t'es prêt? Non, attends, je vais prendre la bouffée de l'eau. Voilà, ici la voix. Donjon et dragon, je crois que je l'ai vu, mais pas sûr. Ok. Et eh bah, ben, si vous vous rappelez d'un gros dragon qui roule pour se déplacer parce qu'il arrive pas à marcher tellement il a un gros ventre, et eh bah, c'est Nana. Oh, attends, Nico, je sens qu'on va crever là. Attends, on se focus là, on arrête les conneries 2 secondes parce que là, je sens qu'on va y passer là. J'ai pas envie de crever avec tout l'équipement. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Attends, on va où là? Arrête de te foutre de ma gueule. Je sais pas où il faut aller. Je sais pas. Faut descendre, je crois encore. T'es sûr? Parce qu'on vient d'en haut, on vient d'en haut. On vient d'en haut. Et bah, d'en haut. Et bah je descends, je sais pas. Ah oui, il y a un poisson. S'il y a un poisson. Attends, moi je trace. Il y a des bulles. Moi je fonce jusqu'aux bulles. Voilà. T'es avec moi ou pas? Ouais, ouais, juste là le truc, j'essaie de le. Viens jusqu'aux bulles. Viens jusqu'aux bulles. Attends. Oui, je m'en occupe. Je m'en occupe. Attire-le. Voilà. Il s'est même cassé. Voilà, parfait. J'ai perdu des flèches pour rien. Plaisir. Plaisir, plaisir. Voilà. On récupère des bulles. On récupère des bulles. Il n'y avait pas une duridesse ours aigle dedans. Oui, oui, effectivement. Mais c'est plutôt... Ah, il est revenu. Dis-le-moi. Yannou. Je voulais pas déranger ton entertainment. Bah si, si je risque de mourir, faut peut-être me dire les choses, Nanou. Voilà. C'est un peu plus vital que la survie, que l'entertainment, hein, tu m'excuses. Hein. Oh non, je crois pas. Si, si, c'est moi l'ours, l'oursibou. De toute façon, que l'oursibou. Sur... dès que je peux, sur D&D, pas sur D&D, sur Baldur's Gate. Sur Baldur's Gate, je joue l'ours, mais... Pardon. Je joue l'oursibou et je fais des grands sauts et je fais boum. Allez, viens. Ah, le connaissait par cœur, hein, la mécanique. Ah, je jouais que ça. J'en avais rien à foutre des autres spécialités, tout ce que je voulais, c'était faire l'oursibou, moi. Récupérer caisse, récupérer... Quoi? Ah! C'est quoi ça? Il m'a pété la gueule. Attends, faut qu'on récupère de la vie, là. Attends, reviens en arrière. Parce que là, tu veux pas qu'on pose tout ce qu'on a avant? Nico, t'es où? Je suis juste derrière toi. Parce que là, moi, j'ai un milliard de trucs. Non, je me calme pas. Il m'a fait peur. J'ai un milliard de trucs. Attends, bouge pas. Il y a une flèche en métal sur ta tête, voilà. Ah, je me demande comment elle atterrit, là, quand même. Hein. J'ai plein de métal et tout. Tu veux pas qu'on aille poser nos trucs avant? De toute façon, il vient de libérer le couloir, on est d'accord. Le couloir, je crois. On peut passer par là. Ouais. On remonte ou pas? Ouais, on va remonter. Ouais, on va jouer safe. Safe place to be. On va s'arrêter, on va trouver des bulles et après on va redescendre. Parce que hors de question que je meure avec tout ce que j'ai, moi. C'est no way. Hein. No way. Hein. On ne consomme pas de la way, là. Hein. No way. Hein. Voilà, récupère mes bulles. Les bulles. Hein. Parce que là, Donc c'est bien le bon film, par contre le dragon qui roule je ne vois plus. Je crois qu'il est dans une taverne. Dans la grotte. Dans la grotte quand ils vont récupérer l'amulette qui annule tous les sorts de blocage de portes là, enfin tous les sorts de scellement. Ouais. Oh, et oui. Et du coup ils sont dans une grotte, ils utilisent même un bâton qui fait un peu comme portal et ils réveillent un dragon qui a un gros patapouf.
Voilà. Mais je vous mettrai l'extrait si je le trouve sur, ouais, sur Discord. Ouais, je serais bien de le retrouver. Je pense que ça sera plus. Ouais. Fou de ma gueule. Ça va, on arrive au boss, on n'est pas loin. Ouais, ça va, on va réussir à notre objectif de finir aujourd'hui cette partie-là. Franchement, on a 22 lingots de métal d'avance, Nico. Hein. C'est bien, hein? Ouais, c'est pas mal. Commence à être bien. On pourra peut-être en allouer un petit peu pour commencer à faire le radeau amélioré, je pense. Un petit peu. Franchement, on arrive à la fin, est-ce que c'est... Bah, je sais pas, comme tu veux. As you want. Moi, je pose. Hop. On verra. Comme tu veux. Hop. Ah ouais, on avait tellement de trucs sur nous, là. Oh là là. Attends. On va manger un petit peu. On va festoyer, là. Festoyons. Un petit requin dans Raft, ouais, un petit requin, ouais. Foutez-vous de ma gueule, allez-y, on n'en est plus à ça près, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai compris le message. J'ai mis de la viande à cuire. Ok, merci, moi aussi. Ah oui, attends, j'ai la lampe pour casque. J'aurais con de mourir avec ça. Le plan. Un allié fidèle avec une excellente durée de vie. Batterie, corde et lingots de titane. Bon, on pourrait en faire, je pense. T'as entendu ou pas? Tu peux me redire, c'est quoi les... Faudra une batterie, un lingot de titane et une corde. Ah, mais ça coûte cher, un lingot de titane. Oui, et là, on commence à en choper pas le mal, mon amour. On verra après. Oh, punaise, il vient vraiment de cette blague au secours. Bon, moi, je suis prête. T'es prêt? Non. Attends, je suis en train de remettre de l'eau, là. J'ai remis de l'eau pour les animaux, aussi. Ah, je crois que la batterie, elle est morte. Attends, je vais la remettre de manière... Voilà, j'en ai mis directement. C'est plus simple. Donc. Alors, une machette, j'en ai déjà une d'avance. L'arc, ça va être bon. L'eau, faut que je la remplisse. Et c'est bon. Faut juste que je puisse remplir l'eau et c'est bon. Ah, c'est bon. De toute façon, on va pas rester longtemps, c'est pour le boss fight là, donc... J'y suis prête à en découdre. Effectivement, c'est nos dragons pas très gentils pour Senshi. J'ai rien d'autre à dire que cette moue. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh. Mais après, c'est plutôt vrai, hein. C'est vrai que après le repas, je me suis roulée sur le canapé... Oh ouais. Je vais pas mytho, hein. Je vais pas, hein. Voilà, hein. Heureusement que je me suis occupé de la vaisselle, hein. Oui, bah c'est bon, tu vas peut-être pas exagérer non plus. Oh putain, je me fais graille par le requin, le plaisir. J'espère qu'il va me lâcher. Si je descends plus profond, il va me lâcher. Niveau équipement, c'est bon ou pas? Ouais, ouais, je suis bien. J'ai mes palmes, j'ai plus de trucs d'oxygène par contre, mais j'ai vu qu'il y avait des bubules un peu partout. Ouais. Donc, ça va pas être le plus compliqué, l'oxygène, là. Ça va le faire. Coucou Anthony! Bienvenue, je vois que c'est la première fois que tu parles sur le chat, bienvenue. Du coup, le petit requin, vous allez le bouffer? Ouais, on va en faire des steaks après. C'est ce qui est prévu, t'inquiète pas, on va y aller. À s'occuper de son cas. Hola, a todos mi amos, Anthony. Je l'ai dit correctement? A todos mi amos, oui, je pense que je l'ai dit correctement. Alors attends, on va prendre des bibules et après on va se faire le boss. Le beau boss. Donc on essaye de bien communiquer entre nous. Hein. C'est bon, t'as assez de flèches? J'en ai 19. Oula, t'en as pas beaucoup. Attends, stop. T'en as combien, toi? J'en ai plus de 50. Okay. C'est des... Attends. T'en as un peu plus que moi, quoi. Oui, je vais t'en donner, attends. Bouge pas. T'as dit, écoute, t'en avais combien? 19. Tiens. C'est bon. Merci. Bienvenue à toi, nouveau viewer. Maintenant, j'en ai 34. 30 pierres et 4 de fer. Ok. Très bien. La barre de fer. Ok. C'est parti. On y va. Tu te souviens que je te spoil ou pas? Je me souviens pas. Faut le faire foncer sur les... Oh, c'était quoi ce bruit? C'est en IRL ou dans le jeu? Oh putain. Ah, nécessite tonneau explosif. Ah oui, c'est vrai. Comment ça, tonneau explosif? Ah putain, faut mettre les tonneaux au milieu. C'est ça? Et les mettre sur les... Je crois qu'il faut prendre les tonneaux au milieu et les mettre sur les piliers, c'est ça? Voilà. Oh putain, ok. Attention, il est derrière toi.
Il va vers toi. Ok, je l'ai mis. Il fonce sur toi. Ouf, c'est bon, j'ai réussi ? Je crois. Je reprends de la flotte. Tu fais attention à ta flotte aussi. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas où il est, par contre. Donc on est d'accord, ça va lui tirer dessus. Attends. Hop. Ouais, ouais, ouais. Comment tu le places, après ? Ça me l'a proposé sur le pilier qui était cassé. Ah, d'accord, faut le mettre dans le pilier qui est cassé. Je sais okay. pas où il est passé, par contre. Hein. Il va revenir, t'inquiète pas. Ah, oh, ça, c'est censé me rassurer. Soit il vient de gauche, soit il vient de droite. D'accord. Et eh ben moi, je bouffe ma pomme de terre. Je crois qu'à un moment donné, il va venir de dessus. Ah, mais attends. Quoi ? Je crois que c'est niveau par niveau, faut monter à gauche. Ah bon ? Ouais. Je crois qu'en fait, c'est comme des stages. Des... Ah, oula, oh putain, il est énorme. Oh sa mère. Ah, mais faut prendre le tonneau. Ah, il me regarde, bon. J'aime pas quand il me regarde. Ah bah, je vais chercher le tonneau, moi. Fais la porte. Attends, j'ai un problème. Oula, j'ai mon clavier qui répondait plus. Je crois que c'est malgré moi que je fais la pas, quoi. Attends, je récupère de la... Attends, il est où le truc à faire péter ? Il est où le truc à faire péter ? Il faut d'abord qu'il nous fonce dessus à travers un pilier. D'accord. Comme ça, le pilier, ça fait un espace. Ok. Et ensuite, revenu. Oh putain, sauf que ça a pas marché, là. Oh putain, il a cassé un truc. Ok. Ouais, attends, il va revenir. L'air. Oh putain. Je crois qu'il va revenir en 2C, là, à droite. Non, c'est 20. Attends, moi je récupère de l'air, je peux pas le surveiller pour l'instant. Oh, bordello. Quoi, bordello ? Ouais, il me regarde, j'aime pas le regard qu'il a. Ah, oh, bah il m'a foncé. Il a le regard qui tue. Na 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 na. Na 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 na. Il a les yeux révolver. Il a le regard qui tue. Vas-y, regarde-moi. Regarde-moi, vas-y, requin. Vas-y. Je crois que t'as pas fait assez haut. Ouais. Mais... Elle a les yeux révolver. Elle a le regard. Putain, mais tu regardes toi, pas moi, fais chier. Ouais, attends, mais le problème, c'est que moi, je suis obligé de récupérer de l'air, là. Ouais, bah moi aussi. Oh, ça va être chaud, là. Il est où ? Il est sur moi ! Je t'ai vu décoller. Il m'a fait fusroda. Faut vraiment se cacher derrière un poteau, chacun. Ouais. Bon, on se met tous les deux derrière un. Ouais. Tu l'entends ou pas ? Oh putain, il est sur moi ! Oh, il est derrière moi ! Oh putain, j'avais pas vu, il était derrière. Oui, je l'ai vu. Oh putain, il fait des feintes en plus. Attends, il va passer de l'autre côté ? Attends, faut que je récupère de l'air là. Oh putain, attends. Ouais, moi aussi, mais je sais pas où il est. Tu le vois ? Il arrive, attention. Attends, j'essaie de l'attirer. Ce pilier là. Putain, non. Oh putain, sur côté. Il a putain, je suis en train de me noyer. Oh putain, envie de canner là. Allez, il me pousse. Bien sûr, toi en plus. Oui, bah j'ai vu, je suis en train de mourir, je vais crever. Il me reste un point de vie. Oh putain, c'est bon. Je vais me prendre un baume, vite. Si t'as besoin, moi j'en ai un. Ok, c'est bon, j'en ai. Je sais pas où il est le con. Et il arrive sur moi. Putain, mais le problème c'est que j'ai pas assez vite sur le. Attends, vas-y, viens. Viens sur moi. Attends, mais j'ai plus de. Mais pas toi, le requin. Ah mince. D'accord. Faut qu'on soit collé en fait. Parce que je suis immobilisé. Quoi ? Oh putain, je fais comment moi ? Je peux pas là. Hein. Lâche déjà ce truc, il sert à rien tant qu'on n'a pas un pilier et il te. Je sais pas pourquoi tu te trimbales ça. Non mais ça me ralentit pas. Hein. Si, ça te ralentit, non, ça ralentit et ça t'enlève. Pas. J'ai plus de palme, c'est pour ça que je suis super lente. Attends, laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Où est-ce qu'il est ? Essaye de m'aider. Ah bah là, je suis trop en différé pour t'aider là. Putain, y a pas de pilier là. Mais je vais beaucoup trop lentement. Je vais à 2 à l'heure. Je vais vraiment à 2 à l'heure. Je vois pas comment je peux le bait. Mais oh. Quoi ? Ah, c'est bon. C'est bon. Mais tu vas essayer de te le faire tout seul du coup ? Bah, je sais pas moi. J'aurais jamais. Je pourrais jamais te sauver là. Bah, si tu prends et qu'on se barre. Après, tu fais comme tu veux. Attends. Si tu le sens à le faire tout seul, vas-y. J'en sais rien. Putain. Comment je fais ? Elle est là. Vas-y, viens. Allez, tourne pas autour du pot, là. Allez, attaque-moi ! Tu me vois, là, vas-y. Putain, il m'attaque pas, en cul. Vas-y, allez. Putain, mais... Il me fait des feintes, le bâtard. Allez! Voilà! Allez!
C'est ok. Le tonneau. Je sais pas où il est. J'ai l'impression de jouer ma vie comme sur les Souls. Il est où? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Attaque. Voilà, bam. Encore une fois ou pas? Encore une fois ou pas? Comment je sais? Bah, si tu vois pas son cadavre, c'est que c'est pas fini. Non, mais je sais pas s'il faut encore... Putain, faut encore que je monte. Oh, putain. Et ben, prends mon corps et descends. Ouais. Descends. Et on reviendra pour la dernière phase. Mais tu crois que ça va pas le faire réapparaître? Enfin, que ça va non, pas recommencer? Non, parce que ça a déjà... Ça enregistre le monde. Ok, bon. T'as fait des ouvertures. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Faut que j'aille où? Encore plus bas? Faut que tu descendes. Faut que tu descendes une fois et puis après, c'est super lentement. T'as une ouverture. Quel enfer! Ça te proposait pas de réapparaître au bout d'un moment? Non. Ça m'est abandonné à réapparaître et je perds 2/3 de l'équipement. C'est toi, t'avais pas de baume? Si, mais en fait, il m'a eu d'un coup. Putain, j'ai plus de... Oh, je vais mettre... J'avais plus d'oxygène, et quand je vais vers l'oxygène, il m'a tapé, et du coup, je perdais de la vie. Donc, il m'a quasiment tout enlevé, la vie. Mm-hmm. Et ensuite, bah, le peu, c'est la suffocation qui a fini. Mais le requin, je suis sûr... Il va me buter avec toi dans les bras, là. C'est pas possible. Je vais à une vitesse, il faut combien de crocs avant que... Le problème, c'est qu'on avait plus de palmes aussi, hein. Les palmes, c'est trop important, hein. T'as vu la vie de quoi? Aucun ou deux? Comme quoi, aucun nouveau. Parce que moi j'avais des palmes. Bah, moi elles sont au sommet, je crois. J'allais à 2 à l'heure. T'as bien vu sur mon strip, j'allais à 2 à l'heure. Ah. J'en ai plus là. Il faut que j'essaie peut-être de me refaire une paire vite fait. Parce que là, à la vitesse où je vais, je sais pas comment j'ai réussi à en faire un. Mais bon, après, au bout d'un moment, limite c'était plus facile toute seule de l'avoir. Parce que du coup, il était focus que sur moi. Donc c'était plus facile à anticiper en fait. En fait, faudrait qu'on soit grave collé quoi. Oui. On se moque de la chérie, mais elle sauve ton petit fiac. Bah oui, comme d'hab, hein. On se moque de moi, alors que c'est pas justifié. Hein. Mais c'est ma petite chérie d'amour. Ah bah oui, d'un coup il a changé de... Attendez, parce que du coup vous avez mis plein de messages, et excusez-moi, j'ai rien vu. Attendez, je vais m'occuper de vous dans 2 secondes. D'abord je sauve mon mari, et après j'arrive. Hein. 2 secondes. Attendez, il s'est passé quoi? J'ai rien eu le temps de lire. Ah merde, il y a une alerte qui a bugué. Oh non, ça va pas recommencer à bugger les alertes. Hein. Attends, je vais te rembourser, attends. Rembourser ton alerte qui a bugué. Attends. En attente de demande... Bah, je peux pas te rembourser tes points? Merde. Natsume? Attends, qui c'est qui a utilisé des points? Natsume, tes points étaient remboursés déjà? Y a des modos qui sont là ou pas? S'occupe de nous, la Senshi. Parce que je vois aucune alerte en attente de remboursement de paiement... de points. Attendez. On avait déjà parlé sur Insta. Ah, excuse-moi, Anthony, je suis désolée, mais je remets pas tout le monde dès le début. Requin de compétition avec une armure et tout. C'est calme comme activité sous-marine. Il est assez une chie en vue, il va la bouffer toute crue. En plus, ça rime. La malédiction des alertes, c'est pas passé. Ah si, Adji, il était là, pardon. Adji, j'ai même pas vu que t'étais là. Excuse-moi, trop de concentration sur le boss, excuse-moi. Plutôt, nage pour ta vie, ouais. Pardon. Tu veux que je refasse ou pas des bouteilles d'oxygène? Palme en priorité. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement la vitesse qui faisait... Alors moi, c'était la vitesse qui me gênait le plus. Mais parce que bouteille d'oxygène, je pense qu'on n'aura pas. Fais en priorité les palmes. Attends, plastique et plastique, cordes. Plastique, algues, substance. Algues. Voilà, j'ai fait une paire. Il me manque encore des substances visqueuses. T'en as sur toi ou pas? Non. Non? Non. Ok, je vais en faire. Tu veux que j'efface? Je suis en train de les faire déjà. Ok. Moi, je me suis fait ma paire de palmes. Voilà. Attendez. Moi, j'en ai encore une, mais elle est sur le point de s'enlever. Du coup, tu as essayé ou pas encore? On avait parlé du PlayStation Plus sur PC, tout ça. Ah, c'est avec toi que j'ai parlé de ça. Non, j'ai pas encore testé parce qu'il faut que je fasse Bloodborne, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Excuse-moi. C'est bon, Attends, je vais vérifier, mais je crois que je te remets. Attends. Le prénom Anthony est très répandu, donc du coup... Ah oui, c'est bon, je crois que je vois qui tu es. Oui, c'est bon, je sais, tu m'avais dit, quand tu testeras, tu me feras un retour. C'est bon, je t'ai identifié. Je parle pas beaucoup, mais je suis bien là. Mais oui, mais il faut... Agile, faut la pancarte, faut dire, je suis là.
T'inquiète, tu peux après avec Senshu. Hein? Ah oui, par contre, faut assumer, attention, c'est une alerte ou scrie, hein. Mais moi, je suis capable d'assumer parce que je m'assume moi-même, mais faut que vous assumiez le cri. Hein. Je suis prête pour redescendre. Attends, tu voulais pas qu'on essaye de faire des petits baumes? Parce qu'on a 6 baumes. Attends, on va en prendre chacun 3. Attends, je vais nous faire un pack de 3 chacun. Tiens. Voilà. Après, là, en principe, je pense qu'il en reste juste un. Merci. Juste ouais. Une fois et après, il est mort, je pense. Je voulais lui faire peur. T'inquiète, tu vas pouvoir le faire sur le boss, Natsu. Genre, il y a plusieurs Anthony, je suis choqué. Tu pourrais le dire sans alerte demain. Ouais, demain je le dirai sans alerte. Ouais. Demain il n'y aura même pas besoin d'alerte, je gueulerai. J'ai pris les substances visqueuses, ça le reste ou pas? Ou tu veux que je te donne les substances? C'est pour toi les palmes. Vas-y, fais-les. Moi je viens de remettre des trucs à cuire, mais c'est toi qui dois faire tes palmes. Je ferai pour demain, okay. T'inquiète pas. Ah mais Natsu, t'es déjà un screamer à toi toute seule. Hein. T'as même pas besoin de me faire des alertes. Hein. Déjà, les deux fois, tu m'as hurlé dans les oreilles avec le truc qui m'avait fait. T'inquiète que tu m'as assez fait peur. Hein. Y'avait pas besoin d'alerte, y'avait besoin de rien du tout. Les baumes sont bien efficaces. Alors là, par contre, c'est pas des dorés. Moi, j'avais des dorés, là, c'est des argentés. Mais oui. Je sais pas comment on les fait, les baumes, d'ailleurs. C'est avec des œufs et de l'argile. Oui, je sais. Et le... Où et le doré, c'est avec... Des rayons de miel. Oui, mais où? De quoi où? Ah, c'est dans la bouffe. Rayons de miel, œufs, argile. On en fait ou c'est argile bon? Argile ou argile? On en fait ou c'est bon? De quoi, des dorés? Bah des soins. On en refait ou pas? Si on a ce qu'il faut, oui. Je m'en occupe. C'est bon, j'ai ouais. Fait ma paire de palmes. Fais voir. Attends, je vais t'en redonner. Bouge pas. T'en as combien? 3. Tiens. Voilà. Allez, c'est reparti, on y va. Merci. Attends, je mets des lourdes. Ça sert à rien que j'ai plein de trucs. Ok, bah des lourdes toi. Ah bah c'est cool, c'était nul, Nico, ta blague. De quoi, quelle blague? Hein? Ah oui, Fasmo. Non mais t'inquiète, y a d'abord... De 8h à 11h, il y aura Raft et ensuite il y aura Fasmo. Mais t'inquiète, on va bien se marrer, Benny. C'est qui a dit que c'est nul ma blague? Natsume, c'était quoi ta blague? Je crois que j'ai fait un jeu de mots avec Agile et Argile. Ah oui, oh non, mais c'était drôle sa blague, comme. T'es pas obligé de me défendre comme ça, t'inquiète. Mais non, mais je l'ai trouvé drôle, j'ai rigolé en plus. On pourrait faire une alerte avec les trompettes pour quand il y a une blague nulle, ça fasse pouet pouet pouet. Et ben notez-le. Notez-le! Putain, mais je me fais grec deux fois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me suis fait grec deux fois? Au secours! Eh, c'est quoi ce bordel là? Depuis quand le requin grec deux fois d'affilée? Non mais c'est quoi cette dinguerie là? Oh! Bordello! Il est cané là. T'es avec moi, Nico? Parce que quand tu parles plus, ça fait peur, là. Je suis en train... Ouais, non, je suis en train de descendre et je suis récupéré. D'accord. L'oxygène. Ok. Je descends aussi. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais il est violent, là. Il descend carrément avec nous. Quoi? Qui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le requin. Le requin, il te poursuit. Ah bon? Ah ouais? Mais dis-le moi, je vais crever. Bah, je viens de le voir. Oh, putain, mais pourquoi il m'agresse comme ça, là? Je vais crever, au secours! Là, je pense qu'il va lâcher l'affaire, mais quand même, enfin... Putain, what the fuck? Je pense que c'est parce que l'autre il est ultra vénère. Je sais pas. Putain, il m'a quasiment becqué l'enfoiré là. C'est peut-être sa maman. Hein. Oh putain, saleté, j'ai déjà niqué deux baumes sur ça. Et j'ai la moitié de ma vie là. Au secours. Tu veux que je te donne des baumes ou pas? Je vais en manger un, je veux bien que tu m'en redonnes un autre. Moi que j'en ai 3 d'avance parce que là, au secours. Hein. T'es prête? Oui. C'est bon? Merci. J'en ai 3, c'est bon. Attends. Quoi? Encore un, comme ça on a 5 chacun. Ok, merci, super. Ok, je suis prête. Ok, donc on essaye de rester ensemble. On descend. Il est où le trou? Faut oh, non, monter. Ah, putain, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait... j'ai cru qu'on se reprenait toi zéro, donc, là. Ici c'est bon, c'est de l'autre côté qu'il faut aller là-bas. Attends, d'abord de l'air. On va y aller par palier, tranquille. On va pas arriver... Comme les vrais plongeurs. Voilà, exactement. Voilà, ensuite c'est parti. Donc là, faudrait rester collé. Oui, je sais. Attends. Quoi?
Quoi? Bah, je suis. Attends-moi. Mais t'es où? Si on reste collé, là, t'es... je suis juste derrière toi, c'est bon. Moi, je vais prendre de l'air, parce que du coup, il m'en manque déjà. Eh bah, allez. Oh putain. Prendre l'air. Il est où? Il est juste à notre droite, là. Ok, donc on va vers le regarde, on va vers j'aime le pas le regard qui est là. Faut qu'on aille coller le pilier, c'est ça? Ouais. Okay. Ouais. Moi, je suis à la moitié de mon oxygène. Oui. Je suis au 3 quarts. Attention, bon, il arrive! C'est bon. Non, il m'a ah, dommage, il m'a un peu plus et il avait le pilier. Attends, je vais prendre de l'oxygène. Il va peut-être arriver à gauche. Yes, bien joué. Ok, t'en es où de l'oxygène? C'est... Là, je suis nul l'oxygène, mais j'ai de l'air juste à côté là, c'est bon. Là, je reprends de l'oxygène, je le vois remonte. Pas. Je le vois, je vois, il me regarde, il me regarde. Ok, essaye d'aller vers le pilier. J'y vais. Attention, on ne voit plus, il est là. Ah, il va me charger. Décale-toi à gauche. Là. Bien joué. Ouais. Ok, redescends, va prendre de l'oxygène. Je pense que là, il faut en trois fois là. Ouais. Le premier c'était en une fois, le deuxième c'était en deux fois, et là c'est en trois fois. Tu le vois ou pas? Je remonte vers le pilier. L'instant. Là, il me voit. Attends, vers. Non, il m'a eu. Ok. Il m'a eu avant. Je suis au niveau du pilier. Ok, il a fait un trou. Je redescends. Je reprends de l'air. À tous les coups, il va aller derrière. Là, il est arrivé. Il est arrivé. Oh putain, il m'a poussé. Ah putain. Je le voyais pas. Dommage, c'est pas grave. Ok. Attends, faut que j'aille chercher de l'air. Ah, il arrive sur toi. Attention, bouge. Non, mais je savais que j'allais me le prendre, mais il me fallait absolument de l'oxygène. Tu sais où il est? Ouais, oh, putain, il est de l'autre côté. Ah ben voilà. Il repart. Reprendre l'oxygène et après on y va ensemble. 1, 2, 3, on y va. Je sais pas où il est. Attention, il arrive. Ah, je l'ai esquive, mais sans faire exprès parce qu'il a eu le toit avant moi. Vas-y, remets-toi vite sur la barre, il va arriver. Voilà, attention, il arrive. Ouais, je vois. Allez, vas-y, voilà, c'est bon, je l'ai appâté. Je vois. Oh, non, je vois. Putain. Vas-y. Allez, appâte. Viens vers moi. Il va venir. Yes, bim. Vas-y, redescends vite. Je vais prendre le tonneau, je m'en occupe. Bah, faut que je prenne l'oxygène, donc Pierre, on prend un tonneau chacun. Je suis à côté. Je m'en occupe. J'ai pris un tonneau. Ah, bon. Parce que je suis juste à côté pour l'oxygène. Ok, on attend. Attention, il est là. Vas-y, mets-toi vas-y, derrière. Vas-y, viens. Voilà. Bon, t'es mort ou pas? Il bouge. Oui plus. Attends, vite, on reprend l'oxygène et après on s'occupe du méchant. Attends, je suis en train de tout prendre. Bon, bah... J'ai encore de l'oxygène. Ok, et eh ben, moi je reprends mon oxygène tranquille. Hein. Au bord de l'eau, tout ce que ça donne en viande. Et j'ai le trophée du requin rhino. Ok, super. Je crois qu'on peut passer par le haut. Oui. Ok, c'est bon. Là, il y a de l'air. Ok, parfait. Je suis chef et formateur comptable. Je crois que je t'avais même plus posé la question, Benny, tu vois. Kawabuga! Bouyashaka! C'est vrai que Bouyashaka! Oh putain, tu m'as fait peur. Bouya! Ah bah voilà, je joue la musique. Bouyashaka! Bouyashaka! Voilà, t'as eu le droit à un double Bouyashaka! Let's go! Un triple Bouyashaka avec Nico! Let's go! Bon, ça va. On va pouvoir finir. On a enfin fini cette île. Putain, qu'est-ce qu'elle était longue. Plan éolienne. Et clé de grue. Ah, oh, clé de grue. T'as l'éolienne, du coup, on va pouvoir faire l'électricité. Ok. Bon. T'as entendu la clé? Bon. Oui. Mais je pense que n'importe qui connaît les éoliennes, c'est rien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire hop. Je veux dire hop. Non, mais... Que si quelqu'un ici est surpris de savoir qu'une éolienne fait l'électricité. Oui, bah, pouette, hein. On a la note. Varuna Point, c'est ça ou pas? Non, on n'a pas encore la note? Si? On a trouvé la note ou pas?
Non, on n'a pas trouvé la note. Attends. Non, mais je pense que c'est pas après, parce que du coup, avec la grue, il faut balancer le truc. Donc on sort de là, je sais pas par où, par contre. J'ai pas trouvé de sortie, moi, tout en haut. Ouais, ils vont pas nous faire faire tout le Je crois que si. Hein. Moi, j'ai pas trouvé de sortie. Ah si, peut-être par là. Si, par là. J'ai mal vu. Il y a un tuyau. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est bon. Attends, j'arrive. It's ok, le petit cerveau s'est allumé. De faire du vent, c'est quoi le concept de l'éolienne? Du cipo. De faire des frites? C'est comme une friteuse, je sais pas. Je sais pas, je croyais que ça faisait de l'eau, moi. Bah voilà, tu vois, tout le monde ne sait pas, enfin. Voyons, quelle supputation, là. Youpi, on va pouvoir aller manger IRL après, let's go. J'ai faim. Commence à avoir envie de manger, là. Il faut que je prenne mon cachet aussi, il faut pas que j'oublie. Alors, la sortie, elle est par où? Ah là, je crois qu'il y a des portes. À mon avis, c'est par là. Tu me suis ou pas? Ah ouais, j'ai galère juste un... Je galère un petit peu avec les tuyaux, mais c'est bon, j'arrive. Ok, moi je trace jusqu'à la grue, ça doit, histoire qu'on perde pas de temps. Vas-y, vas-y. Ah, on pouvait allumer des projecteurs ici? Ou c'est encore d'autres? Ah non, ils sont déjà allumés, j'ai rien dit. Comme un pistolet à on, mais le il y a le ventilateur pourtant. N'importe quoi. De toute façon, c'est toi qui as toutes les ressources sur toi. Moi, j'ai rien pu récupérer, donc je te laisse gérer. Youp. Du coup, j'ai même... Tu m'as dit que t'avais récupéré quoi? Parce que du coup, j'ai même pas vu ce que t'avais récupéré. Beaucoup de viande et le trophée du requin. Ah, un trophée ou c'est genre une tête que tu peux mettre? Non, c'est directement un trophée. D'accord. Bon, bah, on verra si on peut le mettre quelque part. J'apprends juste le plan de l'éolienne. Voilà. Et je fonce en haut. N'empêche, la bande-son, elle est belle. Elle est super belle, la bande-son de Raft. Et sachant que tu peux choisir s'il y a des musiques en continu ou si elles reviennent régulièrement, moi j'ai mis qu'elles reviennent le plus régulièrement possible. Histoire d'en profiter pleinement. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Putain, vous avez bouffé un clown ce soir, là, les potos, hein. C'est à fond, hein. Plus que moi, hein. Enfin, quoique non, bouffez pas des clowns parce que les clowns, ça me fait peur. Alors, évitez. Comment je fais pour monter déjà? J'ai oublié. Ah, c'est par là, je crois. Yep. Attendez, j'active mon petit cerveau. Bah t'as bien raison. Voilà, bien raison. J'ai bien raison, j'ai toujours raison. N'est-ce pas, Nico? Oui. Je t'ai entendu te marrer, hein. Même t'as avec ton casque tout pourri, j'ai entendu hein, que tu t'étais marré, hein. Non. Tu sais ça ou pas? Oula, y'a un rat, ça m'intéresse pas. Oh, pas après tout ça, hein. Tu vas pas commencer à m'enquiquiner le rat, hein. Merci, hein. Merci, bonsoir, hein. Ça m'intéresse pas. Foutez-moi la paix. D'accord? Je vous le dis. Vous me foutez la paix, bordello. La clé. Clé de grue. Allez, hop. Utilisez. Allez, fais chpung. Fais bouillachaka, là. Bouillachaka! Let's go! Je trace, Nico, hein, histoire que... Vas-y, vas-y. Que voilà, hein. Tu es chouette avec ta petite loupiote. Ouais, je sais. Je suis trop mignonne avec ma petite loupiote. Je sais, vous êtes jaloux. Vous avez bien raison d'être jaloux. On me dit pas que c'est pas fini, hein, parce que là j'ai envie de canner. Hein. Pitié, hein, laissez-moi partir d'ici. Attends, je vais peut-être pas aller aussi vite dans le trou. Ah, je crois que j'ai trouvé, c'est bon. Batterie améliorée, j'ai trouvé. Et la note, c'est bon. Et je trouvais métal, substance visqueuse et boulon. C'est bon, on a la note pour la prochaine île. J'arrive, mon amour. Ah bah attends, faut que je redescende du coup. Comment j'ai ça, pas faut la tyrolienne. Hein? Ah mais t'étais monté? Je t'avais dit que c'était ouais, pas la peine. Ouais, j'étais monté. Mais... Ouais, mais quand même, je voulais monter. D'accord, boy. D'accord. Fais bien comme tu veux, mon amour. Hein. Faut juste que je revienne à radeau et après les go bitches. Une testicule lumineuse. Quoi? Mais arrêtez avec ma testicule lumineuse. Vous voyez pas mes dents là? Vous voulez vous frotter à mes grosses dents, mes grosses canines là? Parce que vous regardez la loupiote, mais regardez plutôt la rangée de dents là en bas qui vous attend là si vous continuez à m'embêter, bordello. Vous êtes coquins hein, ce soir. Hein. C'est vrai, c'est pas mal. Vous profitez du fait que je suis fatiguée là. Ça fait je sais pas combien de temps de stream on a fait aujourd'hui. Je suis fatiguée là. La Senchu, elle va pas faire long feu ce soir et pourtant il m'en faut. Mais alors là, je commence à flageller là. À flancher, pas à flageller, oh putain. À flageller. Me flageller toute seule là, je vous le dis. Hein.
Je vais prendre mon fouet là, je vais faire chien, c'est une chie, tiens, hop là. Tout ce que je mérite. Au secours. Ça après, c'est moi qui va flageller, donc l'énervez pas. Hein. Ouais, c'est moi qui ai pas trop mon grade là. T'as l'habitude, c'est pas grave. Bon bah, du coup, je t'attends pour déco. Ouais, bah, j'arrive, là, je suis en train de nager vers le radeau. C'est bien, nage. Perso, je vois plus la couille fluo que les dents. Non, mais vous avez un problème. Ce sont pas des dents, ce sont des arêtes du requin. Mais non, c'est des dents, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez fumé ou quoi? C'est des dents. Vous les voyez pas, les dents, là? Bande de patates, là. Le flagelle, ouais, flagellation. Comment il va, sa mamelle? Il va bien, sa mamelle? Oui? Allez, sa mamelle, on va te faire une petite coupe, sa mamelle. Hop! Sa mamelle, hop, on va aller récupérer le lait de ghost aussi, parce qu'il a besoin de se faire traire, là, je le vois. Je lui réclame. Voilà, hop, et on récupère les petits œufs de Jojo. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Tout est normal. N'est-ce pas? Je vois pas où est le problème, moi. Mais premier degré, bonjour. Comment ça, premier degré, bonjour? Je suis trop fatiguée pour comprendre ce que vous êtes en train de me dire, là, les gars. C'est affreux, la phrase. Miss premier degré, bonjour. Ah, putain, miss degré, premier... J'arrive plus à lire vos messages, les bébous. Les yeux sont fatigués, là. Putain, le trophée est tellement énorme que j'arrive pas à l'installer. T'as essayé sur la maison des ruches? Enfin, la maison des abeilles? Putain, la maison des ruches. Oh, putain, j'y arrive pas, là. T'es... Non, je peux pas le mettre parce qu'en fait, c'est en dessous de quelque chose qu'il faut le mettre. Tu peux le jeter, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, s'il te plaît. Le chat aussi, je pense. Ça te dérange pas. Pour vous, public. Ouais, pour vous, public. L'entertainment, Nanou, l'entertainment. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un truc qui se pose, en fait. Oh putain, mais c'est beaucoup trop gros. On va pas mettre ça sur notre radeau. T'as vu la place que ça prend? Envie de canner, là. Bon, ouais, mais c'est pour impressionner les autres, ouais, tu vois. Je le mets, mais putain, regarde-moi ça. C'est pas du tout démesuré, le truc qui va faire flancher le radeau, tellement il est gros. T'as vu ou pas? Je l'ai mis, c'est bon. Et c'est aussi gros que le radeau. Ouais. T'as vu ou pas? Nanou. Ah mais non, j'avais pas vu, attends, j'ai monté. Nanou, ma nanou. Vous êtes réclamé sur le pont. Ah ouais. Ah, c'est... Là, le radeau, il va faire schlac. D'un coup, il va faire floup. C'est pas du tout démesuré, hein, ce pouf. Pas de problème, hein. Tout va bien. Ouais, mais ça annonce la couleur, tu vois, t'arrives, ah ouais, t'en bah, imposes. Ah bah oui, ah bah le petit requin, là, il va voir ça. Go faire la photo de pêche, du coup. Vous êtes littéralement le boss sur le radeau, ouais. Allez, hop, au lit. Ouais. Oh, pinaise, j'étais sûre qu'il allait faire ça. Oh, putain, je suis fatiguée. Au secours. J'ai faim. Je veux bouffer mon yaourt et ma compote. Ouh. Attends, je me délourde et je me décours. Vas-y, délourde-toi. Au secours. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va, là, c'est... Là, c'est la fin des haricots, je te le dis, là. Je peux plus, là. I'm so tired. C'est une boîte à meux. Ouais, bah, on se pose un peu la question, hein. Je me pose la question, j'avoue, là. Oh, ouais, ça va piquer demain matin. T'as mis le réveil, d'ailleurs, ou pas? Faudrait que je le mette. Ok, je vais te mettre un rappel pour pas qu'on oublie. Ça va, tu me connais bien. Ouais. Lui aussi, des fois, il faut faire un petit peu le disque dur externe. C'est plus souvent lui que pour moi, mais des fois, il faut le faire un petit peu. C'est même pas vrai, c'est de la médisance. Demain, le réveil va être dur. Oui, vu à quelle heure tu te lèves, ma petite Natsume, pas de soucis. Merci d'avoir suivi la live, ma petite Natsume. À demain. À demain, faut que tu sois en forme pour Phasmo pour me hurler dans les oreilles, c'est vrai. À demain, ma petite Natsu. Envie de canner d'avance. On va se marrer. N'empêche que les clips sur Phasmo, je crois que... Oh là, les clips sur Phasmo, c'est les plus drôles que j'ai montés jusqu'à présent, je crois. Enfin, tous les jeux d'horreur, en règle générale, qui me fait le plus rire. C'est bon, Nico? Ouais, c'est bon. Je viens de terminer ce que je voulais faire. Hop, et je me déco. Hop. Merci, mon petit Yannou. Eh ben, passez une bonne soirée, tout le monde. Des gros bisous. À demain. À demain matin. Ciao. Ciao.
Je vais regarder chez qui je peux vous envoyer, mais j'avoue que je suis un peu râlée pas crête. Je crois que vous avez envie que je fasse un raid ou pas? Parce que si vous en avez pas spécialement envie, je crois que je sais pas si j'en fais un. Je suis un petit peu au bout du roule là. Je vous avoue, j'ai juste envie d'aller prendre ma douche, me démaquiller, manger, dormir. C'est vroup, faire comme ça là. Envie de dodo là. C'est comme tu veux. Je regarde qui a connecté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Oh si, il y a ma copine. Si, il y a ma copine que je peux jamais raid. Il y a une copine que j'aime trop et qui est toute... Elle est toute pipou. Alors vraiment, c'est la définition du mot pipou, c'est cette jeune femme. Je l'aime trop et j'ai jamais l'occasion de lui faire un raid. Je vais lui faire un petit raid, ça va lui faire plaisir. Elle est adorable, vraiment, elle a un petit cœur de beurre. Je vais vous envoyer chez elle. Spécialement, je go dans le lit. Eh ben, let's go. Je vous envoie chez Tiffania. Je vous dis à demain matin pour la suite de Raft, de 8h à 11h, et ensuite il y aura du coup Phasmophobia avec Neipa et Natsume. Voilà, merci d'avoir suivi sur le live, merci pour les nouveaux, merci pour les anciens. Je vous fais des bisous et je vous envoie chez ma copine, vous allez voir, elle est toute pipou. Voilà, toute pipou. Économiquement, c'est impossible. Vous faites des bisous. Aïe, ah oui, ma lunette. Ça dépend chaque fois. Bisous, femme, bisous, hein, à demain. Moi,